Thank you.
Salut tout le monde, donc bienvenue dans le live du futur. Ouais. J'adore mes intros, elles sont tellement à chier. Bon, alors juste pour vous remettre un peu dans le contexte, là on est chez People, on est sur le média People, c'est le premier média de société sur Twitch. Et c'est avec People à qui Umeco a fait un partenariat pour pouvoir parler de sujets écologiques, humanitaires et du coup de la maltraitance animale, quoi, nos sujets d'habitude. Et voilà, et donc du coup, grand merci à eux parce que grâce à eux, on peut aussi du coup sensibiliser sur Twitch et c'est trop bien. Et être en partenariat avec un média qui se lance sur Twitch, c'est trop cool. Et voilà, et donc du coup, on a même fait déjà venir L214, Cédric Héroux et d'ailleurs Gab. Gab qui est ici présent avec Charlène, qui vont peut-être se présenter. Salut. Alors, merci de nous accueillir. Du coup, dis bien que t'es pas Gab. Je suis pas Gab. Donc, je suis Charlène, porte-parole d'Alternatiba et d'ANVE COP21, Action Non-Violente COP21. Et en partenariat avec Gab, avec les Amis de la Terre, Gab. Si je peux me présenter. Vas-y, présente-toi. Moi, c'est Gabriel, j'étais déjà venu à un autre live pour parler d'écologie populaire. Je t'ai jeté mon Bob. Exactement, et ton beau Bob, là. Que j'ai perdu entre-temps. Ah oui, ouais. Dommage, on va t'en racheter un. On va te faire un Bob floqué Amis de la Terre. Ah, cool. Donc, ouais, je suis chargé de mobilisation aux Amis de la Terre France. Et on va parler un petit peu de tout ça aussi. Trop cool. En tout cas, merci à tout le monde. Bonjour. Dis-moi. Si les gens ne connaissent pas Alternatiba ou ANV COP21 ou les Amis de la Terre, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions dans le chat et on complétera. Mais donc, carrément. Alternatiba, on est une force de mobilisation citoyenne pour la justice climatique et sociale. Les athées, vous êtes... Les athées, le petit nom. En train de dire les athées. J'ai pensé religion. Il y a les tasses athées, les trucs comme ça aussi. C'était une blague. Hein. Donc les Amis de la Terre, c'est une ONG qui existe depuis 50 ans maintenant. Une ONG qui existe depuis 50 ans, c'est une des premières ONG, on va dire, ou associations écologistes qui est née dans les années 70, presque en parallèle de Greenpeace, que vous connaissez peut-être un peu plus. Et voilà, d'ailleurs, bisous à elles et eux, qu'on connaît bien, c'est des copains, des copines. Et voilà, donc depuis 50 ans, on bataille sur le climat, merci. L'écologie, l'environnement, on est là. Merci pour cette bataille, on peut compter sur vous. Enfin, vous êtes les premiers à être un peu conscients du coup de cette problématique, ou du moins à agir sur ces thématiques. À l'époque, ouais, c'était des pionniers et des pionnières de la question, ouais. Trop bien. Bon, alors la team, je vois qu'il n'y a pas... Alors, attendez. Oui, les gens rigolent. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'était la blague de Gab, elle est super. Ah, mais c'est sûrement ça. C'est sûrement ça. pour ceux qui ne connaissent pas Umeco, maintenant je me présente. Vas-y. Donc Umeco, on est une association qui prend forme de médias, puisque notre objectif est de sensibiliser et d'informer sur les problématiques écologiques, humanitaires et animales. Donc on veut être un peu une passerelle entre les gens qui ne sont pas trop sensibles à ces sujets et les associations. Parce que les associations sont tellement occupées à agir sur le terrain et à travailler vraiment dur pour ça qu'elles ont un problème aussi de com et de vulgarisation sur tous ces sujets. Donc c'est là où on essaie de se placer nous. Et voilà, en résumé. Et du coup, j'ai oublié un truc essentiel sur Umeco, c'est qu'on n'est pas simple média, c'est qu'on va aller agir auprès des associations pour ramener des bénévoles. On a déjà fait des maraudes, des journées de dons pour le côté humanitaire. On va parfois dans des refuges d'animaux pour aider. Et puis, on fait plein d'actions avec nos amis, toutes les associations de Paris, etc. Et voilà, ça, c'est un peu notre chemin. Quand tu dis nos amis, c'est Amis des Lobbies, là, qui va venir tout à l'heure, nous faire une surprise. Non, ça va, on l'a cramé. nos amis, vous, en fait, vous, association. Tiens, on va se mettre le plan large, comme ça, on se voit. Bon, alors, du coup, pourquoi on est là? Pourquoi cette émission? Pourquoi l'émission du futur? Il y a trop de questions. Tout simplement, parce que moi, je peux commencer à le dire, et puis, comme ça, on va faire des petites prises de parole. Je la remets sur moi. Et donc du coup, les élections sont le 10 avril et que c'était important du coup de parler avec des associations sur les enjeux écologiques pour les prochaines élections. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu que vous êtes venus nous voir pour faire cette émission ensemble. Et voilà, est-ce que du coup vous voulez on l'a fait du coup avec Alternatiba, les Amis de la Terre et Action non violente COP21. Et voilà, et donc du coup, c'est pour ça que là, on débute, nous trois, pour parler du coup de cette petite... J'ai l'impression de faire de la Shakira.
Enfin voilà, mais en tout cas merci à tout le monde d'être là. Le but c'est aussi de parler avec vous, donc posez des questions, faites-nous rire, lâchez-vous, envoyez des clipper des trucs, enfin vraiment genre lâchez-vous. Ça va être un peu une émission what the fuck. Il y aura un concert, il y aura Amédée Lobby avec qui on va faire un petit sketch, etc. Ça va être la folie. Donc on espère que vous allez vous y plaire et voilà. Yes, on va passer plus de 3h30 ensemble, donc ouais. On espère que ce sera fun. Ils vont se barrer. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, en fait, l'idée de ce live, c'était de proposer l'écologie en tant que projet de société. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, certes, le climat commence à émerger dans les débats. Du coup, un paquet de candidats et candidates à l'élection présidentielle se mettent à dire « Oui, moi, je suis le plus écolo. Non, c'est moi. Non, c'est moi. » Avec des petites formules et puis un certain nombre de solutions ou de fausses solutions. Et nous, on voulait réexpliquer à quel point, en fait, le climat, c'est pas seulement le climat, mais ça ne sera rien sans la justice sociale et sans le fait de faire de l'écologie pour toutes et tous. Parce que, en fait, ce qui détraque la planète, c'est justement les inégalités, c'est justement ces mécanismes de prédation qui sont à l'œuvre. Et du coup, ça nous paraissait vraiment, vraiment grave, en fait, que le climat soit pas présent dans les médias et qu'il soit dévoyé par un certain nombre de candidats. Et on avait envie de remettre tout ça au cœur du débat public. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé des marches climat. Donc, il y a eu la marche du 12 mars, à laquelle vous avez peut-être participé, qui s'appelait la marche Look Up, donc en référence au film Don't Look Up, pour dire que le climat n'est pas suffisamment bien traité et que systématiquement, quand on voit les Oscars, par exemple, Chris Rock qui se prend une baffe par Will Smith, ça fait tout de suite la une partout, alors que le rapport du GIEC qui est paru il y a un mois maintenant, donc le deuxième volet du rapport du GIEC, qui était un véritable atlas de la souffrance humaine à venir, selon Antonio Guterres, qui est secrétaire des Nations Unies, ce truc-là est quand même pas passé assez, en une. Donc voilà. Alors qu'on parle quand même de la moitié de la population mondiale qui est d'ores et déjà impactée par le changement climatique. Ouais. Donc en fait, c'est concrètement nos vies, quoi. C'est de nos vies dont il s'agit. Et on a un quinquennat qui va arriver là, une élection présidentielle, qui en fait, qu'on ne peut pas se permettre de perdre 5 ans de quinquennat encore avec des fausses solutions. Ça impactera directement nos vies et les vies aussi d'un grand nombre de personnes sur la planète, enfin la moitié de la planète en l'occurrence. Donc voilà. Et... On vient de perdre 50% des gens. Merci, merci les deux. Non, c'est pas vrai. mais restez, on va faire des blagues avec des tasses à thé et tout. Non, je rigole. Non, mais mais c'est vrai que c'est important. Oui. Et de le rappeler aussi. Ouais, on parle de sujets graves. Après, on peut en parler de manière joyeuse. Et non, mais totalement, tu fais bien de le dire comme ça. C'est chez Alternativa aussi, de mobiliser dans la joie et de proposer une autre vision du monde, un futur désirable. C'est pour ça que le live s'appelle Live du Futur. D'ailleurs, n'hésitez pas à le live du Turfu. Avec hashtag le live du futur. Et ouais, voilà, en fait, si on perd ce quinquennat à venir, y a une marge de manœuvre qui se réduit de ouf. Plus on agit tard et plus la porte se referme, quoi. Et c'est exactement ce que le GIEC a dit le 28 février, donc il y a un mois. On a encore perdu des gens. J'arrête. Non, mais je rigole, je t'embête. Donc on a fait cette marche. Tu vas pouvoir montrer des images peut-être de la marche. Ouais, on va parler de la marche. Dire qu'on organise une autre marche le 9 avril, que l'idée c'était aussi de faire monter la sauce pour le 9 avril. Le 9 avril, c'est donc la veille du premier tour, pour dire que cette préoccupation est une préoccupation majeure et qu'en fait, les candidats qui n'en parlent pas ne sont pas à la hauteur. Ok, on va montrer les extraits et tout. Yes. Gabriel, mon humain préféré. C'est Natou qui dit ça. Petite question technique, ça dure. En fait, tu vois, il y a le chat. J'explique combien de temps du coup aux invités, que là il y a le chat, etc. Donc, petite question technique, ça dure jusqu'à quelle heure? Ça dure jusqu'à 22h30, 22h45, tout dépend du coup si Hélène elle chante trop, si nous on est un peu lent, etc. Donc voilà. Merci à tous les nouveaux. Il y a quelqu'un qui veut rencontrer Gab en vrai. Ouais. T'es l'idole. Oh là là. Ah ouais, il est aimé. Ouais. Les gars, le beau gosse. Bonjour à tous les nouveaux, merci d'être venus, c'est trop bien. N'hésitez pas, hop, je vous lâche le petit
truc relou. N'hésitez pas à aller suivre du coup la page, parce que souvent ici, avec par exemple, si vous êtes grave dans l'écologie, on parle beaucoup d'écologie avec Umeco, etc. Et sensibiliser sur Twitch, ça s'est jamais fait encore, donc si on peut vraiment se mobiliser là-dessus. Et je vois que il y a plein de nouveaux spectateurs, donc bonjour à tout le monde. Bon, on va commencer par parler de la marche, comme tu disais, Charlène. T'as peut-être déjà un peu tout dit ce que tu voulais dire ou... Ouais, tu peux montrer les extraits. Je t'envoie la cam et tu peux parler pendant que je cherche les extraits. Par rapport du coup à la marche du 12 mars dernière. C'est ça. On parlait du coup si vas-y. Tu veux. La marche du 12 mars, alors j'espère que vous y étiez. D'ailleurs, peut-être dites-le dans le chat si vous avez été ou pas à la marche pour le climat, à la marche Look Up du 12 mars. On avait essentiellement deux objectifs. Le premier, c'était de mettre le climat et la question sociale au centre de débat. Là, tout à l'heure, Charlène le disait, mais en fait, on a totalement zappé ce sujet dans ces derniers mois. On a parlé essentiellement de pandémie, vous avez tous remarqué, hein, qu'on en parle beaucoup moins maintenant du coup, et de tous les thèmes que portait l'extrême droite, donc qui sont les questions d'islam, d'immigration, etc., de racisme. On peut dire que on n'est pas nécessairement toutes et tous très intéressés à l'idée de parler chaque jour de thématiques qui en fait sont surreprésentées médiatiquement. Et donc nous, on avait constaté déjà à la base que le climat était l'une des principales préoccupations des Françaises et Français. Et dans les médias, vous savez combien on en parlait en proportion? Allez. C'est triste. Allez-y, balancez des chiffres. Combien en proportion? En pourcentage? Pendant que vous lancez les chiffres, on va mettre la vidéo, comme ça vous la voyez. Ouais. Et comme ça... Pendant que vous répondez. Et pour ceux qui n'étaient pas là à la marche, c'est pas grave, vous pouvez... session de rattrapage le 9 avril. Ah bah ouais. Et, s'il y a et pas on de en parlera d'ailleurs en conclusion et tout ça. Il y en a plein qui disent... Morcerolor qui dit c'est trop bien, ouais. Raphaël Lapaille qui dit ouais, j'y étais. Diatomé 12 qui dit non, désolé. Gaël Alternativa, oh bah tiens, c'est bizarre. Il y avait Gaël Alternativa qui dit yes. Enfin voilà. En attendant, on va vous lâcher. Ah, je vois 3% de la montagne des. Exactement, c'était moins de 3%. On va revenir sur le bilan après, mais donc du coup, c'était ça, en fait, la proportion de temps qui était dédié sur les médias et dans les débats politiques sur le climat. Et hop, on va vous lancer ça et on vous voit du coup. Ça. C'était l'extrait. Et voilà, je vous lâche la petite bulle avec les commentaires qui vont apparaître. Voilà, l'extrait, j'espère qu'il vous a plu. C'était un super job. Qui l'a fait? Ah ben, on peut pas le dire. Ok. La tête qu'il a fait, j'adore. Non mais grosse dédicace à l'équipe de vidéastes, hein, d'Alternativa et des autres organisations là, qui ont fait un taf de ouf avec tous ces rushs et le montage, quoi. Ok. Du coup, on peut parler des objectifs de la marche qui était grave cool, je m'en souviens, tu nous as fait monter sur le camion, on a filmé, on a fait pas mal de rush. Ouais. Vas-y, parle-nous un peu des objectifs. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée c'était vraiment de faire émerger la question climatique et sociale dans les débats. Hein, tout ça c'est parce qu'on était à un niveau tellement bas en termes de pourcentage de temps d'attention là-dessus que c'était honteux. Charlène le disait tout à l'heure. Ça a marché. Ça a marché, d'une part parce qu'on a réussi à relever ce défi-là. Non pas uniquement grâce à nous, mais aussi parce qu'il y a eu un bien débat sûr. Qui s'appelait le débat du siècle, hein, le jour d'après, organisé exact. Par l'affaire du siècle. On vous invite à regarder le replay parce qu'il y a beaucoup de contenu aussi là-dedans. Et du coup, on a atteint dans ces jours-là les 12% de couverture médiatique sur le climat. Sur la chaîne Twitch de Jean Massier, du coup. Ouais. Exact. Ouais. Bonne sur la chaîne Twitch comme ça. Et d'ailleurs... Et un salut à lui aussi. Et d'ailleurs, du coup, c'était 2,7% ou 3%? Parce que là, c'est... C'était moins de 3%, moins c'était 2,7%. Exactement. Et du coup, Axel et Marie... Hein. Ah bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est deux personnes de Umeco. Si vous répondez tout correctement ce soir, vous gagnez une tasse à thé. Je le balance ça ici. Et le deuxième objectif, c'était d'appeler à voter en fait, d'appeler à voter pour le climat et la justice sociale.
Et donc, de ce point de vue-là, ben, aussi, c'est réussi parce que c'est un message qui est passé dans les médias. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous touche particulièrement par rapport à ces marches-là, c'est pas déjà les chiffres. Il y avait énormément de personnes dans la rue, compte tenu du contexte avec la guerre en Ukraine, etc. Il y avait 80 000 personnes partout en France qui marchaient pour le climat. Il y a plus de 100 territoires qui se sont mobilisés et près de 600 organisations qui ont rejoint les appels, qui ont signé, qui sont venus avec nous dans la rue. Donc c'est gigantesque. Et je pense particulièrement à certaines organisations, notamment celles qui s'occupent vraiment du social et de l'extrême précarité, comme ATD Carmonde, Passons-nous, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qu'on va voir un peu tout à l'heure aussi. Et c'est important parce que c'est une alliance qui s'est construite dans le temps. Ça fait depuis 2018 que les marches pour le climat ont le vent en poupe, on va dire, donc, qui ont beaucoup de succès. Mais en plus de ça, de plus en plus d'acteurs qui s'occupent des questions sociales s'allient avec la question environnementale et climatique parce que les deux sont extrêmement liés. Et on voit que non seulement on se retrouve dans la rue, mais en plus on produit des propositions, des revendications, des choses qui concernent nos vies en fait. Et qu'on sorte un peu de ce mythe, d'un peu des deux mythes de l'écologie, tu vois. Avant 2018, quand on pensait environnement, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, vous me direz, mais quand on pensait environnement, on pensait... petit geste, tu vois, voilà, tri de déchets, fait pipi sous la douche, etc., etc. Eh bien, on est passé vraiment d'une image de cette écologie-là, des petits gestes, arrêtez à une écologie de faire pipi sous la douche. Non, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et j'arrête. Et du coup, on est passé de cette vision-là à une vision où on se dit, il faut vraiment changer les choses en profondeur, quoi, parce que c'est nos vies qui sont en jeu. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est très beau de voir, sur le camion que tu as vu, des personnes qui viennent faire de la mobilisation dans les quartiers populaires, monter sur le camion et dire, l'écologie, en fait, ça nous concerne et on est extrêmement mobilisés là-dessus aussi, de voir toutes ces organisations qui font un taf de ouf se retrouver là-dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas, le 9, si vous voulez venir, c'est la folie, c'est trop bien. Moi, je serais pas là, parce que, enfin, si je suis là, mais en mode, je suis partout, tu sais, genre, je vais au camion, je vais en arrière, je vais partout, parce que je fais des rushs, parce que le but, c'est aussi de revoir tous les gens avec qui on est, tu vois, avec qui vraiment on kiffe et avec qui on s'entend trop bien. Et les marches, c'est là où on est tous, en fait. Mais c'est comme je le prends comme une rue où tu t'amuses avec tout le monde, où tu parles avec tout le monde, et je sais pas, genre, tu fais plein de trucs, tu vois, différents. Moi, je me tape des grosses barres avec Gav et tout, quand je monte sur le camion. C'est ça. De l'énergie, ça redonne de la force, alors qu'on sort d'une période extrêmement morose avec le Covid. On sort en plus, donc il y a eu l'invasion de l'Ukraine par Poutine qui a complètement sidéré tout le monde et qui était vraiment un événement dramatique, mais qui nous a montré aussi que notre dépendance aux énergies fossiles, elle était délétère. Et donc, faut voir la marche comme vraiment un moment de se redonner de l'énergie, d'être ensemble. Et c'est pas le seul moyen d'action, bien sûr. Mais c'est un moyen qui est primordial et dont il faut s'emparer. Donc venez le 9 avril, on va en reparler. Mais... Voilà. Oui, on va en parler à fond. Alors attends, je vous lis un peu là, c'est assez marrant. Ils vont faire pipi sur la douche. C'est le pipi sur la douche, c'est parti. C'est parti. On va se faire la douche. Ouais, c'est agréable de faire pipi sur la douche. Pourquoi c'est dangereux? franchement, les marches, ça donne la force, mais carrément, Tosem. Et bonjour, coucou officiel, le sang, comment ça va? Pourquoi pas faire pipi sous la douche? C'est si tout vous à avez, fait ok de faire pipi sous la douche si ça vous plaît, c'est juste que c'est pas ne te sens pas écolo parce que tu fais pipi sous la douche, quoi. Tu fais pas du bien à la planète, ça revient même. Voilà. Mais oui, ne touche pas et là du coup tout le monde doit se toucher, tout va bien. Mais la question c'est, tu vois, genre si on cumulait tous les petits gestes que chacune on peut faire, on ne résoudrait pas la question climatique. Ouais. Ça, c'est un grand mensonge qu'on nous a balancé pendant toute la vie. C'est que vraiment, c'est à nous de prendre la responsabilité. C'est aussi à nous. Et c'est un mensonge qui sert le système. Exactement. C'est un mensonge qui a été véhiculé pour dire que c'était un truc d'individualité, en fait. Or non, le changement de système, il est collectif. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se retrouver dans la rue. Et il y a des responsables, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Et c'est ces responsables qui doivent payer. Avec un mid lobby, non. on n'a plus rien à dire par rapport aux marches. Si, venez, ça va être la folie. Marche pour le futur, en fait. En plus, il y a plein d'artistes, hein, mais peut-être qu'il faudra peut-être pas en parler maintenant, mais. Je sais pas si on a. Je vais rapper. Non, je rigole. Voilà, ne venez pas alors. Du coup, Charlène, tu voulais aussi nous parler du plan A. Ouais, c'est aussi exactement. Pour ça qu'on a fait cette émission. Et du coup, je te donne la parole. Et puis en même temps, on va aller voir sur votre site internet directement. Comme ça, je sais qu'il y a une pétition à signer et plein de choses. Donc, hop. Trop bien. L'idée, c'est j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'on était anti-tout. Alors, je sais pas si c'était une blague. Mais non, on n'est pas anti-tout. Justement, on est pour une écologie en tant que projet de société. Et c'est pour ça qu'on a créé le plan A.
Donc le plan A, c'est quoi? C'est un appel pour dire qu'il n'y a pas de planète B et qu'en fait, on veut bien tracer la ligne, avoir une boussole entre une écologie des petits gestes néolibérales ou de fausses solutions, etc., qui en fait ne résoudra pas la crise climatique, en plus d'aggraver les inégalités, et notre écologie qu'on porte nous. Et donc on a choisi de faire un truc assez simple. Tu vois, l'appel, il y a seulement quatre grandes mesures qu'on porte. C'est des mesures qui vont toutes dans un sens pour trois grandes choses qu'on veut faire. En fait, on veut améliorer nos vies dès maintenant, parce que l'écologie, ça ne veut pas dire la privation. Alors, ça attends, veut dire justement d'améliorer nos vies. T'as peut-être regarde, c'est là. Vivons dignement dès aujourd'hui, okay, ce truc-là. Donc un grand axe, tout simplement, de l'écologie, c'est ça. C'est aussi de faire vivre mieux ceux qui en ont besoin. Ensuite, de construire un avenir ensemble, donc de préparer l'avenir, d'anticiper, avec notamment la question de l'emploi, et on va en reparler, et puis faire payer les responsables. Gab le disait tout à l'heure, il y a des responsables à la crise climatique, et il faut les faire payer. Et donc, on porte quatre mesures, donc vous pouvez aller signer l'appel tout de suite, faites-le, comme ça, c'est fait. Est-ce que je ne le fais pas? Non, parce qu'il y a mes codes après. Mais donc voilà, c'est sur leplan-a.com. Vous y allez, vous pouvez signer l'appel. Voir, et du coup, les quatre grandes mesures qu'on porte, c'est les mesures en fait, qu'on va vous présenter pendant ce live, ce soir. Donc, on a invité en fait, des partenaires qui travaillent ces thématiques depuis longtemps et qui peuvent vous en parler mieux que nous pour expliquer ce que c'est que donc, ces quatre mesures. Les quatre mesures qu'on porte, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, je ne sais pas si ça dit grand-chose aux gens ici, mais justement, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mmh. On est là pour ça. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, la rénovation thermique des bâtiments. Je pense que ça, c'est un peu plus dans le débat public, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Et puis, donc la garantie de 2 millions d'emplois verts, sachant qu'aujourd'hui, il y a 2,4 millions de chômeurs en France. Donc 2 millions d'emplois verts garantis, ce serait déjà génial. Et faire payer les responsables, en particulier en taxant les revenus du capital. C'est pareil, c'est peut-être flou pour vous. Restez jusqu'au bout pour savoir ce que c'est. Et moi, j'ai une petite question. Moi, j'ai une petite question, du coup, sur les logements. Est-ce que le fait que ton appart soit pas bien aéré, mm-hmm. qu'il y ait des moisissures et tout, c'est lié à ça ou pas du tout? Oui, oui. Ah ouais? Ah bah, moi, je le vis en plus, c'est ça. Ouais, c'est mais ça tout le monde le vit. Enfin, tout le monde. On est une très bonne partie de la population française à le vivre. Là, vous allez voir avec la Fondation Abbé Pierre. Mais on parle de près de 12 millions de personnes concernées. Moi, je suis concerné, toi, t'es concerné, toi peut-être d'ailleurs aussi. C'est particulièrement vrai dans les grandes agglomérations. Et c'est un problème à la fois écologique au terme énergétique, c'est énormément de gaspillage d'énergie, mais aussi et surtout un problème de santé et de pouvoir d'achat. Parce que du coup, tu te retrouves non seulement avec des moisissures qui sont pas bonnes du tout pour ta respiration et pour ta santé, mais en plus, tu t'exploses tes factures d'énergie. Donc au final, tu le ressens à la fin du mois, quoi. Ah ouais, donc en fait, parce qu'en plus j'ai trop du mal, dédicace si ça m'étonnerait, mais si mon agence le voit. Mais du coup, en fait, il retarde à chaque fois les travaux parce que voilà. Mmh. Et en fait, du coup, ouais, c'est ma santé qui prend le retard, quoi, le fait de ne pas vouloir agir, tu vois. Ouais, ouais. Je suis sûr, si tu fais un sondage dans le chat, tu vois. Y a bah ouais, grave, bonne idée. Mais viens ma place. Mais on est là. Il est là. Non, mais gars. Bah attends, d'ailleurs, ils ont répondu, mais est-ce que vous avez des moisissures à la maison C'est Axel que j'ai vers chou dans la maison qui dit José qu'avoue qu'il fait pas le ménage chez lui. c'est pas vrai. C'est les moisissures. Je laisse, je prends la photo et je dis regardez ce qu'il y a, tu vois. Et là, ça fait trois mois que je l'ai laissé. On lance un plan pour José. Du coup, est-ce que dans le chat, vous avez vous aussi des moisissures à la maison, des problèmes de d'aération? Parce que normalement, je sais que les portes, il faut les surélever. Je sais plus ce qu'il y a. Il y a des aérations à mettre un peu partout. Du coup, il y a plein de choses. Passoires thermiques, quoi, c'est ça. Ouais, passoire thermique, ouais. Je me demandais ce que c'était. Je connais que celle des pattes. Je change ma cam tellement. Faut un gif passoire là. Ah oui, carrément. Moment flottement, comme on dit. Tu vois, il y en a plein qui disent salle de bain. Surtout la salle de bain. Ouais. Et Paris, c'est souvent le cas. Prune qui dit ça. Et bref, il y en a plein sur les fenêtres. C'est ça. C'est trop bien. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de faire rentrer la première invitée? Non, je crois qu'on a tout dit là, donc restez jusqu'au bout pour mieux comprendre tout ce plan A. N'hésitez pas à tweeter avec hashtag le live du futur. Partagez. Aller voir le plan A donc, sur notre site internet qui est tout beau, qu'on a fait pour. Et puis partagez l'info parce qu'en fait, l'amorosité, c'est pas. On n'est pas condamné à l'amorosité. On a une élection qui arrive, on peut s'en saisir. Et on peut se saisir aussi de tous les autres moyens à notre disposition pour
pour faire changer les choses. L'amorosité n'est pas une fatalité. Non, voilà. Avec le live du futur. Et sur cette jolie punchline, je vais laisser la place à Camille et Étienne. Et Camille et Étienne qui va nous rejoindre dans une minute ou deux. Et on va parler du coup d'engagement. On va parler du coup, j'en prends un peu mes fiches, désolé. De Total, de Hicop et toutes les actions qu'on a faites ces derniers temps. Du coup, le projet Hicop, on en a parlé aussi, j'en ai parlé pendant ma chronique. En fait, c'est marrant parce que j'ai fait déjà deux vidéos dessus. Ouais. J'ai fait une recherche un peu vitef où j'avais justement été voir votre compte sur Amis de l'Ami. Il y a Camille qui est rentré. J'allais dire Amis de oui. Tu peux juste passer par là. Ou alors tu viens et tu me fais coucou en même temps. Coucou. Elle a dit. Je suis mort. Et donc voilà. Bah du coup Camille, t'es là. Bonjour. Ce sera cette cam. Je regarde cette cam. C'est ta deuxième, troisième fois sur Twitch, non? T'en as déjà fait pas mal déjà. J'ai non, vu avec. J'ai fait sur la chaîne d'Hugo. Ok. C'était bien. C'était son baptême de sa chaîne et mon baptême aussi. Et on a fait une aussi avec Sandrine Rousseau, je crois. C'est tout. Ok. Bah moi je veux que tu je veux que tu te sentes bien ici à la maison, tu vois. C'est on se connaît tous des actions, donc t'es chez toi, t'es chill. T'as assez d'eau. Je bois même déjà ma petite tasse, donc c'est bon. De la bière. De l'eau, je suis très belle. C'est bon, j'ai mis trop hier, là, il faut que je... Moi, je suis chaud que l'équipe elle nous ramène pendant cette petite transition un peu d'eau, parce que j'ai trop soif. On peut la mienne. Non, Covid et tout. Non, je regarde. Okay, super, merci. On peut commencer peut-être par une petite présentation, et après on va parler du coup, comme j'ai dit, d'engagement. On va parler de l'action Hicop, l'action qu'il y a eu avec XR que t'as partagé aujourd'hui aussi, qui est grave cool. On va pas vous spoil. Et voilà. Et si vous avez, bonjour Camille, t'as des fans. Salut Camille Etienne, bah ouais, tu peux un peu regarder. Ah, il y en a qui ont regardé le podcast avec Guillaume Meurice parce qu'on dit Madame la ministre de la fin du monde. Oui, c'était très drôle. Et puis, on parle de salle de bain encore, donc on va les lâcher. Ils sont trop mignons dans le chat, il y a plein de monde. Merci. N'hésitez pas encore à partager avec vos amis. Et puis, je vous lâche ça aussi en même temps pour la chaîne People qui nous héberge. C'est trop, trop bien. Ah, c'est trop cool. La petite régie nous amène l'eau. C'est bon. Tiens, merci. Vas-y Camille, présente-nous un peu du coup qui tu es. Je prends qui je suis. Je suis une activiste pour le climat de manière générale. Et voilà, j'essaie de faire plein d'actions un peu différentes, que ce soit du lobbying, que ce soit des actions directes, des obéissances civiles, que ce soit utiliser l'art aussi par des films un peu, des actions avec des danseurs, des danseuses. Voilà, tout ça. Et que ce soit aussi un peu de la vulgarisation scientifique, ça j'aime bien. Utiliser le fait que je puisse avoir accès à des scientifiques qui puissent nous dire voilà, il y a ce sujet-là dont personne ne parle qui est hyper flippant. Ce serait bien qu'on arrive à mobiliser des gens et à créer l'actualité sur ce sujet pour que les politiques ne puissent plus nous ignorer et cèdent un peu sous cette pression. Donc ça, j'aime bien faire ça aussi. Voilà. Merci parce que t'es d'une grande aide. C'est vrai. Mais comme vous, les amis de la Terre, ça change la donne quand t'as des personnes qui. En fait, la vraie différence qu'on a depuis 2018, en l'occurrence, c'est que tu vois, des personnalités comme toi et d'autres, vous avez mis à contribution votre capacité justement à parler à d'autres, d'une autre façon de ces enjeux-là. Et en fait, ça change tout pour les ONG. Moi, j'en parle, on dirait un papy qui parle. Mais mon ONG, elle a 50 ans. Et du coup, mais même pour les mouvements citoyens qui existent depuis une dizaine, tu vois. Tiens, bon, il n'y avait pas de foutu ou rien. Et du coup, ça change tout de voir que ces sujets-là mobilisent, on le voit dans la rue, hein, ça a un impact direct, ça impacte des personnes, des générations qui n'étaient pas là dans la rue avant. Et moi, je peux le dire parce que les premières marches pour le climat que j'ai commencé à faire, c'était en 2014. Et le public, il a changé radicalement, en fait, tu vois. Donc, c'est grave utile ce que tu fais. Ouais, c'est marrant parce que sur le plan cam, on dirait des amoureux. Oh. Du coup, non. Attends, je fais vers le musique. Les organisations, c'est les ONG. C'est ouf. Non, mais on se connaît depuis qu'on avait tout petit des petits follows. Des petits follows. Je me souviens, on avait grandi jusqu'aux 7000 et après, t'as fait miaou. T'as fait la fusée. Mais ça fait ultra longtemps qu'on se connaît un peu tous. Enfin, ultra longtemps. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans le terrain. Bah, c'est une belle bande aussi. Enfin, c'est ça donne quand même vachement de force le fait d'être ensemble et de. Et d'avoir des gens, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on débat et qu'on avance, c'est ce qui me donne la force au quotidien, en fait. C'est d'être avec
bah, des potes aussi, quoi, qui sont hyper engagés, du coup, de se retrouver sur les actions, de suivre les coups de main, de, bah, sur l'action dont on va peut-être parler, ouais, pour entrer dans le dur du sujet, là. tu m'as grave aidé aussi. Enfin, c'est très cool de savoir qu'on peut toujours compter sur les uns les autres. Et ouais, en vrai, le mouvement climat, genre, là, j'étais à une conférence, il y a une fille qui est venue me voir à la fin en disant, mais c'est trop bien, mais mes amis sont pas du tout là-dedans, j'ose même pas aller une marche toute seule. Enfin, je dis, mais en vrai, viens te pointer seule à la base, envoie un message Alternatiba, t'en as une marche, et tu verras qu'après, tu seras plus seule. Et le fait d'être entouré de gens qui vont penser comme toi ou qui ont cette même sensibilité-là que toi, ça va être des potes géniaux sur qui tu vas pouvoir compter et qui vont te donner encore des billes pour radicaliser ta pensée. Être dans l'action, ça permet aussi d'être hyper joyeux, de le faire ensemble, c'est genre dingue. Ouais. Donc c'est important, en vrai, c'est pas très anecdotique le fait que ce soit aussi une bande de potes, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai été à la base tout seul, sans mes potes. D'ailleurs, mes potes, ils sont toujours pas là. Je sais même pas s'ils sont dans le chat. Je sais même pas s'ils sont là, tu vois. Mais pour vous dire que ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est là où je t'ai rencontré aussi, Gab. J'étais tout seul, je faisais du TT, je commençais mes cours avec mon ordi tout seul et tout le monde venait me voir. On me dit, tu fais quoi? Et en fait, ouais, c'est juste comme ça. Tu te mets un petit coup de pied au cul et allez, vas-y, pourquoi pas aller rencontrer des associations sur place, des gens, etc. Puis comme tu dis, c'est aussi eux où tu ressens un peu cette étincelle, cette envie d'agir, tu vois, de changer les choses. Et voilà, enfin moi c'est comme ça que je suis le plus heureux maintenant, en tout cas. Je peux en placer une pour la base. Vas-y, place. La base qui a besoin toujours de votre soutien, c'est notre QG. Mais il y a aussi d'autres bases en France, la base Marseille, la base Nantes, etc. Ils disent. Et bon, pour avoir été des cofondateurs de ce lieu, je peux aussi vous dire que ça change tout d'avoir des gens qui sont là, qui se retrouvent de façon informelle, au-delà du fait de taffer toujours des trucs, etc. D'avoir un espace où on peut aussi se débriefer au calme, se sentir en sécurité et se lancer des défis, quoi, se lancer des idées, etc., etc. Donc soutenez les lieux comme ça, parce que ça fait toute la différence pour un mouvement. Waouh. Yes. Waouh. on va switcher sur le pourquoi s'engager, même si on l'a un peu dit, et de quelle façon de le faire. Je vous laisse la parole et vous commencez. Bam, wow. Je vous lâcherai comme ça. Pourquoi s'engager? Wow. Pourquoi s'engager? Non, 3 heures, il faut pour ça. Mais non, je sais pas. Pour les gens du coup qui sont pas engagés, bien sûr, toujours. Parce que les gens qui sont déjà engagés. Bah du coup, j'enlève ma casquette ami de la terre. Oui, t'en as pas ça, là. Activiste, tout ça. Mais si je mets ma casquette à moi, genre Gabriel, enfin voilà, sans cheveux et tout. pourquoi je suis arrivé là-dedans, c'est que à un moment donné, je me suis demandé, parce que moi j'ai commencé très tôt. J'ai commencé quand j'avais 13-14 ans. À faire de la politique et tout, etc., etc. Et après, je suis arrivé à l'engagement associatif après. Et un jour, je me suis un peu arrêté, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé en fait dans la vie qui a fait que je suis rentré dans ces bails-là? Parce que mes parents ne sont pas du tout politisés. Mes potes, encore moins. C'est-à-dire, je pense que c'est le cas de la majorité des gens en fait, hein, autour de nous. On a peu de soutien là-dedans, on discute peu de ces questions, etc. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est ma maman. Ah, okay. Et tu vois, genre. Clairement, la situation sociale de ma mère. Voilà, femme précaire, indépendante depuis ses 17 ans, qui n'a pas terminé ses études. Et je voyais galérer ma mère. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça a vraiment alimenté une certaine colère. Et après, je pense que par les lectures que j'ai eues, etc., j'ai connecté cette colère avec une idéologie politique, des idées politiques, etc., etc. Et c'est ça qui m'a poussé à aller là-dedans. Et aujourd'hui, je me retourne parfois en essayant de regarder le gamin de 14 ans qu'il y avait. Et je me dis, bon, il avait plein de cheveux déjà. Et puis, je comprends, tu vois. Il a bien fait d'être en colère. Il a bien fait de faire en sorte que cette colère devienne un moteur pour l'action. Et de plus en plus, aujourd'hui, je me dis, contrairement peut-être à une certaine tendance, tu vois, j'ai 32 piges maintenant, je ne suis pas moins en colère. Je le suis plus, tu vois. Je suis plus en colère et j'ai encore plus envie de m'engager, encore plus envie de faire de l'activisme. Et ça me nourrit profondément, de façon positive en fait. C'est pas une colère qui me rend haineux dans mon coin, etc. Ça me pousse à aller voir des gens, ça me pousse à mettre des idées sur la table, à faire de l'action de désobéissance civile aussi, parce que profondément je trouve que ce monde est très très injuste et ça me fait péter des câbles. Donc je préfère le faire avec mon mouvement, avec des gens que j'adore, plutôt que
de rager dans mon coin, quoi. Ouais, c'est totalement bien. Il y a eu deux, trois commentaires qui disent souvent, Léa qui dit souvent, on veut s'engager, mais nos proches ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et il y a un petit cap entre à passer, j'arrive pas à lire, je suis désolé, à passer, et aller pour aller voir les assos en solo. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est pas simple. Personne seule qui n'a pas nécessairement tout de suite. La force d'aller franchir le pas, voir des gens, etc. etc. Donc ouais. C'est notre rôle aussi en tant que mouvement de rendre ça, de tout le monde, hein, tous les activistes, ça rendre ça plus... cool. Ouais, ouais, exactement. Totalement. Jouable, faisable, vrai, quoi. Ouais. Il y a une autre personne qui a dit, comme des fous, c'est un mouvement très parisien et blanc, ce mouvement climat. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, je trouve. Enfin, quoi, moi, je suis espagnol. Ouais. Je crois que t'es italien. Ouais, ouais. Donc mais... au fait, mais ouais, mais on est là. Blanc, la question, c'est pas là. La question, c'est effectivement, c'est est-ce qu'il y a des personnes racisées, des premiers concernés, ouais, etc. C'est ça. C'est une super question. Je peux y répondre en deux. Je veux pas te prendre ton temps de parole aussi, tu vois. Ça, c'est une vraie question qu'on s'est posée en tant que moment. Pour mon cas, je suis racisé. Voilà, une partie de ma famille est égyptienne, donc etc. Maintenant, je fais pas semblant. J'ai un nom italien et tout, donc j'ai aussi ces privilèges-là. J'ai eu la chance de sortir de mon pays et faire des études qui m'ont amené. Au final, à revenir au militantisme, parce que c'est ça qui me drive. Mais au-delà de mon cas personnel, parce que chacun pourra se trouver des justifications, il y a eu des recherches qui ont été faites sur les marches pour le climat, la pétition de l'affaire du siècle, et effectivement, par des collectifs comme Quantité Critique, que je vous invite à aller regarder. Et il y a des tendances qui sont vraies, qui sont confirmées. Il y a une grande partie de la classe moyenne, enfin en tout cas, la majeure partie des personnes qui s'engagent dans ces événements-là, je précise, donc les marches, les pétitions, etc., sont des personnes blanches de classe moyenne des grandes villes. C'est vrai statistiquement. Maintenant, il y a un biais là-dedans. C'est que ces recherches ne vont pas regarder toujours là où ça pourrait nous intéresser, du coup, d'aller voir justement où se trouvent les autres personnes, en fait. Donc, les personnes racisées, les personnes qui viennent des quartiers populaires ou des milieux populaires au sens large. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure avec Nicolas Giraud, Fatima Wassak, etc. Mais en vrai, si tu vas, par exemple, dans des villes comme Bagnolet, si je parle uniquement du 93, de ce cas-là, mais il y en a partout, si tu vas regarder dans les quartiers populaires, la plupart du temps, il y a déjà énormément d'associations composées par les personnes qui habitent là-bas, qui vivent là-bas, etc., qui traitent des questions d'écologie. C'est juste qu'on va jamais les regarder. Et donc, on a un biais, on fait semblant de ne pas regarder là-dedans. Mmh. Mais en fait, si on y va, on y va. Et nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, nous, on a cofondé la Maison de l'écologie populaire avec le Front de mer, donc de Fatima Wassak, qui est une organisation, un syndicat de parents d'élèves, donc composé essentiellement de mères musulmanes, qui travaille sur l'écologie. C'est pas une organisation des quartiers populaires qui s'allie avec les écolos. Non, non. C'est déjà une association écologiste portée par des personnes qui sont les premières concernées, qui portent des campagnes incroyables, on le verra tout à l'heure avec Fatima Wassak. Et c'est là que tu te rends compte qu'il suffit juste de braquer la caméra ailleurs que sur les marches pour le climat. Tu te rends compte qu'en fait, le mouvement climat, il est beaucoup plus diversifié qu'on le voit dans les marches ou les pétitions. Tu voulais dire un truc dans cette approche? Non, mais il gère, c'est ouf. Non, mais t'as tout résumé. Je pense qu'en plus, Fatima parle très très bien. Donc du coup, rester après, je pense qu'elle dégomme tout à chaque fois. Mais oui, donc du coup, ça... Pour tirer un peu le fil de ce que tu dis, c'est aussi l'idée de dire d'aller... Enfin, de pas considérer l'activisme, parce qu'on est tous d'accord ici... qui s'arrêtera en marche climat, c'est un moment super important, et venez le 9, ok, parce oui. que ça nous donne de ouf de la force, enfin, déjà rien que le fait d'être ensemble, c'est pas vivre dans l'illusion que on va faire une marche, d'un coup ils vont dire, ah pardon, t'es pas au courant, peut-être qu'on a commencé avec cette forme d'insouciance, parce que c'était un mouvement très très jeune, enfin quand on parle des marches après Greta, etc., mais en fait ça donne une force de dingue, on rencontre plein de gens qu'on voit pas forcément dans toutes les actions, et on va... Et du coup, faire plein de liens aussi, préparer d'autres actions. Enfin, moi, le nombre de fois où ça m'arrive, que ce soit sur des marches, où y a d'autres idées d'action qui sont nées, et où j'ai chopé des contacts de gens que je rencontrais pas vraiment. Et en fait, on se dit, ah, mais c'est toi qui as fait ça, mais c'est très cool. Bah, viens, pour l'action totale, on pourrait faire ça ensemble. Donc, c'est quand même vraiment absolument nécessaire, à mon sens, pour avoir ce sentiment de commun, aussi pour engager avec nous des gens qui sont très, très loin de ça. Donc, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller demander... À des gens qui n'ont jamais fait de l'activisme de leur vie, d'aller faire on a organisé un truc où on est rentré dans une réunion de gens de Total pour faire un truc de désobéissance civile, on risque la garde à vue, on risque plein de choses, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut demander à quelqu'un qui dit juste coucou, bah j'ai un peu peur pour la banquise, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc en fait, ces marches climat, c'est aussi un super moyen de radicaliser des gens, et du coup le fait que des personnes qui ont une pensée plus radicale, qui ont un engagement encore plus divers, viennent et embarquent avec eux d'autres gens,
c'est, pour moi, c'est la transmission. C'est comme l'éducation. C'est avoir l'humilité, en fait, de se dire on n'est pas tous arrivés comme ça en étant des écolos parfaits. On est arrivés par plein de moyens différents. Les marches climat, c'est un pas. C'est pas forcément et nécessairement le premier, mais c'est un pas qui est cool. Il y a de la musique, il y a, on va venir par des artistes, on essaie de faire un truc qui soit un bon moment aussi pour que les gens disent « Ok, vas-y, allez, je passe cet après-midi. » Et qu'en fait, ils retrouvent cette colère que tu disais, qui est une colère hyper transformatrice et qui arrive à créer quelque chose. Et que du coup, de cette espèce d'anxiété généralisée, de cette espèce d'impuissance latente, ils arrivent à transformer ça en action. Et du coup, pour moi, c'est ce rôle-là qu'elle marche. Et du coup, ça reste quelque chose de très important, quoi. Il y a aussi. Du coup, finalement, voilà, on a fait un peu. Mais la façon de le faire, en fait, de s'engager. Et il y a aussi, c'est tout bête, mais moi, c'est sur les réseaux. Enfin, je viens aussi sur le terrain, mais il y a beaucoup de membres d'Umeco qui restent sur Umeco et sur les réseaux. Il y a aussi peut-être même des trucs tout bêtes, même pour pas parler de climat, mais il y a les maraudes où on va aider des réfugiés. Enfin, il y a plein de petites actions toutes douces comme ça. Ça peut être brutal, mais d'autres. Je vais revenir après. Camille, tu me déconcentres à regarder le chat. Non, tiens, je te le lève. Gabriel, l'ami italien. Je suis Gabriel. Il faut aller en gros, comme tu dis, tu peux peindre, tu peux dessiner, tu peux aller faire de la danse, comme on fait. Il y a plein de choses, en fait, pour s'engager. La seule chose, peut-être, dont je suis sûre du haut de mes 23 ans, donc prenez ça avec des pincettes, mais. C'est justement qu'on n'a pas trouvé de formule magique de comment est-ce que l'activisme devrait être pour que l'on aille mieux. On a chacun des pistes de réflexion, on tente des trucs, on se plante, on n'a pas le temps d'avoir une sorte de stratégie absolument parfaite avant de se lancer parce qu'on a, des limites planétaires qui sont en train d'être dépassées, on a très concrètement des gens qui aujourd'hui meurent du dérèglement climatique. J'étais avec Vanessa Nakate, Hilda Maxwell qui sont des personnes des activistes qui viennent d'Ouganda, et là on se bat contre un projet contre Total qui s'appelle ICOP, pour eux c'est vraiment une question de vie ou mort en fait. Donc à un moment donné, on peut pas se permettre d'avoir ce luxe de trouver la chose parfaite, donc essayons, plantons-nous, apprenons, ayons notre capacité à se remettre en cause aussi, mais se dire que c'est vraiment c'est un capitalisme qui fonctionne aussi sur des structures invisibles de la société, et que donc être capable de bouger par exemple les imaginaires qui vont, l'imaginaire collectif qui est super important parce qu'en fait c'est ce qui soutient toutes les actions politiques après qui fait que personne va se révolter quand on va ne absolument pas appliquer la loi climat, quand on va faire des dingueries, réautoriser des pesticides, etc., etc. Si on arrive aussi à changer ça, ce sera beaucoup plus fort. Donc tout ça pour dire, moi je dis souvent aux gens qui viennent me voir en disant mais qu'est-ce que je fais, quel est mon... Il n'y a pas un diplôme d'activiste, il n'y a pas un premier pas à faire en premier, enfin il n'y a pas de commencer par l'action individuelle avant de se dire est-ce que je suis assez légitime pour pouvoir aller à l'action collective. N'attendez pas ça, vous ne serez jamais parfait ou parfaite. Foncez, rejoignez des mouvements, vous allez apprendre beaucoup. Et il faut qu'on essaie tout en fait. On a besoin de journalistes qui, je préfère qu'ils restent dans leur taf et qu'ils soient, c'est très cool s'ils viennent aussi aux actions bien sûr, mais qui couvrent les actions et qui décident de amplifier carrément ce qui se passe. Mon meilleur ami, il est réalisateur. Il vient des fois aux actions juste en tant que participant, mais là où, à mon sens, il est très fort, c'est qu'il arrive à faire des putains de films qui vont donner une force énorme au message qu'on était venu porter. On a besoin d'artistes qui se sentent pas à l'aise avec le fait de prendre la parole publiquement ou d'aller faire des obéissances civiles, mais qui ont envie d'utiliser leur art pour toucher l'émotionnel et que du coup, ce soit une information qu'on retienne et qu'on crée l'engagement chez des gens. Je peux en parler des heures. Il y a plein de manières de s'engager. Il y a autant de manières de s'engager que de gens, en fait. Oui. Et donc, c'est ça qui est à la fois cool. C'est-à-dire que vu que c'est une société entière qu'il faut qu'on réinvente, il y a aussi de la place pour tout le monde. Donc, on a besoin même de nouvelles manières de s'engager qu'il faut qu'on invente, quoi. Et donc, on a besoin de talents, de gens. Enfin, on a besoin de vous, en fait, c'est sûr. Venez, faites des trucs. tu parlais de ICOP. Tu veux peut-être du coup faire la passerelle sur ça et parler du sujet. Et puis après, on va montrer aussi la vidéo d'XR. Non, c'est pas XR. Mais si, c'est bien XR à Annecy qui l'a fait. Là, ouais, je suis créée. Ils m'ont regardé les deux en mode. Non, qu'est-ce qu'ils racontent Oui, c'est une mission d'XR. Non, mais ça s'est fait de manière très improvisée. Je vais vous expliquer. Mais en fait, ICOP, c'est trop gentil de me permettre de parler de ça ici parce que c'est un peu le sujet. Enfin, c'est le sujet qui me tient vraiment à cœur en ce moment, parmi plein d'autres, mais ce qui se passe est assez flippant, c'est Total, il y a mille et une raisons de détester Total, ce qu'ils font avec la Russie, ce qu'ils font, bref, il y a plein de choses. Merci Axel, il a envoyé le lien pour aller à la pétition. Trop sympa. Et en fait, ICOP, en quelques mots, c'est juste une pipeline œnologique chauffée, donc en gros, c'est du pétrole brut, du coup, qu'il faut chauffer à 50 degrés pour qu'il devienne visqueux et qu'on puisse le transporter.
c'est le plus grand oléoduc chauffé au monde qui est en train d'être construit en 2022, alors que la science est très claire, il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Et pourtant, Total, il s'est dit, pas de souci, on va créer un truc géant entre la Tanzanie et l'Ouganda, qui équivaut un peu en distance entre la distance entre Madrid et Bruxelles quand même. Donc c'est démentiel, c'est 34 millions de tonnes de CO2 par an, soit 7 fois les émissions annuelles de l'Ouganda, des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées de leur terre, alors que l'Ouganda est un pays très agricole, donc c'est vraiment leur moyen de subsistance, ils n'ont aucune compensation. Enfin, vraiment, rien ne va. Ça passe dans le lac Victoria, où s'il y a juste un trou dans la pipeline, c'est 40 millions de personnes qui dépendent de Slack pour avoir accès à l'eau potable, donc vraiment c'est un enfer. Et le truc qui me donne un peu de la force, c'est que pour une fois, on a encore vraiment le moment d'agir. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, personne n'en avait entendu parler en France. Mmh. On commence à vraiment réveiller et à prendre l'ampleur telle que là, il y a des banques, il y a déjà 15 banques qui sont historiquement des soutiens Total qui ont décidé de boycotter. 5 assureurs aussi qui ont dit on ne vous assurera pas, on ne vous financera pas sur ce projet-là. Et ça, c'est uniquement parce qu'il y a de la il y a du lobbying qu'on fait en interne, mais il y a aussi de la pression populaire. Et ça, vraiment, genre, vous avez la possibilité de faire annuler ce truc ou pas. Mmh. Et donc, en deux mots, on était juste venus avec une délégation. D'abord, moi, je les avais rencontrés à Grenoble, et puis là, il y en avait d'autres activistes des MAPAS, qu'on appelle des Most Affected People in Areas, en anglais nul. Mais c'est des personnes qui vivent très concrètement le dérèglement climatique en pleine tronche, alors qu'ils ne sont absolument pas responsables des émissions. Donc c'est vraiment une double injustice, et Total étant une entreprise française et ce projet étant soutenu par Macron, on a quand même une sacrée responsabilité nous en France. Donc ils sont venus là et on a fait une première action devant le siège de Total. On avait des prises de parole, on avait aussi de la danse du coup, qui était un peu une performance artistique en même temps d'un truc beaucoup plus politique, et un truc en ligne pour les gens qui n'étaient pas là, pour pouvoir en fait leur montrer comment se désabonner, enfin se résilier leur contrat avec Total, parce qu'on pense souvent à la pompe et c'est difficile de faire autrement, surtout en ce moment. Mais en fait, ce à quoi on pense pas, c'est que c'est le troisième fournisseur d'électricité, et genre c'est Direct Energy. Il y a plein de gens, plein d'entreprises qui sont encore abonnées en fait à Direct Energy. Et du coup, on a fait un tuto pour résilier son abonnement, parce que vu que c'est que les thunes qui t'intéressent, si on coupe les thunes, bah, on espère que ça aidera à faire bouger ça. Et après, je finis sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Je la mets en même temps, peut-être. J'ai peur qu'elles sont, si tu veux peut-être expliquer avant. En deux secondes, non, mais en deux mots, c'est juste comme je vous disais, c'est qu'on essaie d'agir partout. Donc, on a fait une première action qui était plus artistique, qui était organisée, qui était déclarée en préfecture. et qui était un truc plus grand public. Et là, on a fait une action désobéissance civile où des sources, c'est ça qui est cool avec le fait d'avoir plein de... Enfin, c'est une manière d'être activiste. Que je vais protéger, donc je vous dirai pas, mais qui nous ont dit il se passe quelque chose, un séminaire de Total à cet endroit, à Megève, demain. Du coup, j'étais là, ok, j'ai pas attendu à Megève demain, donc j'étais là, coucou, est-ce qu'il y a pas des activistes ou des gens chauds qui habitent à Megève? Et on a organisé en une soirée une action pour avoir les plans, rentrer dans l'hôtel et préparer une pancarte Stop Ecop et être capable d'arriver devant ces employés Total et en leur expliquant voilà ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que vous allez regarder vos enfants dans les yeux, vous regardez dans un miroir sans voir autre chose qu'une espèce en voie de disparition? Du coup, on l'a quand même coupé parce que le truc, c'est de faire... je sais pas son prénom, mais l'activiste d'XR est rentré dans la salle directement où il faisait le... Ingrid ? Pas Ingrid, merci, c'était trop cool. Et on rentrait dans la salle, du coup, il y avait la conférence, enfin la réunion. Un séminaire privé dans un hôtel de luxe. Voilà, ouais, merci. Et du coup, on va vous faire passer un petit extrait et vous allez voir tout ça. Hop, je vous mets aussi la cam sur vous, comme ça, c'est fait. Projet ICOP, ouais, en Ouganda, qui a déplacé donc, 100 000 familles, que vous n'avez toujours pas indemnisées, qui est une catastrophe au niveau des ressources en eau, puisqu'il y a 40 millions de personnes dont les ressources sont compromises s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite fuite. Et donc aujourd'hui, c'est pour cette responsabilité. Tu veux juste écouter, t'as le casque, sinon je connais pas. Voilà, donc le petit extrait de l'activiste qui... C'est très drôle de voir la tête des gens de Total. Vraiment. Ouais, franchement, ils font une tête... Et le truc aussi, c'est d'utiliser les employés et se dire qu'on reçoit déjà des messages d'employés et tout sorry, qui sont en mode... Bah en fait, ils prennent la pression de leurs proches, de leurs enfants, et du coup, ils sont en mode, qu'est-ce que je peux faire? Donc jouer sur les employés aussi, c'est un truc assez fort. Donc il faut quand même leur... Ouais, parce que ils sont conscients, mais ils veulent se cacher derrière cette inconscience.
Ouais. C'est bien. C'est ce qu'on appelle en fait le rapport de conscience aussi. Dans notre manière un peu de voir la chose, il y a le rapport de force, effectivement, le fait de faire des actions qui vont pousser l'adversaire, qui vont faire un peu mal, et on va l'avoir tout de suite. Et le rapport de conscience, c'est justement arriver à parler aux personnes qui sont dans un dilemme moral, quoi, et qui font partie parfois du système lui-même. Du coup, on va vous mettre votre action chez Total aussi, quand vous l'avez faite. On en met beaucoup Total, ça va. Vous les avez aspergés de... Le pétrole. Le pétrole et le gaz. Total doit se retirer de Russie, comme les autres majors pétrolières et gazières. Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. On se reverra bientôt, Total. Merci tout le monde. On ramasse le matériel. Totalement irresponsable. Ok, mais la Russie est la première source d'approvisionnement du groupe Total. Partir de Russie, donc. Voilà le petit extrait aussi, du coup, de l'action que vous avez fait, Gab. Ouais. Ça s'est bien passé, vous n'avez pas eu de répercussions? Ça s'est bien passé, ça continue. Tu vois, c'est pour ça en fait qu'on avait envie un peu ce soir de parler de ça, des différentes. Qui a fait l'action d'ailleurs? Du coup, là, c'est les Amis de la Terre et Action non violente COP21. Ouais. Bon, Total, ça fait un petit moment, hein, c'est un peu notre cible préférée. Mais en ce moment, de façon particulière, parce que, on le disait là dans l'extrait, ils ne se sont toujours pas retirés de Russie. C'est-à-dire concrètement, il y a 40%. C'est quoi l'information qui est tombée comme quoi il s'était retiré à la fin de l'année? Non, alors je vais y revenir. Donc déjà, guerre en Ukraine, tout le monde se rend compte presque soudainement dans cette campagne électorale où on ne parlait pas du tout du sujet climatique, que la question de la transition écologique et sociale est au centre en fait de nos vies. Voilà, donc il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà très bien et on se rend compte qu'on a une énorme dépendance au gaz et au pétrole russe. Donc plein de multinationales, y compris énergétiques comme BP, Shell, etc., se retirent de Russie, sauf une, Total, donc la française, qui reste en Russie parce que ils sont extrêmement dépendants du gaz russe. Hein, c'est 40% de leur réserve mondiale, donc c'est gigantesque. Donc il y a plusieurs actions qui s'engagent, hein, on n'est pas les premiers à les faire, donc il y a des pétitions en ligne, etc., etc. Et à un moment donné, on décide d'aller au siège de Total, comme vous l'avez vu, et d'asperger de faux pétrole pour dire votre pétrole, leur sang, votre gaz, leur sang, parce que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les énergies fossiles, le gaz et le pétrole russe que on paye, il sert à financer aussi la guerre en Ukraine. Et c'est tout le problème qu'on a avec les énergies fossiles, c'est qu'elles nous rendent dépendantes des pires régimes qu'il y a sur la Terre. Si c'est pas les pires régimes, c'est quand même des énergies un peu merdiques, comme le gaz naturel liquéfié. Il faut pas le remplacer par ça, hein. Qui pourrait venir des États-Unis. Ouais. Donc déjà aujourd'hui, dès qu'il y a eu la crise en Ukraine, les premiers à réagir, ça a été le Qatar et l'Arabie Saoudite pour dire oui, on sera là pour assurer les réserves. Vous voyez ? Donc ouais. Ça nous rend dépendants de régimes dont on ne veut pas, en fait, politiquement être proche. Donc ça, c'est un premier élément. Donc on a fait cette action, il y a eu plusieurs actions, donc il y a aussi celle sur ICOP qui, je pense, ont permis aussi de faire en sorte que la tension monte. Et c'est Pouyanné, donc le PDG de Patrick Pouyanné, qui ont fait coucou, qui est le PDG donc, de Total, qui a déclaré qu'il ne dormait pas la nuit. Qui était limite en sanglots en train de nous montrer des photos des salariés de Total qui sont en Ukraine. Bon, très bien. Garde tes larmes. Franchement, garde tes larmes. Non, mais vrai, garde tes larmes et rends l'argent. Parce qu'en plus de ça, Total fait des bénéfices énormes sur l'augmentation du carburant aujourd'hui en France. Donc, c'est une question aussi sociale. Et en plus de ça, ils font une annonce qui est totalement bancale, à savoir, on ne va plus signer de futurs contrats sur le pétrole russe. Mais ça, c'est rien. La question, c'est le gaz. Hein. Les 40%, c'est le gaz. Donc, il faut une planification. Il faut sortir de cette dépendance-là. Donc, c'est ça que nous, on demande à Total aujourd'hui. Et il ne faut pas venir pour nous dire qu'on va le remplacer avec d'autres énergies fossiles venant d'ailleurs. Il faut sortir. Ça veut dire qu'il faut enclencher une transition énergétique et sociale. Et là, ils sentent la pression. Ils sentent qu'on ne va pas le lâcher d'ailleurs. Il y a des actions tous les jours maintenant sur le siège de Total. Vous pourrez revoir sur Instagram des différentes organisations. Où on continue de asperger de faux pétrole leur logo jusqu'à ce qu'ils comprennent que en fait c'est sérieux cette affaire, c'est pas les sanglots qui vont résoudre la situation. D'ailleurs après la marche, de ceux qui viennent après la marche, vous venez, on va tous te brancher Total. Ok, je ne suis pas responsable. Vous devez rester d'abord au petit concert, s'il vous plaît. Il y a un concert. On organise ça cette semaine là. On doit finaliser cette super passerelle. J'en ai marre de dire ça, parce que là, on va accueillir. Du coup, on va commencer notre émission parce qu'elle n'a pas commencé, et on va commencer du coup par parler de la taxation du capital avec l'association ATTAC. Ouais. On va vous le présenter après. Petit mot de la fin. Un bisou. On se voit le 9. Ouais, on se voit le 9. Et merci d'avoir été là. C'est trop bien. Ouais, on se retrouve tout de suite. Bonne émission du coup. Merci. Merci.
Bon, du coup, la team... Merci, Cam. On se voit vite. C'était cool. Bah, du coup, Gab, aussi, tu quittes les studios. Vous me laissez tout seul. Il y a Raphaël qui va venir me rejoindre. Raphaël, le sang, vous savez qui c'est. Elle fait aussi beaucoup de live sur People. Donc voilà, donc là on va accueillir Raphaël Prado et Raphaël Tulo. Ah là là, le jeu de mots. Avec qui du coup on va parler de la taxation du capital. Raphaël Prado qui lui est porte-parole d'Attaque. Voilà. Je vous fais une petite intro. Attention. Comment ça va? Tu passes par là? Ça Coucou. Va et toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas stream. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une tête de gêné. Est-ce que du coup, tu veux te présenter pendant que je trafique tout ça? Salut tout le monde. Déjà, vous êtes trop nombreux sur le live. Ça fait trop plaisir. Moi, je suis Raphaël. Je suis, on peut dire, la collègue de Rossé sur Umeco. T'es plus que collègue. Je suis, comment on dit? La co, je n'ai pas le mot. On travaille ensemble sur l'association Le Média Umeco et sur People. Je fais des streams toutes les semaines avec Rossé. La Raphaël est la vice-pré quand même. Vice-présidente, j'avais oublié le mot. Je suis mort. Bon, bah du coup, on va faire entrer monsieur ouais. Raphaël. Raphaël Prado, qui exact. Est donc le porte-parole d'Attaque. Avant, je vais juste faire une petite présentation. Donc. Là, on va aborder quatre grandes thématiques qui sont cruciales pour l'avenir écologique et social de la France. Et on va commencer avec la taxation du capital, avec l'association Attaque. Est-ce que vous connaissez Attaque dans le chat? Dites-nous. On vous met le petit truc en même temps. Hop. Okay. L'association Attaque, c'est une asso qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique. La thématique de la justice fiscale, on en a vachement entendu parler pendant ce quinquennat, avec par exemple la suppression de l'ISF, la hausse de la taxe carbone qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, ou encore les récents rapports de Greenpeace et Oxfam sur les milliardaires français, qui a montré que par exemple 63 milliardaires français polluent autant que la moitié de la population française. Et c'est ce genre de sujet qu'on va aborder avec Raphaël Prado en Skype. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais on l'a en Skype, et les prochaines associations y seront bien sur ce plateau. Hop. Alors, il faudra peut-être mettre le casque pour l'entendre. Salut Raphaël, est-ce que tu nous entends? Salut Raphaël. Salut, très bien, je vous entends. Super. Alors, la première question qu'on va te poser et qu'on posera à toutes les associations qui sont là ce soir, c'est est-ce que tu peux présenter en une minute la mesure qui, pour toi, changerait tout? On sait que ça ne changerait pas tout, mais la mesure qui serait pour toi cruciale pour mettre la France sur une trajectoire écologique et sociale. Attends juste le petit jingle. C'est à toi. Alors, il y aurait beaucoup de mesures à prendre pour établir la justice fiscale, mais une mesure comme ça, tu en as parlé tout à l'heure, Macron a supprimé l'ISF pendant son quinquennat. C'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui, les plus riches, qui sont aussi ceux qui polluent le plus, soient ceux qui payent le moins d'impôts. Donc, il est important que tout le monde paye sa juste part d'impôts. Et donc, on propose, nous, non seulement de rétablir l'ISF, mais aussi de le renforcer, de le rendre plus progressif. On pense que ça pourrait apporter 10 milliards d'euros par an. Et du coup, ça serait une mesure qui permettrait, qui serait pas la seule, mais qui serait symbolique, qui permettrait de revenir sur les cadeaux fiscaux faits pendant le quinquennat par Macron aux plus riches et qui n'ont servi qu'à enrichir les plus riches et qu'à augmenter les inégalités en France. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc je le disais, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis sur le fait que les plus riches pollue le plus, mais dans des proportions gigantesques, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement pourquoi il pollue plus et pourquoi c'est surtout une question de capital financier? Alors, patrimoine pollue, financier. On va dire de deux manières différentes. Effectivement, ils polluent déjà parce que par leur mode de consommation, ils ont, on va dire, il y a un tel niveau d'inégalité. Hein, tu en as parlé, les revenus des plus riches ont tellement augmenté ces dernières années que une petite caste de milliardaires, d'ultra riches, aujourd'hui a un mode de vie complètement déconnecté de la réalité. Premièrement, et complètement déconnecté des enjeux climatiques. Hein, quand on voit les voitures de luxe, les yachts, les voyages en jet privé, etc., c'est complètement déconnecté. Donc déjà par leur consommation, ils émettent énormément de CO2. Mais aussi effectivement par leur patrimoine, c'est-à-dire que aujourd'hui en France, le capital, le patrimoine est tenu de manière très inégalitaire, et notamment si on réfléchit aux actions, les entreprises, les grandes entreprises du CAC 40 sont pas détenues aujourd'hui par un patron, sont détenues par des actionnaires. Et
ces actions, même si vous et moi, on peut en acheter si on veut, hein, mais ces actions sont détenues de manière très inégalitaire dans les mains de quelques très riches. Et du coup, en fait, cette minorité d'ultra-riches a aujourd'hui, on va dire, une forte proportion des actions des entreprises, par exemple, du CAC 40. Donc, ça veut dire que dans leur patrimoine financier, aujourd'hui, ils contribuent à, on va dire, réchauffer la planète parce qu'ils participent à tous les projets dont vous avez parlé tout à l'heure, complètement climaticides. Ce sont des projets qui sont détenus aussi, qui sont financés par les plus riches. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en fait, la lutte contre les inégalités, la lutte pour la justice sociale, elle est complètement... connecté avec la lutte pour la justice climatique. Il n'est pas possible d'envisager en fait un changement et une bifurcation écologique sans engager en même temps un changement de système et faire en sorte de répartir les richesses de manière beaucoup plus équitable que ce qui est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment les milliardaires du coup sont enrichis ces derniers temps? Alors, on avait sorti un rapport avec Oxfam, et puis Oxfam l'a réactualisé ces derniers temps. Hein. C'est pas nouveau, ça c'est pas lié uniquement au contexte, hein, mais c'est vrai que pendant la crise du Covid, alors que la pauvreté a explosé, alors qu'on a vu par exemple des queues d'étudiants faisant la queue pour manger, et notamment parce que l'économie s'étant arrêtée, il y avait plein de petits boulots qui n'étaient plus possibles, et puis parce que pendant tout ce quinquennat, Emmanuel Macron, on a pris en mesure en faveur des plus riches, mais pas en faveur des plus précaires ou pas en faveur de la jeunesse, eh bien, effectivement, on s'est retrouvé avec cette situation où on avait... Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Repose-moi la question, je suis désolé. Mais comment, depuis la crise du Covid, par exemple, les... Pour l'enrichissement, pardon, excuse-moi, ouais. J'étais parti du coup sur l'appauvrissement des plus pauvres et du coup, effectivement, pas grave. Et pendant ce temps-là, en fait, on a constaté, alors notamment c'est Forbes qui fait un classement régulièrement sur les plus grandes fortunes de la planète, et on a constaté qu'en fait, en France particulièrement, même si c'était une tendance qu'on voyait aussi au niveau mondial, eh bien, les plus riches, donc les détenteurs des actions dont je parlais tout à l'heure, les Bernard Arnault, que par exemple en France, qui est l'homme le plus riche en France, et puis c'est loin d'être évidemment le seul milliardaire, hein, si en fait on prend les grands propriétaires des journaux français ou les grands propriétaires des médias français, on a ces milliardaires-là, hein, les Dassault, les Bouygues, etc. Et donc, pendant la pandémie, en fait, ils se sont enrichis bien plus qu'avant. Alors, les derniers chiffres d'Oxfam, là, ils montraient qu'ils s'étaient enrichis plus que pendant un certain nombre d'années avant. Nous, ce qu'on avait sorti il y a un an, alors du coup, je suis désolé, hein, je n'ai pas les derniers chiffres, mais ils s'étaient enrichis de 60% pendant la pandémie. Et donc, en fait, ça ne vient que renforcer une tendance qui a été le cas pendant tout le quinquennat, liée aux cadeaux fiscaux de Macron, la suppression de l'ISF, la flat tax, les cadeaux qui ont été faits toujours dans la même direction, et qui fait qu'en fait, les plus riches en France se sont fortement enrichis, alors que dans le même temps, les plus pauvres s'appauvrissaient. Tout à l'heure, vous parliez des gilets jaunes, c'est important de revenir là-dessus. C'est vrai qu'en même temps, il y a eu des cadeaux fiscaux pour les plus riches, et en même temps, cette hausse de la taxe sur l'essence, elle a cristallisé un mécontentement à un moment donné, parce que ce n'est pas la bonne manière, finalement, de... résoudre la crise écologique. Si on prend une mesure qui est injuste fiscalement, qui est injuste socialement, ce n'est pas la bonne manière de faire accepter la bifurcation écologique. Or, les taxes sur l'essence, comme les taxes sur la consommation de manière générale, elles pèsent plus sur les plus pauvres que sur les plus riches. Et en plus, là, sur l'essence, elles pèsent plus sur les ruraux que sur les urbains. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé vraiment avec un quinquennat qui a augmenté les inégalités, qui a augmenté l'injustice fiscale. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que dans le prochain quinquennat, on prenne des mesures en faveur de la justice fiscale et arrêter d'augmenter toujours les inégalités qui, comme j'ai expliqué, plus les inégalités sont importantes, plus les riches détruisent la planète. Du coup, si on taxe les riches, est-ce que vous n'avez pas peur du coup qu'ils sortent de France, tout simplement? Alors ça, c'est un argument qui est utilisé effectivement depuis des décennies pour justifier le fait qu'on baisse toujours plus l'imposition sur les plus riches. C'est aussi l'argument qui est utilisé pour baisser toujours plus l'imposition sur les entreprises, parce qu'elles aussi, elles sont mobiles. Et du coup, puisque les riches sont mobiles, les entreprises sont mobiles, en tout cas les entreprises multinationales, parce qu'évidemment, les TPE, elles n'ont pas une filiale au Luxembourg pour payer moins d'impôts. Hein. Et bien, du coup, avec cette logique-là, en fait, on taxe qui? On taxe ceux qui ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire vous et moi, les consommateurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que de plus en plus, la fiscalité, elle porte sur la consommation, la TVA, les taxes sur l'essence, on en a parlé, mais par exemple sur je sais pas moi, le tabac, etc. Et en fait, ces taxes, il faut bien comprendre qu'elles sont
payées proportionnellement plus par les riches, par les pauvres que par les riches. Elles augmentent les inégalités, alors que dans le même temps, on baisse toujours plus les impôts progressifs, les impôts comme l'impôt sur le revenu. On a parlé tout à l'heure de l'ISF. La flat tax, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant le quinquennat Macron, les revenus financiers étaient taxés comme l'impôt, avec le barème de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de manière progressive. Plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts en proportion de votre revenu. Et bien là, avec Macron, on a supprimé ça et on a instauré la flat tax, qui fait qu'aujourd'hui, les revenus financiers sont taxés de manière proportionnelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec l'argument de dire que les riches peuvent partir, que les entreprises peuvent partir, on a justifié depuis des années la baisse de tous les impôts qui portaient sur les plus grandes entreprises et sur les plus riches, et on a augmenté l'imposition sur les plus pauvres et sur les consommateurs. Et ça nourrit ce sentiment d'injustice fiscale qui est notamment à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, mais qui est aussi, on le voit, hein, aussi qui nourrit un sentiment de défiance par rapport à l'impôt. Or, l'impôt, c'est ce qui finance les services publics, c'est ce qui finance, on espère, dans un nouveau quinquennat, la transition écologique. Et pour ça, il y a besoin de moyens. Et effectivement, quand et on Raphaël, fait en sorte que les plus riches échappent à l'impôt, pardon, vas-y. Je te coupe pour te poser une petite question. J'ai l'impression que c'est presque une spécificité française, parce que quand on regarde aux États-Unis, Joe Biden, il a récemment proposé d'aligner la taxation du capital sur celle des revenus. Même le FMI a dit récemment qu'il était en faveur d'un impôt sur le capital. Comment t'expliques qu'en France, on fasse autant peser la charge fiscale sur le travail et la consommation? Alors, c'est pas spécifique qu'à la France. En fait, c'est le tournant néolibéral des années 80 qui a abouti à ce que j'ai expliqué. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on sent que dans le monde, et c'est notamment ça, avec Biden, on est arrivé au bout de cette logique-là. Et en fait, Biden, c'est pas un révolutionnaire, hein. C'est loin d'être un gauchiste. Mais par contre, effectivement, quand il est arrivé, il a dit, on a besoin de milliards de dollars pour financer un certain nombre de choses. Donc, on a besoin pour ça de faire payer ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. La situation est encore plus caricaturale aux États-Unis qu'en France, hein. Il faut bien le voir, hein. Mais voilà. En France, aujourd'hui, le problème, c'est que Macron, c'est absolument pour ça qu'il est important de le dégager et que les gens votent. Je pense que c'est un objectif de l'élection. D'autant plus que je rappelle que les plus vieux et les plus riches, eux, votent, alors que les plus riches et les plus précaires, eux, ne votent pas, et les plus riches et les plus vieux votent en faveur de politiques qui ne sont pas forcément celles qui sont nécessaires. Alors, je ne veux pas faire de l'agisme, hein. Évidemment, il y a plein de personnes âgées qui votent de différentes manières, mais plus on est vieux, plus on a du patrimoine, en fait, c'est les tendances. Plus aussi, on a tendance à être conservateur sur le plan culturel, et plus on a la chance de voter à droite. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est important de se dire que si on laisse voter les plus riches, et si on laisse voter ceux qui ont des intérêts à ce que rien ne change, rien ne va changer. Il y a des questions vas-y. Pardon. Et sur la France spécifiquement, c'est vrai que Macron, bon, il y a plusieurs affaires en ce moment, hein, sur McKinsey, sur ces millions cachés. Franchement, quand on voit depuis le début Macron, il n'a non seulement aucune volonté de lutter contre l'évasion fiscale, aucune volonté de rétablir la justice fiscale, mais on l'a vu très clairement, il mène une politique en faveur des plus riches. Je pense pas que ça soit... Ce qui est formidable, c'est que pendant cette campagne, on parle plutôt des mesures de la droite pour baisser encore plus les impôts, notamment les droits de succession, notamment les impôts de production, et on ne parle pas du tout de comment rétablir la justice fiscale. Et c'est important, du coup, et merci de me donner l'occasion d'en parler ce soir, de parler de comment est-ce qu'on rétablit la progressivité de l'impôt sur le revenu, comment est-ce qu'on crée de nouvelles tranches pour faire en sorte que les plus riches aujourd'hui aient un taux marginal plus élevé, hein. On a des taux qui sont bien plus faibles que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Et comme tu le dis, aux États-Unis, on a une tendance aujourd'hui à revenir en arrière, revenir sur des décennies où on a toujours abaissé la fiscalité des plus riches et des grandes entreprises. Et en plus, il a dit très clairement, Biden, le ruissellement, ça ne marche pas. Et Macron, il fait l'inverse, quoi. On fait semblant que si on donne de l'argent aux plus riches, si on baisse la fiscalité sur les plus riches, alors ils vont investir dans l'économie, alors ils vont créer des emplois. Et tous les travaux, y compris les études commandées par le gouvernement pour évaluer ça, ont montré que ça n'avait pas du tout créé d'emplois, pas du tout stimulé l'investissement, mais ça n'avait que favorisé l'accumulation de richesses pour les plus riches. Et comme on disait au début de l'émission, qui favorise l'accumulation de patrimoine. Et ce patrimoine, il n'est pas du tout utilisé dans une direction qui permettrait de lutter contre le dérèglement climatique. Au contraire, il l'aggrave. Ouais, ok. Juste pour en revenir, il y a Marie CVL qui demande c'est quoi la flat tax. Ce serait peut-être bien de revenir un peu sur ça.
Donc, le prélèvement forfaitaire unique, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est que avant Macron, les revenus financiers, quand vous recevez un loyer, quand vous recevez des dividendes, quand vous recevez des intérêts, ils étaient taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, avec la flat tax, avec ce prélèvement forfaitaire unique, ils sont taxés à un taux de 30%. Ça veut dire que du coup, pour les plus riches, alors qu'avant, le taux marginal d'impôt sur le revenu, même s'il a baissé ces dernières années, il est quand même bien plus élevé que ces 30%, on est à 45%. Donc, quand vous étiez riche et que vous teniez par exemple beaucoup d'actions, vous receviez beaucoup de dividendes, vous étiez taxé à un taux plus élevé que ce qui est le cas aujourd'hui, quoi. Et l'autre chose que j'expliquais tout à l'heure, c'est que puisque c'est un taux proportionnel, on n'a pas du tout une logique de l'impôt qui permet de réduire les inégalités, alors que c'est sa fonction, c'est une de ses fonctions. L'impôt, il sert à modifier les comportements, hein. Quand on met des taxes sur un produit, par exemple, sur le tabac ou sur l'essence dont on parlait tout à l'heure, c'est pour faire en sorte que les gens changent de comportement. Ça permet de financer les services publics, ça permet de faire en sorte qu'on ait des routes, des écoles, etc. Mais ça permet aussi de réduire les inégalités. C'est la fonction aussi des impôts. Et cette mesure-là, en fait, elle a transformé un impôt qui réduisait les inégalités en un impôt qui ne les modifie plus. Et ça entretient la logique que j'expliquais, que plus on avance dans les années, plus la charge fiscale, elle repose sur ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui sont immobiles et qui se retrouvent à payer toujours plus de taxes sur la consommation qui, elles, sont injustes. Je voulais te poser une question aussi sur une mesure dont on entend pas mal parler dans le cadre de cette élection, c'est l'ISF climatique. Toi, la mesure, la grande mesure qui pour toi changerait tout, c'est donc de remettre l'ISF, mais est-ce que tu serais aussi pour un ISF climatique? Donc ce serait un impôt sur la fortune qui prend en compte le niveau de patrimoine et la quantité de gaz à effet de serre qu'il émet et qui servirait à financer la transition écologique. Il y a certains candidats qui le portent, par exemple Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que toi, c'est chez Attac, c'est une mesure que vous défendez aussi? Alors, c'est une proposition qui a été faite par Greenpeace, et quand ils l'ont sorti, on en a parlé ensemble. Nous, on la soutient dans la mesure où c'est une mesure qui permet de mettre en évidence ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le patrimoine des plus riches aujourd'hui, il sert à réchauffer la planète et qu'il faut trouver des manières fiscales pour régler ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la mesure qu'on met en avant en priorité, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'il fallait réformer l'ISF, on a beaucoup réfléchi sur comment le renforcer. On pourrait tout à fait réfléchir, je veux dire, ça serait un travail à faire sur justement comment concilier à la fois on taxe d'une manière générale le capital, parce que voilà, on peut mesurer de manière très simple quelle est la valeur du patrimoine de chaque Français. On pourrait tout à fait réfléchir en même temps, mais c'est vrai que je vous avoue que voilà, puisque tu poses la question, on n'a pas fait non plus ce travail-là précisément avec Greenpeace pour voir comment on pouvait concilier tout ça, mais ça, c'est de manière, enfin, c'est tout à fait envisageable de dire, et en même temps on a une partie de cette ISF qui serait qui prendra en compte spécifiquement si ce patrimoine il émet du CO2 ou pas. Je veux dire, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une mesure qui est, pour moi aujourd'hui, voilà, est en débat et très intéressante dans le débat pour justement rendre compte, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'à la fois il faut réduire les inégalités parce qu'il y a une injustice fiscale, parce que c'est pas juste, et en même temps parce que ça contribue au dérèglement climatique. Donc voilà, c'est pas, voilà, pour être franc, c'est pas une mesure que nous on a prôné, développé, mais quand. Mais elle te semble intéressante. Bien planté, ça, voilà, on trouvait ça intéressant, et c'est quelque chose, voilà, on se réjouit que ça soit dans le débat politique. Hein. On préfère qu'on parle de ça plutôt qu'on parle du prénom des personnes musulmanes si elles devraient changer, ou alors sur les questions de fiscalité, est-ce qu'il faut encore réduire plus les impôts, quoi. On a eu quand même beaucoup de faux débats pendant cette campagne. Ça fait partie des débats qui sont intéressants à mener pendant la campagne présidentielle. Et c'est pour ça qu'on les mène ce soir sur People. Sur Twitch. On a encore quelques minutes ensemble. Le chat, c'est des questions, la fiscalité, qui parfois sont un petit peu compliquées à comprendre quand on s'y connaît pas très bien. Il y a beaucoup de mots un peu techniques, mais allez-y, posez vos questions. Raphaël est aussi là pour faire de la pédagogie, en fait, autour de cette question, donc c'est le moment. Il y a Léa qui te demandait c'est quoi la différence avec la taxe carbone, donc entre l'ISF et la taxe carbone, peut-être, ou si tu peux rappeler ce que c'est la taxe carbone et qui a été enlevée. Est-ce que pour toi, vous avez une position là-dessus?
Bah, la taxe carbone, en fait, c'est plus faire en sorte de réfléchir à ce que chaque production émet comme carbone, quoi. On n'est pas en train de réfléchir sur le patrimoine, quoi. Je voudrais dire une chose quand même, pardon, parce qu'on ne pose pas la question, mais puisqu'on n'en a pas parlé et que j'ai hésité tout à l'heure à te dire que c'était la mesure clé, quand même, ATTAC qui milite depuis des années contre l'évasion fiscale. Il y a une mesure clé que je n'ai pas dit tout à l'heure, et je ne prétends pas que l'ISF réglerait tous les problèmes, ça ne serait que 10 milliards qu'on nous propose de renforcer, hein, mais la lutte contre l'évasion fiscale, c'est très important. On a mené des combats avec Alternatiba, NV, les Amis de la Terre aussi sur ces questions-là, comme des multinationales comme Amazon qui ne payent aucun impôt, et ça fait partie des méfaits qu'elles ont, hein. Donc, je vais proposer une Est-ce que mesure qui, je suis tu as les chiffres peut-être de l'évasion fiscale aujourd'hui en France, que ça représente en termes de... Alors justement, on vient de sortir un rapport aujourd'hui à TAC, parce qu'on a beaucoup dans cette campagne, on parle de la fraude sociale, de la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire on dit, si vous êtes dans la merde, c'est la faute de plus pauvres que vous, c'est la faute de ceux qui touchent des prestations sociales et qui n'auraient pas droit. Macron, Pécresse, Le Pen et Zemmour nous parlent de ça. Ça, cette fraude, c'est 1 à 3 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, la fraude et l'évasion fiscale, elle est estimée à 80 à 100 milliards par an. Moi, je voudrais parler d'une type d'évasion fiscale particulière qui est celle des multinationales, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des entreprises ce soir, quoi. On a le scandale McKinsey, ça l'illustre parfaitement. McKinsey réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices en France, mais artificiellement, elle ne fait aucun profit en France. Pourquoi? Eh bien, elle fait comme toutes les autres multinationales, elle fait en sorte d'utiliser des filiales, c'est-à-dire donc d'autres branches de l'entreprise qui sont opportunément dans un paradis fiscal. Donc là, c'est le Delaware, un État des États-Unis où en fait vous ne payez pas d'impôt sur les bénéfices. Et donc en fait, on fait semblant de croire, et c'est ce que Bruno Le Maire nous a expliqué, et les ministres l'ont expliqué encore ce soir, on fait semblant de croire que cette entreprise, en fait, eh bien, en France, on paye très cher des services à la filiale dans Delaware, si bien qu'en fait, il n'y a pas du tout de bénéfice en France. Quand McKinsey a facturé, et les autres cabinets consultants, évidemment, il n'y a pas que McKinsey, hein, mais ont facturé des millions d'euros pour des PowerPoint, ils n'ont fait aucun bénéfice. Et donc ça, il y a une mesure qui permettrait de lutter contre ça, c'est la taxation unitaire des multinationales. Alors, je vais essayer de pas être trop technique, mais aujourd'hui, en gros, on fait semblant de croire les multinationales quand elles délocalisent leurs profits dans des paradis fiscaux et qu'elles ne réalisent aucun bénéfice en France, donc elles ne payent pas l'impôt sur les sociétés parce que c'est un impôt qui taxe les profits, quoi. La taxation unitaire des multinationales, c'est de regarder dans chaque pays quelle est l'activité de ces entreprises, en fonction du nombre de salariés, en fonction de leurs ventes, en fonction des capitaux immobilisés. Donc, on essaie d'estimer leur production et leurs ventes. Et à partir de là, on dispatche dans chaque pays, on fait en sorte que dans chaque pays, on taxe l'impôt sur les sociétés en fonction non pas du bénéfice qu'elles veulent bien déclarer, mais du bénéfice réel. Ça, c'est une mesure où ça serait bien qu'on en parle dans cette campagne, parce que on voit le gouvernement en train de se débrouiller pour dire non, mais il n'y a pas du tout de scandale McKinsey. Et de toute façon, nous, on a lutté contre l'évasion fiscale pendant ce quinquennat. C'est une vaste fumisterie. Emmanuel Macron n'a rien fait pour lutter contre ça. Et voilà. Donc, je profitais qu'on était bientôt sur la fin pour dire quand même un mot là-dessus. Ça me semble important. Il y a quelques années, on fauchait des chaises avec ANV et Alternatiba en disant, lors de la COP21, en disant l'argent pour la transition écologique, elle est dans les paradis fiscaux, et les banques contribuent à l'organisation de l'évasion fiscale. Ça serait bien que dans cette campagne, on en parle aussi un petit peu, et que ce soit un élément sur lequel Macron est à rendre des comptes. Parce que là, il nous dit toujours, oui, non, mais on a lutté contre l'évasion fiscale. Je pense qu'on n'a plus le temps de développer, mais on pourrait préciser, hein, ils ont un bilan qui est en trompe-l'œil, ils ont fait semblant lutter contre l'évasion fiscale pendant ces 5 ans. Et c'est vrai que c'est important que dans le prochain quinquennat, on mette enfin fin à ce scandale, parce que encore une fois, hein, pour financer la transition écologique, pour financer les urgences sociales, pour financer les services publics, on a besoin d'argent public et on a besoin que cet argent il soit payé par tout le monde, les entreprises, les individus, en fonction de leurs ressources, en fonction de leurs moyens, et pas en fonction des Merci, combines au moins Raphaël. légales. Ok, merci. Ouais, désolé, on a quand même un temps limité. Bah merci beaucoup, Raphaël Prado, que tu es du coup porte-parole d'Attaque. Je pense que du coup, je sais pas si le chat vous avez compris deux trois choses. Il y a Gab qui a dit dans tous les cas que c'est très complexe, mais qu'il y a des choses à lire sur le site internet d'Attaque pour bien le comprendre. Donc n'hésitez pas à y aller. Peut-être que Axel ou Umeko peuvent mettre le lien. Voilà, il l'a fait direct. Axel, il déchire. Donc, en tout cas, merci de ton passage, Raphaël. Et Merci pour votre invitation. j'espère te revoir très vite.
Ciao. À bientôt. Au revoir. Et les amis, on va enchaîner tout de suite. On va mettre, on va faire une toute petite pause, mais surtout ne partez pas parce qu'il y a quelque chose. On a essayé ce soir de faire un programme où on alterne entre des sujets très importants mais un petit peu lourds à comprendre et des moments un peu plus légers. Et c'est ce qui arrive dans quelques minutes d'attente. Et je ne vous dis qu'un seul mot. Une minute d'attente. Une minute d'attente et il y a un moment humoristique. C'est un sketch qui arrive. On le dit. Aïe, aïe, aïe. Je vais me déguiser, donc restez là. À tout de suite. La team, et oui, le voilà. Donc voilà, on a décidé de faire un petit sketch pour vous apprendre 2-3 chiffres importants. Là, je vais faire rentrer Ami des Lobbies. Je sais pas si vous connaissez, il est incroyable. Ami des Lobbies, est-ce que tu peux rentrer s'il te plaît? Avec plaisir. Recule le petit micro. Le gros micro. Et tu peux te présenter un peu. Est-ce que tu aimes bien les studios? Oui. Est-ce que vous aimez bien, excusez-moi? Oui, oui, vous pouvez me vous voyez, bien sûr. On ne se connaît pas encore très bien. Pas encore, écoutez, pas encore. Le studio est très sympa, hein, c'est très coloré. Il y a des petites lumières, j'aime bien ça. Ça vous plaît? Oui, c'est très bien. Je me sens très bien ici. Énergivore, quand même. C'est très joli. Bravo, bravo. Vous avez monté tout ça tout seul? Oui, en effet. J'ai fait ça depuis ma jeunesse. Eh bien, dites donc, c'est du boulot. Oui. Vous avez de très belles lunettes. Bon, mais merci, merci. J'aurais peut-être pas acheté les mêmes, mais ça vous va très bien. Ça me picote un peu l'œil. Mais... Un petit peu? Oui, je comprends. Je peux peut-être me coiffer comme ça. Oui, peut-être, ouais. Voilà. Et cette coupe aussi est très assortie aux lunettes. Oh. Oui, oui, bravo, vraiment, vous êtes charmant, monsieur. Bon, on va commencer par une petite présentation. Donc du coup, vous avez créé votre gamme alimentaire. Alors oui, effectivement, j'ai créé ma gamme de produits alimentaires. D'ailleurs, ça pourrait vous faire du bien, parce que vous n'avez pas l'air en pleine forme. Peut-être la chevelure est un petit peu mince, oui, c'est vrai. En tout cas, oui, effectivement, j'ai créé ma gamme de produits alimentaires. Alors, c'est une gamme qui se résume en 3 points. Premièrement, c'est du discount. Deuxièmement, ça coûte 3 fois rien. Et puis, c'est vraiment excellent, vraiment, à tous les points de vue. D'ailleurs, j'en ai amené un petit échantillon. Peut-être qu'on pourrait le tester en plateau. Qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir. Ça vous plairait? Les 3 formalités m'ont plu, en tout cas. Bah écoutez, c'est super. Le discount. Je vais vous en faire la démonstration, si vous voulez bien. Alors voilà, ça s'ouvre simplement. Bien entendu, le plastique, c'est du vrac, hein, qu'on soit d'accord. Et on le sort comme ceci. Puis ensuite, on croque dedans d'une façon assez naturelle, comme on pourrait manger n'importe quoi.
C'est bon? Ça... ça se laisse manger. De toute façon, le but, c'est pas vraiment que ce soit bon. Non, non, non. Le but, c'est de plus avoir faim. Et là, j'ai plus faim. Vous en voulez peut-être un bout? Je veux bien goûter. Ah, je vous assure, ça cale. Vous prenez une bouchée, ça remplace un repas, ça fait des économies. Je vous encourage à consommer. C'est ma nouvelle gamme. Alors? Ça cale. Je vous avais prévenu. C'est un peu sec, mais ça cale, c'est bon. C'est un peu sec, mais enfin, au moins, ça cale. Merci. On peut pas dire le contraire. Ça va? Attends, je vais peut-être... Oui, prenez une petite gorgée d'eau. Non, ça passe mieux avec de l'eau, c'est vrai. Comme ça. Oui, plutôt dans le lait, peut-être chaud, mais pourquoi pas dans l'eau, oui. Votre eau a pris une couleur un peu étrange. Oula. Ça me rappelle les rivières de France. Du coup, comment faites-vous pour le vendre à prix discount, quoi? C'est... Mais alors ça, figurez-vous, pour pouvoir le vendre, pour pouvoir vendre de la nourriture... Déjà, la nourriture bon marché, bon, il faut le dire, c'est une nourriture qui est accessible à tout le monde. Donc, surtout aux pauvres. Non, parce qu'il faut les bichonner, nos pauvres. On n'en parle pas assez, je trouve. Et vraiment, cette nourriture s'adresse à eux, parce qu'ils sont nombreux. Donc, du coup, c'est un marché... très lucratif, vous comprenez. Donc, pour pouvoir leur vendre justement de la nourriture si bon marché, donc le premier conseil que je donne, c'est d'acheter la matière première le moins cher possible aux agriculteurs. Ce qui induit donc la mécanisation, la monoculture, les engrais chimiques, les pesticides, enfin, tous ces merveilleux remèdes qui ont été créés par l'homme pour embellir et améliorer la nature, la rendre plus rentable. C'est quasiment magique. Et vous savez, cette magie, qui en profite à votre avis? Les agriculteurs. Exactement! Vous visez dans le mille, mon cher ami! Ce sont les agriculteurs. Ils se font, mais vraiment, c'est des marges extraordinaires. Ah non, mais ils sont blindés, les mecs. Hein, vraiment, vous savez, un agriculteur aujourd'hui a plus la vie d'un rappeur millionnaire qu'un bouseux qui n'a rien dans les poches. Hein, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. J'ai une petite stat qui dit comme quoi 30% gagnent moins de 350 euros. Peut-être que vous voulez... Pardon, je n'ai pas bien... Il y a 30% du coup, oui, parce que même si je suis assez beau là, je sais quand même des stats. Il y a 30% du coup des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros et 20% qui sont à zéro, à revenu nul ou en déficit. Oui, mais vous savez, les chiffres, il faut faire attention aux chiffres. Regardez par exemple les candidats à l'élection présidentielle, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Non, non, il faut être prudent sur les chiffres. Non, non, vous savez, le plus important, c'est que tout le monde peut se nourrir correctement. C'est ça l'important, mon ami. Et par rapport aux maladies comme l'obésité, le diabète, les cancers dus à l'alimentation, peut-être que vous avez un mot à dire. Excusez-moi, vous êtes... professionnel de la santé? Ça se voit. C'est vrai que vous ressemblez un peu à un médecin, mais vous n'êtes pas professionnel. Donc vous n'en savez rien. On ne sait pas. Enfin, il y a peut-être mille autres raisons qui provoquent ces maladies. Laissez la science faire son travail, enfin. Cette science qui est là, justement, pour explorer toutes les possibilités. Et cette science, bien entendu, nous la finançons. Ça nous permet d'écouler la marchandise tranquillement. Non, non. Le plus important, c'est que tout le monde peut manger à sa faim. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est marrant parce que j'ai un chiffre qui dit comme quoi 7 millions... oui, j'ai beaucoup de chiffres. Qui oui, dit comme vous avez quoi, l'air très chiffré. Vous me faites penser à Laura, ma partenaire dans la série Amis des Lobbies. Je suis son frère. Ah d'accord. C'est vrai qu'il y a un petit air, oui. Voilà, non, ça. Juste sur les lunettes. Ah, oui, pardon. Pas physiquement. Ouais. Et donc, du coup, je perds mes cheveux. Oui, attention, il s'accroche. Ça, c'est peut-être le biscuit, là, votre fameux, fameuse alimentation qui m'a fait ça. Voyez-vous, si vous avez un problème de vue, par écoutez, exemple. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais... faites voir. Il y a quand même pas mal de paires de cheveux, là. C'est vrai que c'est assez fascinant, j'ai jamais vu ça. Ouais. Non, bon, non, non. Vous savez, par exemple, si vous avez un problème de vue, c'est le genre de nourriture qui peut vous remettre... directement dans le... dans l'axe, voilà. Non. Non ? D'accord. Du coup, j'ai un chiffre pour revenir, là, je peux lire. Oui. Oui. Il y a 7 millions donc, de personnes, vous dites que vous voulez... le but, c'est de donner à manger à tout le monde. Il y a bien 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, qui ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. Oui, mais je viens de vous dire les chiffres, vous savez... Bah, non, ça vous...
Ça me parle pas, non. C'est l'expérience de terrain, ça c'est important, de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent. Les gens sont heureux, vous savez, faut pas chercher les petits problèmes. Sinon, en France, j'en ai un autre, c'est un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim. Un étudiant sur deux, vous avez peut-être des solutions. Des solutions? Oui. Parce que... Oui, il doit certainement y avoir des solutions. Bah, attendez, laissez-moi réfléchir une petite seconde. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Bah écoutez, on pourrait peut-être rajouter encore un peu de sucre là-dessus, hein? Ça pourrait vous plaire, non? Ça vous plairait? La régie, pouvez-vous nous ramener du sucre, s'il vous plaît? Si vous avez du sucre en coulisses, on peut le faire. Oui, je pense qu'il y en a, oui, s'il nous ramène on un petit sucre. On peut tenter l'expérience, je suis sûr que ça vous plairait, ça vous ferait du bien. En tout cas, avec l'eau... Oui, c'est un peu gris, mais comme le ciel parisien, mais pesticides. C'est rien, c'est la nature, vous savez. L'important, c'est de se faire plaisir. Hein? Et le sucre, c'est bon, pour la santé comme pour le moral. Bon, il arrive ce sucre? Ah, très bien. Ils sont géniaux. Merci, jeune demoiselle. Recherche un mec mortel. Pardon, je me suis laissé emporter. Vous avez des dosettes? Petite dosette. Ah bah encore du plastique, vous voyez, c'est du plastique en vrac? Exactement. Ah bah c'est très bien. Merci people. Par contre l'ouverture n'est pas facile, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez peut-être me donner un coup de main, jeune homme? Bah, vous pouvez le manger, vous pouvez ouvrir et mettre le plastique avec. Vous savez, ils sont très doués les fabricants. Alors, voilà. Et je vais vous laisser bien entendu l'expérimenter, puisque j'ai expérimenté la première partie. Allez-y. Merci. Faites-vous plaisir et montrez aux gens comme c'est bon. Mmh. Voilà. Alors, donnez-nous votre sentiment. Je pense que mon chef, il va m'engueuler, il va me faire nettoyer le sol. Votre chef? Oui, mais ça c'est rien. Ça vous fera du bien. Mmh. Alors? Ça a plus de goût. Ça a plus de goût, vous voyez? Je vous fais du ASMR en même temps. Parce que sans sucre, on peut sauter un repas avec une bouchée. Mais là, avec du sucre, on peut sauter trois repas. C'est tout bénef. Je repère mes cheveux. Ah, mais ça, c'est un petit peu normal, parce qu'on a rajouté du sucre, je pense. Voilà. Voilà. On va les poser là, avec le reste. On essaiera de vous les recoller après l'émission. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez peut-être un dernier mot à dire. Un dernier mot pour... J'arrive plus, là. Oui, non, je comprends. Mais taisez-vous, on vous a assez entendu, merci. Oui, j'ai peut-être un dernier mot à dire. La caméra et je sais plus. C'était celle-ci. Au spectateur, peut-être? Au spectateur. Et alors, au spectateur, j'aimerais passer un message, effectivement. Arrêtez d'avoir peur. Le monde va de mieux en mieux. C'est le progrès, c'est la croissance. N'écoutez pas les médisants qui cherchent à vous faire peur. Soyez heureux. Consommez. Le bonheur passe par la consommation. La terre regorge de richesses. Faites-vous plaisir, les amis. Voilà, c'est ça le message que j'aimerais faire passer. Comme exactement vous venez de le faire avec cette viennoiserie et ce sucre. Vous m'avez l'air en pleine forme. Monsieur? Ça va? Clignez des yeux, si vous m'entendez, monsieur. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bah, écoutez, ça peut arriver, hein, c'est une petite pause. Ça fait du bien. Bah écoutez, j'ai pas écouté ce que vous m'avez dit à la fin, mais merci d'être venu sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Mon plaisir fut des cheveux. Oui, mais l'important c'est que vous vous êtes fait plaisir, hein? Non. Non. Très bien. Bon, merci beaucoup. Voilà. En vous souhaitant du bonheur. Du bonheur, oui. Ouais. Vous avez un peu de mal à enchaîner les mots, c'est normal? Oui, c'est... C'est l'effet... Même quand je fais pas mon rôle, j'ai du mal à enchaîner des mots, donc... D'accord. En tout cas, ce fut un plaisir. Oui. N'hésitez pas à me réinviter sur un autre sujet, je pourrais m'exprimer très librement et vous faire profiter de toutes mes connaissances. Voilà. Merci beaucoup, ami des lobbies. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Ouah, est-ce que j'ai assuré ou pas? Non mais même moi, en fait, je vais vous expliquer, c'est ouf. Parce que ami de lobby, du coup, c'est un ami que j'ai rencontré sur le terrain. Là, je vous l'ai fait comme ça, direct, je suis revenu moi-même. Et en fait, on a même pas répété, quoi. C'était vraiment, c'était fait comme ça. Enfin, genre...
Je sais pas si vous avez kiffé. Je suis pas comédien, je suis une chiasse totale. Mais voilà. Je sais pas, dites-nous des petits commentaires. C'était toi, José. Eh oui, coucou officiel, c'était bien moi, le mec à la perruque. D'ailleurs, je voulais même pas me regarder parce que je savais que j'allais rire. Et d'ailleurs, j'ai craqué à 2-3 moments. Mais ouais, franchement, Vincent Vollore, si t'avais pas eu ce nom, je t'aurais remercié. Mais là, je suis un peu en mode. Ah ouais, ouais, ça me va quand même, hein, ça me va, ça me va. Ça me va, ça me va. Non mais voilà, en gros Amélie Lovy du coup il est sur YouTube et il fait des... J'ai plein de cheveux de partout, c'est incroyable. Il fait du coup des vidéos trop trop bien où il ironise un peu comme ça, il se reprend pour un vrai lobbyiste et voilà, et c'est juste, je kiffe ce qu'il fait, allez le suivre sur les réseaux, sur YouTube etc. Et il a fait plein d'autres vidéos et voilà. Et du coup j'espère juste que ça vous a fait kiffer. Garde les cheveux. Franchement, allez, je vais garder au moins encore 5 minutes. Et voilà. Et sinon, écoutez, ne mangez pas de ces merdes parce que c'est pas bon du tout. Et je voulais juste vous présenter quelqu'un. Salut. Salut. Qui es-tu ? Bah, je suis Adi Rassi, le comédien qui interprète le personnage de lobbyiste dans la série Amélie. Comment ça va alors ? Bah, écoute, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce que tu fais ? J'ai encore un petit peu la... Ça part pas tout de suite. Il faut que tu prennes du sucre. Non, ça va aller, merci. J'ai vu l'effet que ça fait, j'ai pas envie de les perdre. Non, ça va très bien. Bon, raconte-nous... C'est pour un truc qu'on n'a pas préparé du tout. Tu t'es attendu à quoi ? Parce que franchement, j'étais mort. Mais... Tu m'as prévenu il y a 2 jours. Ouais, c'est vrai. Mais ça va, c'était marrant. Mais c'était marrant. C'était marrant à faire. Je pense que sur les plateaux de télé, ils font ce genre d'exercice, mais je pense qu'ils répètent et qu'ils prévoient un peu le truc. Non, franchement, t'as géré ton rôle. Hein, on aurait dit. D'ailleurs, allez voir sa vidéo. Je sais même pas regarder. Allez voir sa vidéo que t'as sortie avec Greenpeace. Ouais, la dernière avec Greenpeace. Ouais, voilà. En collaboration avec Greenpeace. Qui parle du coup, il a de la précarité alimentaire. D'ailleurs, t'as oublié un truc. J'ai oublié un truc. T'as oublié de parler de la sécurité sociale de l'alimentation. Et oui, non, on allait en parler maintenant en fait. Ah, ok, d'accord. Là, tu redeviens en mode normal parce qu'en tant que lobbyiste, tu n'allais pas parler de ça. Bah, j'aurais pu m'exprimer là-dessus. mais donc, du coup, voilà. On n'a pas beaucoup le temps, mais du coup, si tu veux dire le pourquoi tu joues ce rôle dans Amis des lobbies. Ouais. Et après, nous parler justement de la pétition, la fameuse pétition. Puis après, on fera une petite. Passerelle avec Raphaël qui va venir parler de la précarité justement alimentaire. Ok. Allez hop, c'est alors, parti. La série Amis des lobbies, c'est-à-dire qu'on a décidé de prendre un angle un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter les choses... Ça c'est pour toi, en même temps. Merci. Alors, la série Amis des lobbies, on a décidé de prendre les choses avec un angle... Vous voyez, ça change la voix tout de suite, c'est marrant. On a décidé de prendre les choses avec un angle un petit peu différent, c'est-à-dire au lieu d'affronter au premier degré, de présenter les choses en disant « Regardez, ils sont... » Pardon ? Approche-toi un peu. Il faut que je me rapproche un peu. Donc au lieu de dire « Regardez, ils sont pas gentils, ces lobbyistes et ces industriels, regardez ce qu'ils font », on s'est mis de l'autre côté de la plaque, du miroir, on s'est dit « Voilà, on va les mettre en scène et les interpréter. » Et du coup, ils vont nous raconter que c'est génial de déforester, de semer des pesticides... etc. Et normalement, si tout se passe bien, comme c'est du second degré, bien sûr, le public a le message inverse et du coup n'adhère pas du tout aux propos. Voilà, ça a été ça un peu le point de base. Et ça marche plutôt bien. Il y a très peu de gens qui croient que je suis vraiment lobbyiste. Mais ça m'arrive, des fois on me demande, est-ce que t'es vraiment lobbyiste dans la vie ? Non mais c'est génial. Moi j'ai kiffé dans mes débuts. Enlever tes lunettes parce qu'elles sont un peu gênantes. Par contre il y a du sucre de partout, on va devoir nettoyer. Oui, c'est pas très grave. Pour faire rapidement, parce que du coup je crois que notre sketch était tellement bien fait qu'on a mis trop de temps à le faire. Ah bon ? Ouais. Non je sais pas. Ils étaient morts de rire. Ah bah c'est cool. Est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi t'as fait cette vidéo rapidement et comme ça on fait la petite passerelle et on vous fait la dernière vidéo avec Greenpeace. Exactement. C'était vraiment une demande de Greenpeace pour le coup là. C'est-à-dire que eux voulaient absolument mettre le sujet là sur la table pendant la campagne présidentielle parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu connu. Les chiffres de la précarité alimentaire, c'est quand même 1/10. Des Français quoi, qui souffrent de la précarité alimentaire, qui ont eu recours à l'aide alimentaire
en 2020. C'est la moitié des étudiants. Donc, c'est vraiment des chiffres assez effrayants pour un pays comme le nôtre, je trouve. Et c'est vrai qu'on entend un peu parler, mais très peu. Donc, ils ont voulu mettre un coup de boost et c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de réaliser cette vidéo. Et ils nous ont laissé une totale liberté. Donc, ça, c'était cool. On a pu faire vraiment ce qu'on voulait et faire une vidéo à notre sauce, Amis des Lobbies, quoi. Assez classique, finalement, même si elle est un peu plus courte que les autres. Et du coup, par rapport à la pétition, peut-être, tu pourrais nous en parler. Bah, la pétition, oui, c'est très important. C'est très important de la signer parce que c'est comme toutes ces actions. Tu peux arrêter de bouger quand je parle, c'est assez perturbant. Je vais mettre les lunettes, peut-être ça va m'aider. Voilà. Donc Vas-y. La pétition, oui, c'est très important de la signer parce que plus de gens la signent, plus ça fait du bruit. Plus ça fait parler, et c'est le but de la plupart de ces associations, bien sûr, c'est de mobiliser vraiment l'opinion publique, puisque quand on en parle directement aux politiciens, ils esquivent un petit peu le sujet. Donc de mobiliser, je vois que t'as hâte que je finisse aussi. Non mais derrière la régie, elle me... Ah ouais, d'accord. Non mais c'est important, puisque voilà. on fait la transition avec ce que tu vas nous dire, ouais. Et avec du coup la deuxième thématique de la soirée. Du coup, je pourrais partir. Après, mais ouais. Du coup, finalise du coup non, par rapport à la pétition. Non, non, mais en tout cas, c'est très important de la signer. Comment on fait du coup pour y aller Bah, il y a un lien tout simplement qu'on peut trouver sur les pages de Greenpeace. On peut le trouver aussi en bas de notre vidéo. On l'a mis dans la description. Donc, si on cherche en général, tu sais, José, on trouve. Et comment on fait pour aller vous suivre? Et puis, on clôture sur ça et puis on envoie là. Pour nous suivre, bah, il suffit de s'abonner à nos pages, à toutes les pages, hein, de préférence plutôt YouTube. C'est vrai que c'est la page qu'on met le plus en avant, mais aussi on a un compte Instagram et une page Facebook et un compte Twitter. On est partout, on est très moderne. Ok, bah écoute, merci, t'as un dernier mot à dire. Bah, ce fut un plaisir d'être là, merci José. Prochaine fois, j'espère que tu me laisseras un petit peu plus de temps. Pour qu'on puisse travailler nos sketchs, mais quand même... On le fera, et encore mieux, ouais. Sur une de tes vidéos. Mais ou sur j'ai autre. Pris beaucoup de plaisir, c'était tu, un plaisir. Tu viendras directement sur les plateaux, entre ces quatre, et on se fait un petit people à la bougie où tu pourras parler. Avec grand plaisir, vraiment, quand tu veux. Bon, bah merci. Merci à toi. Salut mon ami. Bon, voilà, team, c'est parti. On va passer à la deuxième thématique. Il y a Raphaël, du coup, qui va venir, qui va rentrer. Et voilà, juste dans... Tu viens, comme ça. On fait pas de waiting screen. Tiens, Raphaël. Mais ça. Alors, par contre, on vous a laissé le studio. Vas-y. C'est à toi. Nicolas, tu peux venir t'installer. Et on va reprendre le rythme de l'émission sur les sujets un petit peu plus... Oula, la caméra. Ah, je suis devant. Ouais. Reprendre le rythme de l'émission pour faire un petit récap pendant que Rossé range son sucre toxique. Il y en a de partout. Un petit récap, du coup, on est dans le live. Merci, les cheveux. Il m'a ramené les cheveux. Aïe, aïe, aïe. Le bordel. J'adore. J'espère qu'ils ont kiffé en tout cas. On est donc dans le live du futur. L'objectif, c'est d'aborder des thématiques qui sont cruciales autour des enjeux écologiques et sociaux avec des associations qui viennent nous présenter les grandes mesures qui, pour elles, changeraient tout. On fait des petits interludes, des petits intermèdes humour, comme vous avez pu le voir, digne de Hollywood. Et là, on est reparti et je suis en présence de Nicolas Giraud. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, ben donc moi je suis Nicolas, moi je suis paysan dans le Jura, j'élève des vaches laitières avec mon frère sur une ferme, on produit du lait pour la fabrication du comté, du morbier, des fromages sous signe de qualité en Franche-Comté, et depuis 3 ans maintenant, je suis porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, un syndicat agricole. Eh bien, on va en parler parce que notre thématique, c'est une alimentation saine pour tous. Il y a aussi Fatima Ouassa qui est porte-parole de Front des Mères qui arrive. Elle est un tout petit peu en retard, mais elle va te rejoindre sur le plateau parce qu'en fait, les thématiques sont très liées entre, d'une part, l'insécurité alimentaire ou la précarité alimentaire et la condition des paysans et comment on nourrit finalement la population. On estime qu'en 2020, il y a eu entre 5 et 7 millions de personnes qui ont eu recours à des centres de distribution alimentaire en France. Ça a été décuplé aussi par la crise, la pandémie. On a vu toutes les images des étudiants, on en a parlé déjà dans ce live. Et il y a eu aussi d'autres grands événements pendant ce quinquennat, par exemple la révision de la PAC, la politique agricole commune, peut-être qu'on va en parler. Toi, aujourd'hui, j'avais envie de commencer par te demander quelle est pour toi la mesure qui changerait tout. C'est la question qu'on pose à toutes les associations qui sont venues nous voir ce soir.
et je lance juste mon petit jingle. Donc la mesure qui changerait tout pour moi et pour la Confédération Paysanne, aussi bien sur l'insécurité alimentaire que nous sur nos revendications paysannes, c'est le droit au revenu paysan. C'est-à-dire de se donner les moyens qu'on ne puisse plus nous acheter nos produits agricoles en dessous de nos... Parle bien dans le micro. En dessous de nos coûts de production. Alors quand je dis ça, en dessous de nos coûts de production, ça veut dire, en fait, pour produire, ben moi du Comté, par exemple, j'ai des charges d'alimentation de mes animaux, j'ai des charges de gasoil, d'électricité, etc. Et puis j'ai aussi une nécessité de me rémunérer. Ça, c'est tous les coûts de production. Donc nous, la revendication, c'est qu'on ne puisse plus nous acheter nos produits en dessous de ces coûts de production avec une prise en compte d'une rémunération paysanne à la hauteur de 1,5 ou 2 SMIC, parce qu'on est, sur un temps de travail qui est relativement important. Et ça, ça permettrait à la fois d'avoir des paysans plus nombreux, parce qu'il y a l'attractivité du métier qui serait relancée, mieux rémunérés, donc mieux en capacité également de bâtir la souveraineté alimentaire, l'accès à l'alimentation pour tout le monde, et puis de faire la transition agroécologique, parce que tout le monde en parle, la transition agroécologique, mais quand on n'a pas de revenus et que les paysans sont obligés de s'agrandir sur des fermes de plus en plus grandes, et ben passer au bio ou faire une agriculture locale, c'est quasiment impossible. Comment il serait financé ce revenu paysan? Ben, très clairement, nous, pour qu'ils soient financés, c'est d'aller prendre sur les marges de ceux qui se gavent entre nous, les paysans, et puis vous, les consommateurs, quoi. Il y a un chiffre à retenir, c'est que quand on paye 100 euros pour notre alimentation, il y en a 7 qui reviennent dans la poche des paysannes et des paysans. Wow. Et le reste va où? Eh ben, le reste, il va à l'industrie agroalimentaire, il va à la grande distribution, il va sur les transports, il va sur la taxation, etc. etc. Donc, on ne peut pas tout enlever ce qu'il y a là au milieu, mais nous, on a une certitude, c'est que certains peuvent réduire leur marge et on pourrait à la fois avoir une alimentation accessible au bout pour les consommateurs et puis à la fois avoir une rémunération pour les paysans. En tout cas, on ne peut pas commencer à dire que il faudrait que les paysans soient encore moins payés pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Et puis nous, on n'a pas envie de dire non plus, nous, il faut qu'on soit mieux payés, donc vous n'avez qu'à acheter votre alimentation plus chère. Parce qu'on sait bien que pour une bonne partie de la population, c'est pas possible. Tu l'as dit tout à l'heure, entre 5 et 7 millions de personnes en précarité alimentaire, on ne va pas leur demander de payer leur alimentation plus chère. Et tous ceux qui sont entre les deux, qui sont sur un fil en permanence, on ne peut pas leur demander ça non plus. Il y a des associations et notamment le plan A dont parlaient Gabriel et Charlène de Alternatiba NVCOP 21 en introduction. Ces associations, elles proposent d'instaurer une sécurité sociale alimentaire qui serait basée en fait sur le modèle de la sécurité sociale qu'on connaît, qui permettrait à chacun de cotiser pour que tout le monde ait un budget pour l'alimentation par mois. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une mesure que vous supportez aussi? Ouais, c'est une mesure qu'on travaille à la Confédération Paysanne depuis plusieurs années avec d'autres orgas, qu'on a porté là tout récemment au Salon de l'Agriculture et à l'ensemble des candidats à la présidentielle, qu'on va porter aussi aux législatives. Alors j'allais dire, nous, on porte, j'allais dire plus globalement, l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir cette souveraineté alimentaire pour nous, ici en France, puis pour l'ensemble des pays? Donc c'est finalement le droit des peuples à choisir leur alimentation. Donc il y a cette partie-là qu'on fait partie. Juste avant, moi je voulais dire qu'il y a aussi des droits pour les paysans qu'il va falloir pour nous conquérir, c'est-à-dire, je parlais du droit au revenu là tout à l'heure, il y a aussi le droit d'accès au foncier, il y a le droit d'accès à l'eau, ça c'est tous nos moyens de production. Si ça on les protège pas et on ne permet pas aux paysans d'y accéder, ben on sera toujours dans une logique d'agrandissement des fermes. Et puis il y a le droit de l'accès aux aides. Tu as parlé de la PAC tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on a une PAC, une politique agricole commune, les subventions européennes qui sont plus équitables. Est-ce que tu peux juste pour les gens peut-être qui connaissent pas bien comment ça fonctionne, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la PAC et pourquoi finalement c'est un problème dans le sens où ça perpétue un modèle d'agriculture intensive? Alors, en fait, donc la PAC c'est la politique agricole commune européenne qui a été bâtie. Au tout début de la construction européenne, c'est le plus gros budget européen qui est mis en commun. En gros, sur l'agriculture française, c'est 9 milliards d'euros qui arrivent chaque année sur l'ensemble du monde agricole en France et qui est partagé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est partagé selon une méthode qui est pour nous inégalitaire, c'est-à-dire que c'est majoritairement distribué sur la surface.
C'est-à-dire que plus une ferme est grande, plus elle va toucher d'aide, de subvention de la politique agricole commune. Donc, le signal qui est envoyé en fait aux paysans, c'est de dire, vu que les paysans sont très peu rémunérés par la vente de leur production, le seul moyen de se rémunérer, c'est d'aller chercher ces subventions. Et pour aller les chercher, il faut s'agrandir. Donc, à partir du moment où on est dans un processus d'agrandissement des fermes, on ne peut pas être dans une logique de relocalisation de l'alimentation, parce qu'on n'en a pas le temps. C'est plus compliqué. On ne peut pas être dans une logique de transition agroécologique et de chercher, par exemple, à faire de l'agriculture biologique, parce que ça demande aussi du temps, des compétences, et que ça va être compliqué sur une ferme plus importante. Et on est sur une logique de disparition de l'emploi paysan, parce que forcément, quand les fermes s'agrandissent, matériel plus important, et on a de moins en moins besoin de paysannes et de paysans, on en perd en gros des actifs agricoles 10 000 par an, depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, la PAC est totalement inégalitaire, donc ça c'est aussi une des mesures fondamentales. J'aurais pu prendre ça un peu comme mesure pivot, mais c'est une nécessité pour réorienter le modèle agricole. Pour revenir un peu juste sur la question de la sécurité sociale alimentaire, parce que y a des gens qui demandent un petit peu de mieux comprendre un petit peu cette mesure. Est-ce que tu peux expliquer si cette mesure elle participerait à la transition écologique et pourquoi en fait, dans quelle mesure? Ben oui, nous on pense vraiment que c'est une mesure qui peut lier à la fois l'enjeu alimentaire, l'enjeu agricole et l'enjeu écologique. Juste, il faut qu'on se partage le constat, j'allais dire, avant cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on vous l'avait dit tout à l'heure plusieurs fois, il y a une population de plus en plus importante qui est en précarité alimentaire. Donc il y a un échec de la politique agricole et alimentaire en France et en Europe. Cet échec-là, il est échec pour les gens qui consomment, échec aussi pour les paysans qui disparaissent et qui sont pas rémunérés. Ça a été dit aussi tout à l'heure, 30% des paysans qui touchent moins de 350 euros par mois. Donc on voit bien que ça marche pas. Pourtant, l'agriculture, elle produit de plus en plus. On la subventionne, la politique agricole commune la subventionne pour produire plus. Elle produit plus, elle produit trop. Et ce trop, en fait, il sert à cette précarité alimentaire, à amener, soi-disant, les gens qui sont dans l'incapacité de se payer cette alimentation, à leur donner cette alimentation. Donc cette agriculture-là, elle est subventionnée pour produire plus et trop par la PAC. Et une partie même sont subventionnées par une défiscalisation pour faire des dons à cette population qui est en difficulté alimentaire. Donc on voit bien que là, il y a une logique totalement folle. La sécurité sociale de l'alimentation, elle part de ce constat-là et elle part du constat également qu'on ne peut pas accepter qu'une partie de la population ne choisisse pas son alimentation et qu'elle la subisse. C'est-à-dire qu'on lui amène de l'alimentation via les Restos du Cœur, via toute cette solidarité-là qui est pas à remettre en cause, qui est nécessaire, mais on assiste les gens et on les met dans un non-choix. Quoi. Je te coupe juste pour donner quelques chiffres. Aujourd'hui, 27% des ménages en France ne peuvent pas manger pendant une journée entière ou davantage. C'est vraiment l'insécurité alimentaire. J'ai l'impression que c'est presque quelque chose dont on ne réalise pas l'ampleur en fait, que ça a en France et depuis combien de temps ça dure. Entre 2009 et 2019, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, il a doublé. C'est vraiment un phénomène gigantesque et je te laisse continuer. Oui, non, mais c'est clair, c'est important de remettre ces chiffres-là, c'est quelque chose de gigantesque. Et à partir de ce constat-là, nous, impossibilité de nourrir les gens comme il faut, impossibilité de rémunérer les paysans de l'autre côté, il y a un souci, on ne peut pas avoir une alimentation à deux vitesses, une agriculture à deux vitesses. Donc c'est comme ça qu'est un peu née l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, qui se base sur trois principes en fait. Le premier, c'est l'universalité de l'accès. C'est-à-dire que c'est comme pour la sécurité sociale de la santé, tout le monde aurait une carte vitale alimentaire avec laquelle il pourrait acheter tout ou une partie de son alimentation. Qu'on ait un revenu élevé ou qu'on n'ait pas de revenu ou qu'on soit dans des revenus médians. Tout le monde aurait sa carte vitale alimentaire dotée d'un certain montant, du même montant. Parce que finalement, ce qui est revendiqué au travers de ça, c'est que le choix à l'alimentation ne soit pas guidé par son niveau de revenu, mais le niveau de revenu va guider la cotisation à ce modèle de sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les riches choisissent leur alimentation, les pauvres la subissent. Demain, symboliquement, les plus riches vont cotiser
à la sécurité sociale de l'alimentation et vont aussi y avoir accès. Et les plus pauvres ne cotiseront pas, ou peu en fonction de leurs revenus, et auront le même accès à l'alimentation. Donc ça, c'est les deux premiers pivots, l'universalité et le financement par la cotisation. Et le troisième, c'est le conventionnement. C'est-à-dire que installer une démocratie alimentaire où on conventionne ce qu'on veut mettre sur cette carte vitale alimentaire. Est-ce qu'on veut mettre des produits en agriculture biologique, des produits locaux, ou est-ce qu'on veut mettre des produits de la grande distribution, de l'agroalimentaire, etc. Et ce sera à réfléchir, tout le monde autour de la table, tous les gens qui consomment, pas seulement les élus, pas seulement le monde agricole, mais ceux-là aussi, mais tous les citoyens qui veulent décider de leur alimentation. Est-ce que tu sais si cette sécurité sociale alimentaire, elle existe dans le monde ? Non, c'est pas quelque chose qui existe encore. C'est pas quelque chose qui existe encore. On est sur quelque chose de nouveau et de proprement révolutionnaire, parce que on est dans une logique. On ressort complètement de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, où on gérait l'offre agricole. Il fallait avoir une offre surabondante en agriculture, fait que les paysans produisent de plus en plus pour avoir une offre énorme, et on s'occupait pas de la demande en fait. Là, on inverse complètement le truc. On est à l'écoute de la demande. On regarde quelle demande alimentaire il y a et en fonction de ça, on va gérer l'offre. En fonction de ça, on va mettre en place des politiques agricoles. Et c'est dans ce sens-là que la sécurité sociale de l'alimentation, elle est aussi un moyen de réorienter le modèle agricole. Parce que si les gens demandent une agriculture relocalisée, une agriculture paysanne, une agriculture biologique, et qu'elle est financée avec cette sécurité sociale... Et les paysans s'adapteront. Les paysans s'adapteront et auront une nécessité de produire autrement. Parce que l'enjeu, c'est qu'il y ait à la fois un accès à l'alimentation choisi et de qualité, et à la fois, de l'autre côté, des paysans qui soient rémunérés. Je te pose un petit peu les questions qu'il y a dans le chat. Il y a pas mal de débats sur le bio. Toi, tu as dit que t'étais en bio. Non, moi je suis pas en agriculture biologique. T'es pas en agriculture biologique, désolé, c'est qu'on a beaucoup d'invités. Tu n'es pas. Il y a par exemple Merci pour le sub 78 qui dit le bio ne peut être une solution qu'à la marge, à moins que l'on change radicalement de société et que l'on revienne à un modèle de développement agricole et donc plus d'agriculteurs. Mais qui a envie de travailler dans l'agriculture ? Ça manquait de virgule cette question, mais est-ce que tu as compris le sens ? Ouais, je comprends un peu. Clairement, alors on nous explique toujours ça, déjà que le bio ne peut pas nourrir le monde. Alors, il ne faut peut-être pas tous passer en agriculture biologique, mais en tout cas, on peut passer sur une agriculture durable, une agriculture paysanne, qui permettra de prendre en compte les effets de l'agriculture sur l'environnement. Parce que là, on nous bassine les oreilles depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'il va falloir produire plus, produire plus, produire plus. Le produire plus, aujourd'hui, il est dans le mur, en fait. On n'arrive plus à produire plus. J'ai vu que le gouvernement avait autorisé certains agriculteurs à ne pas respecter les périodes de jachère pour produire plus. Ça, qu'est-ce que tu penses d'une décision comme ça ? C'est nécessaire ou c'est dangereux écologiquement ? Ben non, c'est pas nécessaire. Il faut se mettre dans une logique que de fait, s'il y a des tensions sur l'alimentation, il faudra arriver à les gérer. Mais la solidarité, c'est pas de produire plus. La solidarité, ça va être de faire que ce qu'on produit soit accessible pour les plus précaires. Donc d'avoir des prix solidaires, notamment avec les pays de l'arc méditerranéen. On parle beaucoup de l'Égypte, du Maroc, qui vont être en difficulté alimentaire. Si on produit plus, mais que notre blé, il y a eu une spéculation dessus et qu'il est à 500 euros la tonne, alors qu'il devrait être à 200, les Égyptiens ne pourront pas se nourrir. Donc c'est pas l'enjeu du produire plus, c'est l'enjeu de comment est-ce qu'on rend cette production accessible par ceux qui doivent se nourrir. Et donc l'excuse de dire on va s'asseoir sur les objectifs environnementaux, notamment sur les jachères, pour soi-disant produire plus, c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est juste une logique de rentrer encore un peu plus dans une agriculture moins durable, donc moins en capacité de nourrir demain. C'est ça en fait qu'il faut arriver à connecter. C'est qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple du blé, les rendements en France, ils plafonnent ou ils descendent depuis quelques années, malgré une agriculture intensive et qui a tous les moyens en fait. Elle a tous les moyens techniques, tous les moyens économiques, et on n'arrive pas à plus produire. Donc l'enjeu, il n'est pas de plus produire, il est de mieux produire pour pouvoir nourrir assez demain et après-demain.
Et d'ailleurs, il y a Twitcher to Twitch qui nous dit « Pourquoi ne pas produire nous-mêmes une partie de notre alimentation, redonner des terres et les partager comme les potagers citoyens ?» J'ai un petit chiffre, c'est que la France importe actuellement 20% à peu près de son alimentation. Vous, à la Confédération Paysanne, vous militez, entre guillemets, pour que... on consomme une large part de ce qu'on produit ou... Oui, nous on est dans cette logique-là de relocalisation, on est dans cette logique-là de produire au plus près des besoins, aussi bien, quand je dis au plus près, c'est à l'écoute de ces besoins-là, puis c'est aussi au plus près localement. Donc par rapport à la question, par rapport au jardin, à la production nourricière, on va dire, c'est quelque chose qui peut être forcément intéressant. Enfin, forcément, en ville, il y a un intérêt écologique, il y a un intérêt de lien social, parce que c'est aussi des rencontres à ce moment-là. Il y a intérêt de se reconnecter au vivant et de savoir à quelle saison poussent les tomates, les fraises, etc. Il y a un intérêt du vivre ensemble. Donc ça, forcément, c'est des choses intéressantes. Alors après, on sait bien qu'on ne pourra pas nourrir la population sur des jardins... collectif ou de quartier, etc. Mais c'est des éléments intéressants pour que les gens qui consomment se reconnectent à l'alimentation directement et se reconnectent à cet enjeu du vivant. Et il faudrait que ce soit accompagné par des politiques étatiques, en fait, les politiques d'urbanisation, etc., ouais. De prendre ça en compte. Il faudrait clairement prendre ça en compte. Mais aujourd'hui, les politiques d'urbanisme sont plutôt sur une logique de détruire le foncier agricole que d'en remettre. Je vais être samedi, on sera mobilisé à une manif à Besançon sur le quartier des Vettes où ils veulent construire un éco-quartier, soi-disant. C'est la nouvelle mode, c'est les jolis termes pour expliquer pourquoi on va bétonner une partie. Alors que justement, sur ces terres-là, on est en périphérie, voire inséré dans une partie de la ville de Besançon. Il y a des jardins ouvriers, il y a toute une partie de biodiversité, il y a des maraîchères qui sont installées sur ces terres-là. Donc on est complètement dans une logique de relocalisation, de reconnexion entre la production et l'alimentation. Et bim, l'agglo de Besançon, qui devrait pourtant être mise à l'écoute que c'est une agglo qui est écolo, elle continue dans cette logique-là de bétonisation et de suppression de ces jardins ouvriers et maraîchers. Il y a Pixie qui souligne qu'il faut aussi prendre en compte le gaspillage alimentaire. J'imagine que ça fait partie de votre réflexion où tu disais il ne faut pas produire plus, il faut mieux déjà consommer ce qu'on produit, c'est quand même la base. Est-ce que tu as les chiffres sur le gaspillage alimentaire ? J'en ai un en tête, c'était au cœur d'un rapport du GIEC il y a 3-4 ans. Je crois que c'est au niveau mondial, c'est 25% de l'alimentation qui est gaspillée. C'est délirant. C'est totalement ahurissant hein, quand on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim, 25%. Donc, qu'on nous fasse pas le sketch de dire c'est les gens qui dans leur frigo laissent les tomates machin. Les 25%, c'est une grande partie à la production, à la transformation, à la distribution. Et après, il y a en effet une partie à la consommation également. Mais si on règle déjà au niveau du modèle agro-industriel et de la distribution, si on règle des choses, on aura une perte qui sera beaucoup moins importante. Quand tu dis quand tu parles des pertes à la production, tu parles par exemple des maraîchers qui doivent sélectionner les plus beaux légumes. C'est exactement ce que j'avais en tête. C'est par exemple le calibrage, parce que voilà, il faut des carottes bien droites, d'une telle taille. Il faut pas des fruits fripés, il faut pas qu'ils aient de taches, etc. Et tout ça, quand on est dans un système de filière où on vend à l'agroalimentaire, qui ensuite vend à la grande distribution, eh ben faut des produits nickel, il faut des produits qui soient calibrés tous de la même façon, etc. Sauf que voilà, on est dans de l'alimentation, on n'est pas en train de vendre des bagnoles. Donc vendre des bagnoles, je veux bien qu'il faut avoir un process de production, etc., etc. Là, on est sur de l'alimentation. Il y a aussi un plaisir à s'alimenter. Et si on perd tout ça, on perd cette connexion et ce lien au vivant. Ça, c'est quand même un petit peu en train de progresser en France, notamment avec la loi. Je crois que ça fait partie de la loi climat où les fruits et légumes emballés n'auront plus le droit d'être mis en vente, que de plus en plus de fruits et légumes vont être vendus en vrac. Est-ce que ça, on peut quand même souligner des progrès dans ce... Ouais, il y a quelques progrès, mais qui se situent, j'allais dire, régulièrement au niveau du consommateur. On a l'impression qu'on cible tout le temps le consommateur au travers de son acte d'achat et on lui remet la responsabilité de l'échec et du climat et du modèle agro-industriel sur le dos.
Alors qu'une vraie politique d'État qui voudrait avoir des effets et sur le climat, et sur l'agriculture, et sur l'alimentation, elle s'attaquerait au modèle agro-industriel, elle s'attaquerait au capitalisme économique de ces filières-là, et au fait que des grandes filières et des grandes entreprises monstrueuses se font un pognon de dingue sur les paysans et se font un pognon de dingue sur les consommateurs. Donc, à un moment donné, expliquer qu'on va changer les choses juste en ayant des mesures à la marge comme ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil, quoi. Il y a quelqu'un qui nous dit pour avoir travaillé dans un magasin bio, même eux jetaient des kilos de produits périmés ou invendus. Ben, je pense que de toute façon, oui, on n'est pas. C'est pas parce qu'on est sur du bio, c'est pas parce qu'on est sur du local qu'on va être à chaque fois nickel et que ce sera tout rose. Il y a des efforts à faire partout, ça c'est une certitude. Mais c'est pour ça que l'enjeu de la démocratie alimentaire et de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de remettre les citoyens, les consommateurs au cœur des choix agricoles et alimentaires. Et de se dire que c'est peut-être une politique qui devrait faire vraiment pivot au cœur de notre société. Enfin, il y a les politiques publiques de santé, il y a les politiques publiques d'éducation. Enfin, l'alimentation, il faut qu'elle reprenne une place absolument centrale, de dire, si on veut vivre en bonne santé, si on veut vivre longtemps, il faut bien manger. Donc à partir de là, on ne peut pas laisser ce choix-là uniquement à nos décideurs, uniquement à un modèle agricole qui pense pour nous et qui décide pour nous. Donc l'enjeu, c'est on reprend le pouvoir au travers de cette sécurité sociale de l'alimentation. Et sur cette sécurité sociale, pourquoi en fait vouloir mettre en place ce système qui serait un peu universel, où tout le monde cotiserait, même si tout le monde cotiserait à hauteur de ses moyens, et pourquoi pas plutôt faire une allocation ciblée comme avec l'aide au logement par exemple? C'est quoi la démarche? En fait, il y a ça, c'est-à-dire que certains nous disent on n'a qu'à mettre un chèque alimentaire par exemple en place. Mais un chèque alimentaire, c'est encore une fois... On va cibler les populations les plus précaires, on va leur ramener un soutien et on va leur faire subir un choix par rapport à leur accès à l'alimentation. Et aujourd'hui, nous, on veut pas d'une politique alimentaire pour les riches et d'une politique alimentaire pour les pauvres. Il faut cette politique universelle. Nous, on avait fait le constat qu'il y avait une agriculture à deux vitesses et une alimentation à deux vitesses quand on avait commencé à s'attaquer à l'industrialisation de l'agriculture. Quand on avait démonté la ferme-usine des 1000 vaches. Est-ce que tu peux juste préciser, rappeler ce que c'était la ferme-usine des 1000 vaches? Ouais, la ferme-usine des 1000 vaches, c'était une ferme, un projet de ferme qui se montait dans la Somme, où il y avait un regroupement de différents troupeaux qui étaient pilotés par un grand mania du BTP dans le nord de la France. C'était pas un paysan qui était à l'origine de ce projet. Et l'objectif, c'était de mettre 1000 vaches dans un bâtiment pour produire du lait à pas cher, pour en même temps, avec la merde des vaches, mettre dans un méthaniseur pour produire du gaz et produire de l'énergie. Et derrière ça, avancer un système où les paysans ne sont que des faire-valoir. Il n'y avait plus de paysans, il y avait juste des salariés qui étaient à la journée derrière les vaches pour les traire, ou à la journée dans les champs pour faire ceci, faire cela. Enfin voilà, on n'était pas du tout dans une logique paysanne. Et on n'était pas du tout dans une logique de recherche d'alimentation de qualité. Donc nous, on est allé poser des actions sur cette ferme-usine pour l'empêcher de se mettre en route. Elle s'est mise en route, mais elle a fini par être arrêtée. En tout cas, aujourd'hui, elle ne tourne plus. Il n'y a plus de vaches qui sont traites dans cette ferme-usine. Il n'y a pas un autre modèle agricole en France qui s'est développé de cette manière-là, à ce niveau-là. Donc c'est plutôt une victoire de la conf. Et en fait, quand on a continué à discuter de ça, on s'est rendu compte que c'était bien de lutter contre l'industrialisation de l'agriculture, mais il fallait aller plus loin, il fallait aller sur l'alimentation, en fait. Parce que si il y a une demande, entre guillemets, alimentaire sur cette ferme-usine des 1000 vaches, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de se payer une alimentation de qualité. Donc il faut s'attaquer à cette dualité de l'alimentation. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'est né un petit peu le projet de sécurité sociale, en disant il faut s'attaquer à la base du truc. La base du truc, c'est... la précarité alimentaire, l'insécurité alimentaire pour arriver à générer un autre modèle agricole derrière. C'est super intéressant et vous pouvez aller vous renseigner sur le site du Plan A, sur le site de la Confédération Paysanne, sur ce que c'est que cette sécurité sociale alimentaire, parce que c'est peut-être pas
facile à comprendre tous les enjeux si vous découvrez cette proposition ce soir. On devait recevoir Fatima Wasak avec toi. Finalement, elle a eu en fait un empêchement de dernière minute. Je crois qu'on va pas pouvoir la voir, mais ce n'est que partie remise. Je suis sûre qu'elle acceptera de revenir nous voir dans une autre des émissions de People qui... Les émissions de People, c'est le lundi soir et le jeudi soir, et je suis sûre qu'on l'aura un jour. Est-ce que, Nicolas, tu avais peut-être un dernier mot, un dernier message, peut-être en lien avec les élections qui arrivent, si pour toi le vote, c'est un outil important pour se mobiliser sur les questions agricoles ? Bah, oui, de toute façon, il me semble que l'enjeu de l'alimentation, il passe aussi à travers l'enjeu des politiques publiques. On pense ce qu'on veut des politiques qui sont au pouvoir ou qui devraient arriver au pouvoir, mais en tout cas... l'agriculture est orientée par des politiques publiques, la politique du foncier, donc de l'accès à la terre. On a parlé de la politique agricole commune tout à l'heure, donc voilà, on sait bien que les décisions sont pas les mêmes en fonction des différents programmes. Et nous, l'enjeu, en tout cas l'enjeu qui doit être central, c'est d'avoir des paysans plus nombreux et mieux rémunérés pour mieux arriver à faire cette transition agroécologique et cette souveraineté alimentaire. Donc, nous, le message, très clairement, c'est que demain, j'allais dire, peu importe qui sera au pouvoir, nous, on voit bien à peu près qui milite dans cette direction-là et qui a un programme qui va dans cette direction-là. Mais l'enjeu... Tu peux être un peu plus concret, peut-être des partis qui reprennent sans faire d'appel à voter, mais pour être plus concret quand même. Je veux dire très, très clairement, les partis qui sont sur l'échiquier à gauche ou identifiés à gauche, écolo et à gauche, ont des programmes, ont une partie dans leur programme agricole qui reprend certaines mesures, notamment la sécurité sociale de l'alimentation, notamment un foncier plus partagé, notamment une PAC plus équitable. À l'inverse, très clairement, le programme d'Emmanuel Macron qu'il a mis en place de toute façon depuis 5 ans et qui continuera à mettre en place, c'est un libéralisme économique absolument destructeur pour les paysans, quoi. Donc voilà. Et il y a, l'Acadieux qui nous dit « La carte électorale est un outil politique, mais la carte bleue aussi, pas besoin d'attendre 5 ans pour s'en servir. » Et elle drop le mic, ou il drop le mic. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler. C'était hyper intéressant. On va continuer cette soirée. On a encore quelques thématiques à aborder. Mais avant de rentrer dans la prochaine thématique, qui sera celle des emplois verts avec Lou Plaza de l'asso Vent du Changement et Laurent Grand-Guillaume du Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, on va faire une petite interlude, cette fois pas humoristique, mais musicale. C'est une chanteuse de talent qui va venir nous performer en fait une de ses chansons. Je vous mets juste le petit écran de pause quelques minutes le temps qu'elle s'installe et on se retrouve pour la performance. Thank you.
Mais qu'il gronde cet orage. Vois comme il gronde cet orage. Mais qu'il gronde cet orage, celui qui nous rassemble, pour qu'à notre réveil, on voit comment on se ressemble. Ouais, j'ai peur donc je lutte, face au vent des lobbies, face à tout ce déni, cette hypocrisie me bute. Un tonnerre dans ma tête, une tempête de pensées, embrouillée de peut-être, suis-je prête à lutter? Je veux donner tout mon être, pour le monde d'après, pas question de laisser ce naufrage ravagé en moi, cette rage en milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Vois en nous cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Ne plus baisser les yeux, attendre et condamner. Je veux tenir tête à ceux qui pourraient tout changer. Dans nos failles, dans nos peurs, dans nos joies, nos bonheurs. C'est ce doute qu'on combat, toi et moi, toi et moi. Y a notre maison qui brûle. Est-il encore temps pour chérir mon futur? Je dois élire mon présent. C'est de plus en plus dur. Les conséquences m'effraient. Mais y a une chose dont je suis sûre qui me fait espérer. Quand je vois en nous ce courage au milieu de l'orage, tous ces visages, je sais qu'on ira jusqu'au bout. Qu'ils voient bien cette rage au milieu de l'orage, mon ami, je sais, jusqu'au bout, c'est tout. Cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout, c'est tout. Merci. Trop bien. Bonsoir, merci. Je suis toute tremblante et j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai stressé parce que c'est la première fois que je suis aussi proche d'être alignée avec ce que je suis. Et voilà, c'était juste un rêve. Enfin, c'est juste un rêve pour moi de pouvoir lier vraiment l'art à l'activisme, au militantisme. Et du coup, de faire de l'artivisme. Et là, j'ai l'impression d'y toucher un petit peu, donc je suis refaite. C'est notre premier live ensemble. Oui. Oui. Est-ce que du coup, tu veux dire un peu ce que tu fais dans la vie? Du moins, le fait que tu chantes, déjà. Oui. Oui. J'essaye d'écrire. Alors, cette chanson, Orage, merci parce que j'ai pas du tout été toute seule à l'écrire. On a été genre 12 mains dessus. Et c'est ça qui est bon. Et c'est une chanson qu'on va chanter à la Marche Climat le 9 avril. Soyez là. Petite dédicace encore à la Marche Climat. Voilà. Et dédicace à mes parents qui ne me voient jamais en concert, mais là, qui peuvent être là. Et à ma sœur, merci. Pardon, désolée, je t'ai obligée, merci. Coucou. Ouais, donc Orage, c'est Mab, qui sont aussi des artistes engagés, qui chantent aussi à la Marche, qui ont chanté à la dernière Marche et qui vont chanter à la prochaine, qui m'ont aidé à faire la prod, tout ça. Et rien, voilà, moi, j'essaie d'écrire des chansons qui parlent un petit peu de tout ce qui me touche. Et d'ailleurs, tu vas peut-être revenir sur le plateau quand même. En fait, on veut. Si vous voulez venir nous soutenir, ce serait trop bien. Je peux enlever ça? Ouais, tu peux. Allez. Après, t'as une belle voix, donc peut-être que tu veux écouter ta voix. Non, ça va. En gros, à quand le clip, Léa Aldi? On y a pensé. Ah bah oui, et c'est toi qui vas faire le clip en fait. Quoi? Je vais faire comme elle ouvre ma perruque. Mais si, tu m'as dit, tu montrais sur la tête de. Mais ouais. C'était en mode je me défilais. Mais oui. C'était à moi de le faire parce qu'on va faire du coup pas mal de. De contenu. On voulait faire du contenu ensemble et faire pas mal du coup de reels au moins ou des clips avec Hélène. Voilà, je pense que c'est le début d'une grande histoire d'engagement par le biais de la chanson. Oui. Et donc du coup, ouais, donc
toi, tu fais ça depuis combien de temps? Tu veux parler un peu de toi? Je sais pas si parler de moi, mais peut-être plus de la chanson et de ton engagement. Pourquoi je l'ai écrite, oui. Tout ça. Oui. Donc oui, c'est pour la marche, mais ça partait en fait de ribellarsi en italien, du latin, ça veut dire se rebeller et donc revenir à la beauté. Et en fait, là-dedans, il y a le côté l'anarchie, mais positive, l'anarchie qui rassemble. Et de faire vibrer et gronder un peu cet orage intérieur chez chacun d'entre nous qui nous permet voilà, de se rallier face à ces défis inédits auxquels on est confrontés de plus en plus. Défis climatiques et sociaux. Et ça y est, il est en train de nous faire bader. Non, mais pas du tout. En plus, il y a Juliette de Green News qui est présente. Je... Oui, c'est vrai. Donc, je ne peux pas bader. Ne spoil pas, ça va arriver après pour la pause. Non, pardon. Et non, big up à la base. Mais je crois que Gab en a parlé en début de session. Parce que c'est là-bas, moi, j'ai commencé à faire un peu mon artivisme. Et c'est un lieu qui est merveilleux et qui permet de s'engager quand on est jeune artiste ou qu'on a envie de faire quelque chose à notre façon et d'y trouver là où on peut agir. Et on peut tous agir quelque part, pardon. Et la base, elle permet ça. Des lieux de QG de mobilisation citoyenne permettent ça. La base est un peu dans notre cœur, hein, à chaque fois on en parle. Tout à fait. Ben oui, moi, carrément. Et donc, du coup, ouais, tu peux peut-être dire ce que je disais tout à l'heure, en mode, attention, bah, tout est mimique. Donc, ne fais pas de tête de gêner quand je parle là. Non, mais en mode, le fait que tu voulais venir aussi faire une chanson de A à Z, comme on avait fait au tout début. Ouais, ce qui me plairait, ça serait qu'ensemble, on voit avec vous de créer des chansons en live, de les écrire ensemble. C'est un beau défi, mais et de faire voilà, des chansons pour des assos, pour... parce que j'ai l'impression qu'avec la musique, on peut faire passer d'autres choses que juste des idées, aussi des émotions, enfin voilà, je sais pas comment dire, mais j'y crois très fort. Enfin, et de la sensibilisation. C'est une façon d'agir, ouais. Donc peut-être qu'on va réussir à faire des trucs chouettes, bah dites-nous si vous avez envie de composer avec nous des sons. Il y a Axel qui a envoyé ta page Instagram, je crois, elle est trop mignon, ouais, vous pouvez la suivre sur Instagram et tout. Et j'en ai parlé à monsieur Le Gros Bipole, qui est du coup le monsieur qui a... Attends, je vais mettre cette cam là, du coup, quand je parle. Qui a fait du coup ce projet. Et il est à peu près d'accord, faut qu'on en parle et tout, mais ça serait trop bien. Okay. Qu'on vienne, je sais pas, comme ça, à chaud, une après-midi. Bon, tu fais quoi, Hélène? Bah vas-y, ça arrive jamais, on n'a jamais le temps, mais en mode, tu fais quoi? Bah, viens, on va faire une chanson et on la fait directement avec ton petit piano. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce que t'as. Avec une Looper C505. Okay. 505, 88 000. Voilà. C'est ça, une bosse. Et ok, bah, trop bien. Merci pour l'invitation. Bah, et ton premier live, alors, ça a fin. Bah, je suis trop contente d'avoir pu partager. C'était un défi. On l'a enregistré hier, cette chanson. Et j'ai répété 40 fois là pour pas avoir à lire le texte. Voilà, la connaître par cœur. Il y a Léa qui demande est-ce que du coup, tu remarques qu'il y a de plus en plus de chanteurs qui sensibilisent par le biais de la musique? Alors, je sais pas, moi, s'il y a de plus en plus de chanteurs, mais je sais que quand on se focalise sur une sensibilisation et sur un art, en général, bah, j'ai l'impression que tu rencontres encore d'autres acteurs ou d'autres personnalités qui sont aussi sensibles à ça. Je sais pas toi, mais moi, de plus en plus. Mais toi, en tant que chanteuse? Autour de moi, pas vraiment. Après, je commence aussi dans la musique. Moi, avant, j'ai une formation comédienne, enfin, même youtubeuse, tout ça, donc rien à voir. Donc je vais peut-être découvrir beaucoup, j'aimerais découvrir plein d'artistes engagés, et de plus en plus. Après, j'ai l'impression que plus on fait, plus on s'auto-inspire les uns les autres, plus on réveille cet orage intérieur joli. Ouais, plus on s'inspire, on se donne envie de faire à notre façon, avec notre singularité. Et par contre, c'est clair que les artistes, ils ont une grosse responsabilité, en tout cas quand ils commencent à être un peu connus, mais, et pas que, parce que quand on prend le temps de venir écouter quelqu'un... ou qu'on décide de l'écouter, c'est quand même un acte qui est profond et qui est fort, en fait. Enfin, donc les mots peuvent toucher, les mélodies peuvent toucher, donc autant qu'elles soient, je sais pas, qu'elles soient utiles, actives. Ouais. Wow. Y a Gaël Alternativa qui dit on peut te retrouver où sinon? Mais du coup, Axel a mis le... Instagram. L'Instagram, du coup, d'Hélène, juste au-dessus. Tu peux aller voir. Et sinon,
T'as une page YouTube ou... Non, mais il y a plein de musiques qui vont sortir. Et je pense que si vous me suivez sur Instagram, c'est déjà trop chouette. Et je vais pouvoir petit à petit. Puis le but, c'est de faire aussi des rencontres avec plein de gens engagés et qui m'inspirent au quotidien, comme toi et comme tous ceux qui étaient invités à cette table. Et de proposer des rencontres un peu de vie à vie, de révolution humaine à révolution humaine. Et d'essayer de créer quelque chose ensemble, une chanson à chaque fois, pourquoi pas, en tout cas un bout de capsule de chanson. Et ça, je le ferai sur mon Insta, Hélène Martinelli, pour le moment. Voilà. Trop bien. T'as un dernier mot à dire ? Bah merci. Et puis on continue, on avance, on ira jusqu'au bout. De l'orage. Non, des combats, mais dans la joie. Et bah merci. Et on va enchaîner du coup avec la suite. Trop bien. Merci. On vous fait un petit waiting string de une minute, même pas. C'est le temps que les invités rentrent et puis que ça ne soit pas le dawa. Ciao la team, à tout de suite. C'est reparti, j'espère que vous avez apprécié cette interlude musicale. Bravo à Hélène, c'était magnifique, franchement. On a kiffé depuis le salon de People. Et je suis avec des nouveaux invités que je vous mets tout de suite, hop, sur le plan. Je vous présente donc Lou Plaza et Laurent Grand-Guillaume. Je fais une très rapide introduction. En fait, là, le nouveau chapitre, c'est les emplois verts. Lou Plaza, elle fait partie de l'association Le Vent du Changement, qui est un mouvement citoyen formé dans la continuité du média Le Vent se lève, qui se définit comme une première pierre pour former une nouvelle génération et reconstruire l'horizon de notre pays. C'est beau. Et ils organisent des conférences, des formations, des campagnes sur différents sujets, comme celle de la garantie à l'emploi vert. Et c'est ça qu'elle va nous expliquer. Et Laurent, Laurent Grand-Guillaume, toi, tu es le porte-parole, en fait, de l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Ça, c'est Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. C'est une expérimentation, en fait, qui a été lancée en France depuis 2017 sur 10 territoires. Aujourd'hui, ça a été étendu à 50 territoires. Tu vas préciser cette expérimentation. Et ils viennent tous les deux, en fait, nous parler de comment lutter contre le chômage de masse, le chômage longue durée. On peut le faire grâce à la transition écologique. C'est magnifique et vous allez développer cette idée avec nous en nous présentant d'abord la mesure pour vous qui changerait tout. Lou, je te laisse commencer juste après le petit jingle. Tu peux y aller. Ok. Tu peux regarder cette caméra si tu veux. Alors, pour commencer, déjà, je pense qu'il faudrait virer Macron. C'est la première mesure qui changerait tout. Okay. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour moi, la mesure, c'est de mettre en place une garantie à l'emploi vert, tout simplement. Parce que déjà, on sort des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, en fait, donc du chômage de longue durée. Et puis, en plus de ça, en fait, on attaque la reconstruction écologique par tous les bouts, que ce soit dans le secteur de l'alimentation, le recyclage, le logement. Enfin, on va avoir l'occasion d'en parler, mais voilà, on commence par ça. Et Laurent, est-ce que toi, tu portes la même mesure ou pas exactement ?
avec quelques sensibilités différentes, mais en tout cas, dans la Constitution, il y a le droit à l'emploi. Dans la Constitution française. Voilà. Dans le préambule. Et moi, je dirais qu'il faut juste l'exercer, c'est-à-dire le mettre en place, parce que le coût du chômage longue durée en France, c'est 43 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Donc si on en prenait même 10%, on pourrait financer de nombreux emplois. Bien parler dans le micro. Dans les territoires, et en particulier pour développer des activités dans la transition écologique et pour l'environnement. Alors, est-ce que vous pouvez me définir ce que ce serait en fait cette garantie à l'emploi vert ? Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être, Lou ? Oui. Du coup, déjà concrètement, garantir un emploi, c'est on rémunère des personnes qui sont donc privées d'emploi durablement au SMIC minimum déjà, donc pas le RSA de Macron conditionné à une activité. Ce qui est important aussi, c'est que donc on les rémunère pour une activité, ces personnes au SMIC, et on le fait en concertation avec elles. C'est pas juste on impose une activité, c'est on construit un parcours donc professionnel avec ces personnes. Ça passe aussi, la garantie à l'emploi, comme le disait Laurent, par le fait de rendre effectif ce droit qui aujourd'hui est inscrit dans notre Constitution. Et le deuxième point aussi sur la garantie à l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire dans cette question, parce qu'on parlait aussi chômage de masse, etc. C'est aussi, en fait, renverser le regard qu'on a sur le chômage et l'emploi aujourd'hui. Parce que du coup, on parle de chômage de masse, comme si c'était une fatalité. Oui, de toute façon, voilà, on a 2 millions de personnes privées d'emploi, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Sauf qu'en fait, c'est le marché qui est responsable de ça. Ce désordre-là a été provoqué par le marché. Donc aujourd'hui, c'est à l'État, et pas que l'État, les pouvoirs publics, garants de l'intérêt général, les citoyens aussi, de reprendre cette question à bras-le-corps, et c'est un choix politique, tout simplement, la garantie à l'emploi. Pour donner un petit chiffre, en fait, ça fait à peu près depuis 40 ans que la France a un chômage qui aussi entre 8 et 10%. J'imagine qu'il y a plein de définitions différentes du chômage et à comprendre. Par exemple, dans ce chiffre-là, on met quel type de chômage et comment on le définit, ce chômage. Et est-ce que tu peux aussi définir le chômage longue durée, Laurent ? Alors, le chômage longue durée, c'est assez simple. C'est je suis au chômage depuis plus d'un an. OK. Donc voilà, donc ça c'est assez simple. Après, c'est un peu plus compliqué dès qu'on rentre dans les statistiques, parce qu'il y a plein de catégories donc statistiques du chômage. Ouais. Et souvent, celle qui est communiquée, c'est la première, qu'on dit de catégorie A, et qui prend en compte les personnes qui sont en recherche active d'emploi. Et après, il y a plein d'autres catégories qui ne sont jamais vraiment mises en lumière. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ignorées, pas invisibles, ignorées des institutions, et qui ne rentrent dans aucune case. Pour autant, elles n'ont pas d'emploi. Donc, c'est bien le problème. Et moi, j'en ai marre d'entendre des personnes dire « de toute façon, c'est de leur faute, ils ne se bougent pas assez ». C'est facile d'aller dans le sens des préjugés. Rien de plus simple que d'aller dans le sens des préjugés. Mm-hmm. Par contre, aller contre la force des préjugés, c'est un peu plus courageux. Et donc, combattre la force des préjugés, c'est de dire « oui, il y a des personnes qui sont privées d'emploi, ce n'est pas leur choix, elles veulent travailler, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément de travail à proximité ». Il y a des fringues, c'est compliqué. Ma question, c'est en fait, pourquoi, c'est quoi pour vous qui connaissez bien cette question-là, la cause du chômage aujourd'hui ? C'est pas le manque de volonté, le manque de compétences, c'est plutôt des opportunités en fait, qui ne se rencontrent pas, c'est ça ? Après, vous avez des personnes d'abord qui, par exemple, sont en situation de handicap. L'employeur, est-ce qu'on se pose la question de savoir si l'employeur va embaucher facilement cette personne ? On ne parle pas d'employeurabilité, on parle d'employabilité. Mais on ne parle pas de la compétence de l'employeur à employer. Ça, on n'en parle jamais. Mm-hmm. Pour autant, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, qui n'arrivent pas à avoir un emploi et qui veulent travailler. Il y a des personnes qui sont seules avec des enfants, qui n'ont pas de solution de garde d'enfants. Et ça coûte cher, parce qu'il n'y a pas toujours une structure à côté publique, par exemple, pour garder les enfants. Des problèmes de transport. On ne parle pas des problèmes de transport, mais franchement, c'est la galère dans certains territoires. Pour aller pour se rendre au travail. Pour se rendre au travail, pour aller à une heure parfois de route... même pas du coup en ce moment de l'énergie, mais justement il faut créer des mobilités alternatives qui permettent de pouvoir se rendre au travail ou de rapprocher aussi les lieux de production des lieux de vie finalement. Mmh. Et donc ça veut dire réfléchir simplement, se poser des questions plutôt que de stigmatiser les personnes en disant c'est de sa faute. Enfin, ça c'est très facile, je veux dire, c'est de la politique politicienne. Ouais.
Et ça ne fait pas jamais avancer les choses concrètement. Puis c'est mettre aussi tous les gens, tous les acteurs en fait, des territoires autour de la table. Quand on se pose les bonnes questions, justement, de la mobilité, etc., voilà, c'est pas juste, bon, bah, un emploi, pourquoi on ne trouve pas ? Bah non, en fait, on se pose la question, ok, bah, on remarque qu'on a tel bassin où on a tant de personnes exclues de l'emploi, bah oui, parce que la mobilité, là, il n'y a pas de service public de transport, parce que l'essence, ça coûte cher. Donc c'est aussi remettre tous les acteurs autour de la table. Et c'est ce qu'on propose notamment avec la garantie d'emploi, droit à l'emploi. Mais c'est que vraiment en fait les pouvoirs publics et pas que, enfin il y a aussi toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire et puis les citoyens tout simplement se mettent autour de la table et se disent ok, c'est quels sont nos besoins et il faut qu'on les définisse collectivement ces besoins là et que du coup cette lutte contre le chômage participe en même temps à la transition écologique notamment avec la création d'emplois verts dont tu parlais. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un emploi vert, c'est quel type de métier, c'est quoi? Ouais. Concrètement, alors un emploi vert, il y a deux dimensions. La première, c'est les emplois qui tout simplement vont participer à la décarbonation de l'économie, par exemple les emplois dans la rénovation des bâtiments pour l'isolation thermique, ça va être aussi les emplois qui vont contribuer à une agriculture moins polluante, paysanne, le maraîchage, la permaculture, etc. Ça va être aussi toute la filière très importante dans la reconstruction écologique de l'après-première vie. Donc en fait, c'est éviter la surconsommation de ça fonctionne plus, je le jette. C'est voilà comment on va trouver des moyens pour réparer des objets du quotidien. Donc ça, c'est la première partie, on va dire un peu plus sur décarbonation. Et les emplois verts, c'est une dimension des fois qu'on a un peu tendance à oublier quand on dit écologie, c'est toute la partie protection de l'environnement et de la biodiversité. Parce que quand on... La question de la carbonation et le réchauffement climatique, c'est pas toujours totalement lié des fois à la question de la destruction de la biodiversité. Ouais. Donc ça va être aussi tous les emplois verts qui vont contribuer à protéger l'environnement. Et une dimension importante de ces emplois verts, c'est qu'ils doivent se maintenir dans le temps. Donc c'est aussi tous les emplois qui vont permettre de maintenir cette protection de l'environnement et la décarbonation de manière pérenne. Donc ça va être aussi, par exemple, les emplois de garde forestier. Donc on a Macron qui a fait baisser le budget de l'ONF. C'est ultra important. L'ONF, l'ONF, c'est l'Office National des forêts, oui. C'est une agence publique qui s'occupe à la fois de protéger les forêts et de la commercialisation du bois. C'est ça. Donc voilà, ça va être ces métiers-là et je pense que Laurent aura peut-être aussi plein d'autres exemples d'emplois verts. Et aussi Laurent, si tu peux répondre à ça et nous expliquer ton association et qu'est-ce que c'est que l'expérience territoire chômage. TZCLD. On dit TZCLD, ok, on va le dire comme ça. C'est le on dirait un peu un nom de rappeur. .fr, c'est mieux. TZCLD.fr, vous pouvez aller voir pour mieux comprendre plus en complexité ces sujets. Est-ce que tu peux résumer un petit peu ce que c'est, où ça en est? Je vais être très simple. Vas-y. On prend un territoire de 5 à 10 000 habitants. Dans ce territoire, on va créer un comité local où tous les acteurs se réunissent, associations, personnes privées d'emploi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire leur place. De définir avec elle qu'est-ce qu'on va créer dans le territoire. On définit ensemble qu'est-ce qu'on va créer comme activité qui n'existe pas. Donc on entre en concurrence avec personne. Donc on va gêner personne, hein, déjà. On n'embête personne. Donc on crée des activités nouvelles dans le territoire et on va financer une part de l'emploi par le coût du chômage. C'est-à-dire le fait que la personne sort du chômage, ça fait des économies à l'État et aux collectivités territoriales. Et on prend cette économie et on finance une part de l'emploi tout simplement. Et après, il y a le chiffre d'affaires qui est dégagé par la vente des activités, et tout ça, ça équilibre le système. Donc, je vous donne un exemple. Prémerie dans la Nièvre, territoire qui a été désindustrialisé au début des années 2000, puisqu'il y a une industrie qui a fermé ses portes. Donc là, le territoire était en grande difficulté. On a créé une entreprise dans ce territoire. On a créé plus d'une centaine d'emplois sur des activités recyclerie, ressourcerie, atelier de réparation, permaculture, maraîchage, voilà, et conciergerie de territoire pour les personnes qui sont isolées, qui ont besoin d'aide, voilà, tout simplement. Et si je peux juste me permettre, vas-y. Parce que c'est important aussi. Donc, on parlait garantie à l'emploi vert, on parle de l'expérimentation territoire zéro chômeur. Mais que vous reprenez aussi, donc... Voilà, en partie, nous, dans la mesure qu'on porte sur la garantie à l'emploi, on parle aussi de comment est-ce qu'on va financer des emplois donc, dans les structures d'insertion par l'activité économique, des contrats aidés, bon, il y a toutes ces choses un peu techniques. Mais le point que je voulais souligner, c'est que les emplois verts, ça ne peut pas seulement
se limiter donc avec ces expérimentations très territoriales qui ont toutes leur plus-value justement dans le fait d'être très localisées sur des besoins localisés, mais on a aussi besoin que l'État investisse massivement dans des emplois qui sont beaucoup plus macro. Typiquement, la rénovation des bâtiments, on peut pas juste attendre de monter un projet de territoire, etc. Il faut que l'État investisse massivement là-dedans. Et tu fais une excellente transition parce qu'on va les recevoir. Okay. On va parler du sujet de la rénovation thermique juste après, donc restez. Oui. Mais vas-y, je te laisse continuer. Juste pour donner un chiffre, on a le Shift Project a fait un travail extraordinaire là-dessus de mesures, quantification en fait des emplois dont on va avoir besoin secteur par secteur, donc aussi des emplois qui vont être détruits dans certaines filières, par exemple automobile. Mais ce qu'il faut retenir de ce travail-là de Shift Project, c'est que à la fin, si on prend l'ensemble des emplois qui vont être créés, transformés, etc., en fait, on arrive à plus 300 000 emplois en 2050 par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc voilà, pour rejoindre la question emploi-climat, en fait, c'est que du bénéfice quoi, pour tout le monde. Voilà. Donc allez voir leurs travaux, en tout cas, secteur par secteur, si ça vous intéresse. Ils ont vraiment fait un super boulot là-dessus. Ouais. Ça s'appelle comment? C'est le grand plan de transformation? Alors, c'est le plan de, plan de transformation de l'économie française, le PTEF. Le PTEF, voilà. C'est ça, exactement. Et sur cette idée qu'en fait, ça rapportera plus à la société, à l'intérêt général, c'est pareil pour ce que tu expliquais sur l'expérimentation, c'est qu'en fait, l'État est gagnant à garantir un emploi à quelqu'un, à lui fournir l'emploi, il va perdre moins d'argent qu'à payer des allocations. Oui, il y a la question de l'argent, mais tout n'est pas argent. C'est-à-dire oui, et aussi en gain pour la société. Pour la personne déjà, qui retrouve un travail, une reconnaissance dans le territoire. Est-ce que tu peux parler de ça, des coûts du chômage au niveau individuel? Il y a des coûts indirects, c'est-à-dire par exemple la santé. Plus je suis au chômage longtemps, plus ma santé va se dégrader. Donc le fait que la personne retrouve un travail, d'abord elle va améliorer sa condition de santé, parce que c'est un travail de qualité, c'est pas n'importe quel job. Ouais. Et puis après, il y a aussi la reconnaissance dans le territoire, elle va se réinvestir dans le bénévolat, on le voit concrètement dans les territoires. Et puis même le territoire change. Parce qu'on crée des activités utiles qui préservent la nature, qui créent du lien entre les personnes, du lien social. Pendant la crise sanitaire, par exemple, qui n'est pas encore finie, hélas, on a été vraiment en lien avec toutes les personnes isolées dans les territoires où on est présent. On a été, en quelque sorte, les bras solidaires des communes. Voilà, donc nous, on est allé au-devant et on a pu maintenir des liens avec les personnes, même parfois par téléphone, tout simplement, quand on ne pouvait pas plus sortir de chez nous. Voilà, il y avait toute cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Peut-être il nous reste pas énormément de temps comme on a beaucoup de choses ce soir, mais c'est hyper hyper intéressant tout ce que vous racontez. Peut-être pour essayer d'aller pour un devoir journalistique d'objectivité, c'est quoi les critiques, les freins un peu? Peut-être vous avez observé des limites quand même à votre expérimentation. On a quelqu'un qui nous critique beaucoup, c'est Monsieur Cahuc. En même temps, Pierre Cahuc. Qui est ce monsieur? Alors, c'est un économiste ultra-libéral qui nous aime pas trop parce que pour lui on coûte trop cher. Voilà, lui nous critique. Par contre, il ne s'interroge jamais sur combien ça coûte, je sais pas, un crédit d'impôt pour une entreprise. Ça, c'est pas... voilà. C'est quoi un crédit d'impôt pour une entreprise? C'est-à-dire une aide pour une entreprise, en quelque sorte, qui va financer un emploi. Alors, il l'a fait il avait critiqué le CICE. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, crédit d'impôt compétitivité entreprise, qui avait été mis en place avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il se focalise sur ce type d'expérience, voilà, en disant ça coûte trop cher, donc il faut arrêter. Donc finalement, il faut arrêter de soutenir des solutions collectives. Et il ne faudrait soutenir que l'individu. Il parle bien de l'individu, donc l'individualisme. Ouais. Et donc voilà, bah voilà quelqu'un qui nous critique en disant qu'on coûte trop cher. Bon. Et il y a peut-être, par exemple, le fait que les entreprises, donc si j'ai bien compris, l'État va créer des entreprises en fait pour embaucher des gens. Il y a un des problèmes qui se pose, c'est que ces entreprises ne vont pas forcément être très rentables. Bah, d'abord, nous, on dépollue, on démarchandise. Et on démocratise. Donc forcément, on n'est pas rentable aux yeux de ceux qui ont un mode de pensée fermé et qui pensent la rentabilité que dans un sens. On ne sera jamais rentable pour eux. Donc oublions cela. Ouais. Par contre, le fait qu'on mobilise un coût public pour financer des emplois, on l'assume. Oui, il y a un coût. Hein, on l'assume, c'est un coût pour la société. Je m'excuse, mais quand une personne est au chômage, comme on a vu depuis 8 ans, qu'elle signe parfois son premier contrat à durée indéterminée à 50 ans, pour la première fois de sa vie. Parce qu'avant, elle a fait que des petits CDD, des jobs qui étaient précaires. Je me dis, ça en vaut la peine. Voilà. Et elle retrouve espoir, sa famille aussi. Donc, je pense que l'État, avec toute la gabegie qui peut exister dans d'autres domaines, peut consacrer
une toute petite goutte d'eau dans les 43 milliards d'euros dont je parlais, qui est le coût du chômage en France. Le coût du chômage par an, oui. Juste pour ajouter quelque chose aussi, de manière un peu cynique, voilà, on est toujours en train de dire « Ah, mais ça coûte, ça coûte ». Oui, mais faisons le calcul de ce que ça coûterait si on ne faisait rien. Et là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être surpris. Et typiquement sur le réchauffement climatique, voilà, on sait très bien les coûts énormes que ça engendrerait si on continue business as usual, avec toutes les destructions des villes sur les littoraux, le nombre de personnes que l'on va devoir accueillir parce que réfugiés climatiques. Aussi, maintenant, on le sait, hein, le coût de la pollution de l'air pour la sécurité sociale qui est absolument énorme. Donc, il faudrait aussi que ces personnes-là, voilà, qui sont un peu oui, rationnel, l'économie, etc., calcule ce que ça coûterait si on ne faisait rien. Et c'est la même question, et puis bon, là, c'est de point de vue un peu cynique, mais oui, sans parler juste de, à un moment donné, un peu de morale aussi, d'éthique, voilà. De changer un peu les référentiels, quoi, quand on observe les politiques. Et peut-être pour terminer sur les élections qui arrivent, est-ce que la mesure que vous portez, elle est inscrite dans le programme de certains partis? Et est-ce que vous voulez, vous, faire un appel à aller voter? Est-ce que c'est un moment important pour vous, une forme d'engagement qui permet de faire avancer cette question-là, ce que vous défendez aujourd'hui? D'abord, c'est important de voter, hein, de choisir. Hein, oui. C'est de la démocratie. Après, dans les différents programmes, certains candidats parlent de garantie d'emploi, parfois de droit à l'emploi. Certains en parlent plus ou moins, ou certaines en fonction sur la question de l'écologie. Donc après, chacun, je pense, doit prendre connaissance des programmes, s'informer, c'est important, et faire son choix en femme et homme libre. Dans un pays, on est libre, on a de la chance, justement. Donc assumons ce rôle qui est le nôtre de citoyen et allons voter et faisons le bon choix pour l'écologie et pour l'emploi. Oui. Je répondrai à peu près la même chose sans lancer un appel à aller voter telle ou telle personne. Mais en tout cas, pour reconnaître le travail énorme fait par les équipes, je pense que l'Union Populaire et Mélenchon ont fait un travail très poussé de réflexion sur l'emploi, sur le climat, avec les différents plans, les différents livrets thématiques. Ils reprennent cette proposition de la garantie à l'emploi vert ? Alors oui, ils reprennent la garantie à l'emploi dans les métiers de la reconstruction écologique et là où il y a de l'urgence. Donc ils la reprennent comme ça. Après, c'est pas de mes souvenirs. Hein. Il me semble pas que ce soit ultra détaillé sur exactement, etc. Et voilà, on a peut-être quelques différences même là-dessus avec Laurent sur quels acteurs, le rôle de l'État. Et il en faut. Et voilà. C'est le débat. Mais en tout cas, c'est pas aussi détaillé. Donc du point de vue de l'idée, en tout cas, on est raccord avec ce qu'il propose. Ouais. Ok. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Donc je rappelle, Lou, c'est le vent du changement et le vent se lève pour se renseigner. Enfin, j'imagine que c'est très lié. Oui, tout à fait. et Laurent, Territoire Zéro, chaud. Je n'y arriverai pas. C'est pas ce soir que j'y arrive. Je vais m'entraîner. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir. On va enchaîner avec la dernière thématique qui est la rénovation thermique. Mais entre-temps, on avait envie de vous montrer quelque chose, une petite vidéo qui a été tournée pendant la dernière marche climat, et vous voyez que je galère en même temps que je vous parle, et elle est là, et je vous la mets en petite pause, tac tac, et c'est l'iPad. Alors bonjour à tous, nous sommes en immersion dans la marche des Khmer Verts. Nous sommes ici en tant que journaliste d'investigation pour Green News. Donc c'est un climat assez hostile, nous sommes ici pour vous rendre la réalité des faits et gestes de ce qui se passe dans les marches climat. Pourquoi vous marchez aujourd'hui ? Le climat, le fait que ça, on n'en parle pas dans les médias, il y a 3% dans les médias. Je voulais savoir, 2,7 débats dans les médias, excusez-moi, mais on entend quand même pas mal parler de l'écologie. Sur les grands médias, on n'en entend jamais parler, je suis désolée. Hein. Et en 2020, on en parlait à hauteur de 1%, là c'est quand même à 3% pratiquement, on est sur une croissance exponentielle. Mais vous voudriez qu'on en parle tout le temps, quoi, même à la pub, etc. Vous voulez pas qu'on monte non plus à 10%? Mais même 20, même 30, même 40, même 60%, je suis désolée madame, c'est une urgence là. Plus de divertissement, quoi. On va devenir austère, hein. On va tous être très très tristes, ça va être super. Ça vous dérange pas trop, vous, tout ce monde-là qui vient envahir votre rue, notre rue, nos rues? Pas du tout, non, au contraire. Plus il y en a, mieux ça vaut, mais bon. Ah, mais bon. Il n'y a pas de débordement, il n'y a jamais de... C'est ça vos questions, c'est ridicule. Mais... C'est joli ce dégradé, là, ce bleu, hein. Waouh, c'est très très beau, c'est limite, c'est artistique en fait ce que vous avez fait là. Et c'est un petit jeu de mots, ça rime un peu, notre futur est sans hydrocarbures, c'est rigolo ça.
Oui, enfin, c'est assez clair comme message, hein, je veux dire, au-delà de la rime, enfin, je veux dire... En tout cas, c'est joli, vous avez assorti votre veste, là. Oui, c'était pas forcément prévu, mes yeux, voilà. La manifestation se fait de plus en plus virulente. Nous pouvons commencer à percevoir des Black Blocs qui rejoignent les rangs de cette manifestation. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu marcher aujourd'hui? Sauver la planète. Oui, à cet âge-là, on a des grands rêves. En haut, ça doit être l'élite. On va essayer de les approcher pour avoir leur vision de la chose. Excusez-nous! Est-ce qu'on peut rentrer? Ça a l'air très sécurisé. Hein. Ils sont assez inaccessibles, hein, on peut le voir. 2022 en marche vers la catastrophe. C'est marrant, ça fait penser du coup à Macron. Macron a beaucoup fait pour le climat, c'est pas un peu catastrophiste justement cette pancarte? Non, mais moi je pense qu'il a pas fait suffisamment. Il a même voire pas fait grand chose en fait. Oh. Il a monté la Convention citoyenne pour le climat qui était quand même un acte démocratique hors pair. La Convention citoyenne pour le climat, il ne l'a pas écoutée. Il a enlevé les touillettes et les bailles en plastique des restaurants. C'est quand même déjà une grande avancée. Ouais, c'est une blague ou... Les pailles et les touillettes, c'est pour amuser la galerie. C'est pas ça qui va sauver la planète. C'est pas ça qui va réduire l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Donc il faut passer aux choses sérieuses. Oh là là, c'est... Oui, en effet, c'est très sérieux. Vous parlez beaucoup de réduire. C'est moins et mieux. C'est-à-dire c'est réduire pour du mieux. C'est réduire pour plus s'amuser. C'est réduire pour un monde où il y aura moins d'inégalités. C'est pas un monde... austère ou ennuyeux qu'on propose, au contraire. Enfin bon, vous voulez plein de choses, mais au bout d'un moment, il faut les faire bouger. Macron peut pas tout faire pour nous, hein. Tout ça, justement, c'est pour montrer qu'on veut que ça change, et c'est pour ça qu'en gros, on est là pour montrer que les gens veulent que ça change, et donc pousser les politiques à prendre des mesures dans ce sens. Macron, si vous nous entendez, le peuple n'est pas content. Quelques groupes de saltimbanques sont venus semer le trouble, tentant de réduire à néant le débat et la discussion avec nos équipes de journalistes. Alors, je sais pas c'est quoi ce slogan, je vais essayer de l'apprendre. Alors, c'est quoi que vous chantiez là? Un degré, c'est un crime contre l'humanité. Je peux l'essayer avec vous? Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, la planète s'est déjà réchauffée d'un degré, que ça va s'accélérer si on dépasse les deux degrés. Pardon, mais ça du coup, c'est vraiment pas... On peut rester positif tout de même, et sans rentrer dans un truc extrémiste à ce point-là, parce que là, on vit plus, quoi. Mais si on veut continuer de vivre comme ça, va falloir changer des petites choses. Je vois aussi Shepherd. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du combat contre la nature. Je comprends pas trop, il y a une tête de mort, c'est pas très positif, tout ça. Non, c'est une association qui défend les océans et la vie océane. Par le combat et la violence? Non, par des actions un peu radicales. Et vous, comment vous avez été endoctriné là-dedans, en fait? C'est pas le bon mot, endoctriné. Embrigadé. Ni embrigadé. Ah. J'ai pas été embrigadé, je supporte des associations parce que c'est des gens courageux. C'est vous qui avez choisi la tête de mort? J'ai pas choisi la tête de mort, mais je trouve que c'est très sympa comme symbole. Et ben chacun ses goûts. Pourquoi vous chantez? Je vous entendais en chanter les petits pas, ça suffit pas, pourquoi? Parce que les grandes actions c'est mieux pour faire changer le monde. On essaye de faire des beaucoup plus grands gestes que ça pour que ça fonctionne et que ben, on arrive à transformer tout ça. Et... D'accord, mais du coup ça c'est en plastique quand même. Ça c'est un petit geste qui est pas... Alors ça c'est en plastique parce que j'avais peur qu'il pleuve beaucoup. On peut pas toujours être d'accord, hein. L'élite descend de la tour d'ivoire. Bon, merci beaucoup de me permettre de vous poser une question, parce que vous êtes le porte-parole un petit peu de cet événement-là. Est-ce que vous croyez franchement être pris au sérieux, alors que vous parlez devant une des foules entières comme ça, alors que vous portez même pas de cravate? Oui, effectivement, je ne porte pas de cravate, mais pour autant, ce qu'on dit est très sérieux. En fait, on a un choix, on a une urgence climatique et sociale en face de nous. On peut choisir soit continuer avec le quinquennat de Macron, là, qui vient de nous faire, qui est un désastre écologique, soit essayer de changer nos vies. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? On n'entend plus, mince. Et là, c'est reparti ou pas? C'est reparti. Alors, je refais tout le speech.
Du coup, je disais qu'on est reparti sur la dernière thématique de cette émission qui est la précarité énergétique, la rénovation thermique. Je disais aussi que ce n'était pas un sujet chiant, pas du tout. C'est un sujet très concret, très important. On a vu dans le chat des gens qui en doutaient, mais je suis sûre que mes invités vont vous prouver le contraire. Ils sont remontés là déjà qu'on est. Je suis pas content du chat là. Ouais. ils ont envie d'en découdre et ça c'est ce qu'on va faire. Mes invités c'est donc Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre à ma droite et Adrien Roux de l'Alliance Citoyenne pour dire deux mots. Donc la Fondation Abbé Pierre pour ceux qui connaissent pas c'est une fondation qui agit depuis 1987 pour permettre à toutes les personnes défavorisées d'accéder à un logement digne et à une vie digne. Et l'Alliance Citoyenne, ça a été créé en 2012 avec l'objectif de combattre les injustices et les discriminations. C'est un pouvoir citoyen dans les quartiers populaires, comme on peut le lire sur votre site. tu définiras si tu veux l'Alliance Citoyenne parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Enfin, vous portez vous accompagnez des campagnes et des combats très précis, en fait, comme vous l'avez fait sur celui des logements passoires dont on va parler. Je dis en deux mots pourquoi c'est une thématique très importante. En fait, en France, le secteur des bâtiments, c'est 45% de la consommation d'énergie. Donc, on se rend compte à quel point c'est gigantesque, en fait. Et pour les questions écologiques, climatiques, c'est juste gigantesque. Ça émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 par an. Et c'est une question qui est liée aux inégalités économiques et sociales. Vous allez nous l'expliquer. Et on va commencer par la mesure la plus importante, celle qui changerait beaucoup de choses d'après vous. Je vous lâche le jingle que vous commencez à en avoir marre, mais c'est la dernière fois. Je ne sais pas lequel veut commencer sur la mesure qui changerait. Je peux commencer si vous voulez. Évidemment, il y a plusieurs mesures qui sont nécessaires pour y arriver, mais s'il en fallait une qui changerait la donne par rapport à ce qui existe aujourd'hui, je pense qu'il faudrait des obligations de rénover toutes les passoires énergétiques, que vous soyez un bailleur ou un propriétaire occupant, qu'on vous dise, vous avez une passoire de telle mauvaise qualité, vous devez la rénover dans les 10 ans qui viennent. Vous, c'est dans les 6 ans qui viennent. Vous, dans les 12 ans. Et vous aurez des aides, vous aurez de l'accompagnement pour ça. Profitez du moment où vous allez peut-être vendre la maison ou en acheter une nouvelle, parce que c'est là qu'on fait les travaux. Si vous êtes dans une copropriété, profitez du ravalement de façade pour faire les travaux, mais vous devrez y passer. Il y aura des aides, il y aura de l'accompagnement, mais vous n'avez pas le choix. Et donc ça facilite en fait la prise de décision, ça faciliterait la prise de décision. Peut-être que tout le monde ne le ferait pas et que donc il faudrait réfléchir à des sanctions, des incitations, etc. Mais au moins, on aurait un chemin qui serait tracé pour tout le monde. Très clair. Et pour toi, Adrien ? Alors, pour nous, sur l'approche, la question pour arriver à dépasser tous les blocages, c'est une question de pouvoir. Et du coup, il faut changer un peu les règles du jeu de qui décide, et notamment tous les droits qui sont attachés à la propriété, et donner le pouvoir, plus de pouvoir aux locataires, notamment, qui sont en situation de précarité. Concrètement, c'est-à-dire quoi ? Des leviers de... Il y a par exemple des règles du jeu, des leviers de pouvoir qui pourraient être donnés sur le fait que faciliter la grève des loyers ou la grève des charges, que si jamais tu es locataire d'un propriétaire qui va refuser, par exemple, les rénovations thermiques, d'avoir plus de leviers d'action, et ce qui va concrètement revenir à transférer le coût de l'attente depuis les épaules du propriétaire, des familles énergétiques, sur le propriétaire qui, tant qu'il ne rénove pas, sera privé de son loyer, de ses charges. Et plus généralement, cette approche par le pouvoir, c'est l'idée qu'il faut réduire finalement, paradoxalement, le pouvoir de la propriété et avec plus de pouvoir des autorités publiques, la possibilité de réquisitionner s'il faut des logements dans lesquels les décisions des propriétaires ne sont pas faites. Et ça, c'est un peu plus technique, mais on pourrait y revenir, les règles du jeu dans les copropriétés qui sont là encore, qui donnent un pouvoir excessif sur les propriétés individuelles. Or, on le voit sur le climat, il faut casser le pouvoir de la propriété privée. Et sur le logement, comme on le verra sur d'autres secteurs, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, au pouvoir de la propriété et à la capacité à changer les règles du jeu pour accélérer les rénovations thermiques. Alors, est-ce que par exemple, Manuel, tu peux nous expliquer un petit peu, pour peut-être des gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Ah oui, on nous demande de bien parler dans dans les micros, ouais, parce que sinon le son est trop bas. Qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique ? Qu'est-ce que c'est que les passoires thermiques ? Est-ce que tu peux définir un petit peu ces mots-là ? Oui, la précarité énergétique, ça regroupe deux phénomènes. C'est soit le fait d'avoir froid chez soi, pour des raisons liées à la précarité, c'est pas juste parce que votre chaudière est tombée en panne avant-hier, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous chauffer, parce que votre logement, c'est une passoire énergétique, on y reviendra, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Il y a 20% de la population française qui déclare avoir eu froid en 2021 chez soi.
Et puis l'autre dimension, c'est le fait de se ruiner pour se chauffer. Donc de dépenser plus de 8 ou 10% de ses revenus pour payer son chauffage. Et parfois, il y a les deux à la fois. C'est-à-dire que vous vous ruinez pour vous chauffer et pour autant, vous êtes mal chauffé. Donc tout ça, ça représente à peu près 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique dans ce pays. Il y a une tendance à l'amélioration du parc de logements, parce qu'il y a des logements neufs qui sont quand même mieux isolés, etc. Mais il y a aussi une tendance à l'augmentation de la précarité énergétique parce qu'il y a une précarisation sociale en bas de l'échelle et parce que, surtout ces derniers temps, il y a une augmentation des prix de l'énergie. Donc là, on voit que depuis quelques mois, il y a une remontée très forte de la précarité énergétique, des coupures d'électricité, des réductions de puissance de gaz, d'électricité, parce que les gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Et puis, qu'est-ce que c'est une passoire énergétique? C'est simple, c'est qu'il y a un diagnostic sur la performance énergétique dans le logement en fonction de son isolation, des combles, des planchers, des fenêtres, la performance de son chauffage, etc. Et on classe les logements de A à G, et on estime que les F et G, ce sont des passoires énergétiques. Il y en a à peu près 5 millions ou 7 millions, ça dépend des estimations, dans le pays, sur un parc de à peu près 30 millions de résidences principales. Oui, il y a une personne sur 5 qui est aujourd'hui en situation de précarité énergétique en France, c'est énorme. Et dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose en fait que vous ressentez de mettre une trop grande part de votre budget pour vous chauffer, enfin, ou si c'est quelque chose que vous connaissez autour de vous, lancez des débats et des questions, c'est le moment. Je retourne sur... J'ai perdu ma question. Ah oui, est-ce que, peut-être Adrien, tu peux nous expliquer pourquoi en France il y a tellement de logements qui sont des passoires thermiques et pourquoi c'est une question qui touche aux inégalités sociales? Alors, pourquoi ça touche aux inégalités? Déjà parce que pour un grand nombre de gens, en tout cas nous ce qu'on voit parmi les membres de l'Alliance citoyenne, donc comme tu le disais au début, l'Alliance citoyenne c'est beaucoup, c'est des syndicats de quartier, des syndicats de locataires, des gens qui dans les quartiers populaires vont vivre des injustices. Et tout seuls qui se disent on n'y arrivera jamais à les résoudre, et du coup qui vont s'organiser pour arriver à faire pression, interpeller parfois leur propriétaire, parfois leur bailleur social, parfois le maire en fonction de ça. Et ce qu'on a remarqué, donc, d'abord quand ce sujet est sorti, c'est les coûts énormes que ça représentait pour le budget de familles modestes, c'est des questions de précarité énergétique. Là, sur l'hiver dernier, le moment qui était marquant, sur Aubervilliers, on avait un certain nombre de logements de copropriété, de locataires de logements privés et des locataires de bailleurs sociaux qui se retrouvaient à dépenser jusqu'à presque 25% de leur revenu mensuel. Certains avaient perdu en plus le revenu par rapport en 2020 suite au confinement. Et on se retrouvait avec des familles qui payaient 3 500 euros de factures de chauffage dans l'année. Ce qui se rajoute avec des frais médicaux pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas juste une question économique, c'est aussi une question sanitaire, ça a aussi un coût individuel, ça entraîne aussi des stigmatisations pour les personnes qui vivent ça. Est-ce que un de vous deux veut parler de ça, des autres coûts sociaux et individuels que ça implique? On a mené des études avant et après rénovation dans des passoires énergétiques et on voit qu'il y a des effets qui sont assez massifs sur la santé des occupants, notamment des enfants. Sur les pathologies cutanées, respiratoires, beaucoup, en fait, quand vous avez un logement qui est froid, c'est un logement qui est humide, qui a des moisissures, l'air intérieur est pollué, et ça, quand vous y passez vos journées et vos nuits, ça nuit à votre organisme, surtout quand vous êtes petit, et donc il y a des bronchiolites à répétition, etc., etc., et tout ça, ça abîme la santé des personnes à long terme. Ça a un coût qu'on a chiffré à 800 millions d'euros de dépenses de soins supplémentaires à cause des 5 millions de passoires énergétiques qu'on a. Le ministère de la Transition écologique a mené une étude en disant que si on arrivait à rénover toutes les passoires énergétiques dans le parc locatif dans les 10 années qui viennent, on sauverait 10 000 vies. Il y a 10 000 vies en jeu derrière cette histoire de la précarité énergétique. Et puis au-delà des questions de santé qui sont les plus prégnantes, il y a aussi une question de confiance en soi, de santé psychique, parce que quand on est dans un logement froid, on se sent mal, on n'ose pas recevoir des gens, on a du mal à être à l'aise pour étudier, pour... bien dormir, et c'est très important ensuite pour la santé, pour la productivité, pour la scolarité, etc. Donc vraiment, la précarité énergétique, ça a des effets sur le porte-monnaie, mais aussi sur la santé, le bien-être des habitants. Et sur la question climatique, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi un grand plan de rénovation thermique des bâtiments en France, ça aurait un impact direct en fait sur pour réussir à faire rentrer la France dans ses objectifs de diminution des émissions carbone? Dans les passoires énergétiques, il y en a beaucoup qui sont encore chauffés
au fuel, au gaz, sont des énergies fossiles qui sont extrêmement polluantes. Donc tout ce qui est amélioration de la performance énergétique, électrification dans une certaine mesure du chauffage de ces passoires énergétiques, ça diminue l'empreinte climatique de la France et des Français. Donc ça améliore aussi l'indépendance énergétique. On le voit en ce moment avec l'histoire du gaz de Poutine. Donc il y a vraiment un enjeu. Et en plus, c'est le chantier le plus facile du point de vue climatique. Parce que dire aux gens prenez moins l'avion, prenez moins la voiture, bah, c'est des changements de mode de vie. Et c'est pas toujours simple parce qu'on a envie de voyager, de prendre la voiture pour partir en week-end. S'il faut le faire moins, on voit qu'on est dans la sobriété. Donc c'est pas forcément simple, ça peut être désirable, mais c'est pas forcément simple. Là, sur améliorer la performance énergétique des logements, on ne demande pas un sacrifice aux Français. On fait un cadeau aux Français pour qu'ils soient mieux chauffés, qu'ils soient mieux dans leur logement, qu'ils dépensent moins d'argent pour se chauffer. Donc c'est le chantier climatique le plus simple à mener, en tout cas à faire accepter par la population. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne pour le climat, avec les 150 citoyens tirés au sort, avait mis ça tout en haut de leurs préoccupations. Le plus simple, et puis ouais. Celui qui, c'est un des chantiers qui est le plus emblématique en termes d'articulation de justice sociale et climatique, puisque l'enjeu est là notamment sur le fait d'amener des solutions immédiates pour que toutes les familles modestes qui sont en précarité énergétique faciliter la rénovation thermique de ces logements, c'est vraiment quelque chose qui mêle plus que beaucoup d'autres choses l'urgence sociale et l'urgence climatique. Et du coup, il y a ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune excuse et aucune raison de ne pas lever les obstacles qui facilitent ça. Il y a Foxen qui nous dit dans le chat, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut rénover les bâtiments? 20 ans plus? Alors, à l'échelle du mal logement, de l'immobilier, c'est un sujet relativement récent. Le simple mot de précarité énergétique, fuel poverty, ça existe depuis 15-20 ans en France. Donc c'est un sujet émergent qui a réussi à venir en haut de l'agenda quand même de la campagne présidentielle, on en parle aujourd'hui, etc. Donc c'est relativement neuf. Mais c'est vrai que à l'échelle humaine de nous, on a l'impression d'entendre tout le temps, à chaque campagne présidentielle, dire bah, « moi, mon grand chantier, ça va être la rénovation énergétique ». En 5 ans, en 10 ans, je vais rénover toutes les passoires, etc. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Après, quand on prend un peu de recul, comme on partait de zéro, en fait, en termes de politique de rénovation énergétique, bah, on a progressé. Et même dans ce quinquennat-là, là, qui a une politique du logement très négative, il y a eu quand même une montée en puissance du nombre de rénovations énergétiques. Bah, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la rénovation thermique, elle fait partie de la stratégie nationale bas carbone. Enfin, c'est en cours en France. Vous, ce que vous dénoncez, c'est que ça ne va pas assez vite et que c'est peut-être mal fait. Enfin, vous en pensez quoi? Ce qu'on peut pointer pour voir aussi la touche positive, nous, je vois au sein de l'Alliance citoyenne des familles membres qui vont se mobiliser pour accélérer les rénovations thermiques. Ça va faire depuis, je pense, 2014, les premiers combats qui ont été menés là-dessus. Et donc, c'est en grande majorité, nous, c'est des familles qui étaient dans le logement social, qui se retrouvaient à avoir des fenêtres qui étaient simple vitrage, qui étaient avec parfois du logement diffus qui était mal isolé. Et du coup, le gros enjeu à ce moment-là, et donc c'est des familles qui disaient qui n'arrivaient pas à payer, qui souffraient également du froid. Et l'action qu'on a peut-être menée des dizaines et des dizaines de fois, c'est des familles qui se mettent ensemble, qui se réunissaient, qui disent « on a trop froid chez nous, alors on va aller se réchauffer chez le bailleur, dans les locaux du bailleur ». Et on allait, voilà, les familles, une cinquantaine de personnes, s'installer dans les locaux du bailleur et puis rester là, pour mettre à l'agenda le problème, pour faire remonter dans le sens des priorités. Et ça fonctionnait, ce genre d'action? Eh ben oui, en face de nous, on a eu plusieurs fois des bailleurs et des responsables d'agence qui disaient, c'est vrai qu'à des moments, et là je parle vraiment surtout de la première moitié des années 2010, on a pu avoir des opérations en rue de rénovation urbaine qui nous poussaient sur des opérations de résidentialisation ou de façade. Et du coup, vous avez raison, quelque part, ces fenêtres, on aurait dû les changer plus tôt. Et donc ça, c'était vraiment marqué pour moi sur cette première partie des années 2010. Là, on arrive, et là, c'est pour la partie optimiste de l'histoire, quand on dit que ça va passer vite. Pour tout ce qui est logement public, tout ce qui est bailleurs sociaux, on a presque fini le job. C'est une bataille qui est presque gagnée. Okay. C'est-à-dire que la ligne, c'était 2025, l'année dernière, suite au... Faut parler plus près du micro. La dernière, suite au plan, suite aux aides gouvernementales sur les bailleurs, Emmanuel Wargon a remonté la barre en disant maintenant, on compte sur vous. Dès 2023, il est temps qu'il n'y ait plus de passoire thermique, zéro passoire thermique dans le parc du logement social. C'est presque gagné. Et qu'est-ce que ça dit, ça?
ça dit dans le logement, comme ça peut le dire sur le reste des enjeux climat, que le marché échoue, que la propriété privée est un frein et que la puissance publique, l'autorité publique, la gestion sociale et publique d'un enjeu économique est plus efficace pour faire face aux défis climatiques. Et du coup, on va dire, c'est un élément duquel on peut se réjouir et se dire quand même, on a un message qui est intéressant là-dedans, se dire, si jamais, et c'est ce que je disais un peu en introduction, si jamais on démocratise la question de l'économie, que ça repose moins sur les intérêts des acteurs privés, mais qu'il y a des acteurs sociaux, des acteurs publics qui prennent main, on est capable de relever le défi. Et le logement social, le logement public l'a montré en France avec le fait d'éradiquer les passoires thermiques du parc social. Ce qui est pour nous, là où on était en 2014, ce qui est quand même magnifique, même s'il y a encore beaucoup de chantiers et beaucoup de travail là-dedans. Et la question peut-être qu'on pose un peu à chaque fois, mais comment on finance ce grand plan de rénovation thermique? Ce qui est bien avec la rénovation énergétique, c'est que ça s'autofinance sur 30 ans. On a mené une étude coût-bénéfice pour l'État. Si le subventionnait davantage les travaux pour les ménages très modestes, et puis aussi pour les ménages modestes et un peu moins évidemment pour les ménages aisés, on pourrait éradiquer les passoires en 10 ans. Et en 30 ans, l'État revient dans ses frais parce qu'en fait, tout ça, ça veut dire que c'est beaucoup de travaux qui sont menés, donc c'est de l'activité, donc c'est des cotisations, c'est de la TVA qui rentre. Et puis c'est aussi, je l'ai dit, 800 millions d'euros de dépenses de soins, donc pour la sécurité sociale, en moins chaque année. Et donc à la fin, à l'échelle de 30 ans, l'État s'y retrouve. En plus, on peut s'endetter aujourd'hui à très bas coût quand on est l'État. Donc c'est maintenant qu'il faut lancer cette politique de rénovation. Et comme les prix de l'énergie augmentent, en fait, ce grand chantier, il est de plus en plus rentable. Mais pour qu'il soit rentable dans les 30 années qui viennent, il faut accepter d'investir, de dépenser aujourd'hui. C'est pour la bonne cause, hein, pour la planète, pour l'emploi, pour la santé, pour le bien-être des habitants, pour l'état du parc immobilier dans ce pays. Donc il faut accepter de mettre 3 ou 4 milliards d'euros en plus chaque année de subventions publiques pour aider les ménages à se lancer dans ce chantier. Ce n'est pas des montants qui sont aberrants. Aujourd'hui, on est à 7 milliards d'euros de dette publique, tout confondu, hein, pour la rénovation énergétique. On pense qu'il faut passer à 10 milliards ou 11 milliards par an. Vu tous les enjeux que ça soulève, on devrait y arriver facilement. Et pour autant, il faut à chaque fois aller gratter les millions les uns après les autres. Il y a eu un peu plus de souplesse budgétaire avec le plan de relance suite au Covid. Et c'est bien. Et ça a montré qu'il y avait eu une appétence forte des Français. Il y a eu 700 000 primes subventions pour la rénovation énergétique en 2021. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'y lancer. Mais c'est compliqué, on peut y venir, il y a encore beaucoup d'obstacles. Une autre manière d'aborder, pour compléter ça, c'est nous, ce qu'on a vu et avec Mamblé et Sven, ce qu'on appelle le coût de l'attente. Et le fait de repousser de 4 ans des travaux de rénovation thermique, pour des familles, ça va représenter 12 000, 15 000 euros pour les familles qui sont locataires et qui vont subir cette attente. En termes de d'argent En termes de chauffage, en termes d'écart finalement entre ce qu'elles payent chaque mois ou chaque 2 mois pour la facture d'énergie et ce qu'elles paieraient dans des logements correctement isolés. Et du coup, c'est là quelque chose qui est au cœur un peu de la contradiction sur le plan de ces enjeux de rénovation, c'est que c'est rentable, mais c'est rentable pour qui ? Si la personne qui paye les factures de chauffage n'est pas la même que celle qui doit débourser l'argent pour les rénovations, c'est ça qui est un problème. D'où l'enjeu, et nous, c'est ce qu'on essaye de pousser, de dire qu'il faut transférer dès maintenant le coût de l'attente et avec ces mécanismes qui doivent faciliter la possibilité pour les gens de ne plus payer leurs charges ou de réduire d'autant leur loyer du montant qui correspondrait à ce qu'ils paieraient dans un logement correctement isolé. Et ce type de transfert qui va permettre de résoudre une contradiction entre à qui profite la rénovation, dans tout le parc locatif, il y a un écart entre le propriétaire qui doit débourser et le locataire qui va bénéficier, effectivement. Et du coup, d'où l'enjeu d'agir aussi directement sur les règles du jeu qui doit, effectivement, lever un des obstacles à la rénovation thermique pour ce qui concerne ce type de logement. Je prends un petit peu les questions qu'on vous pose. On vous demande si vous êtes soucieux d'en parallèle freiner la construction de nouveaux bâtiments. Alors, à la Fondation Épierre, on est soucieux d'augmenter la construction de nouveaux bâtiments, si je peux me permettre, parce que nous avons une pénurie de logements dans ce pays, et ce serait bien de s'en rendre compte. On a une démographie qui est importante, et donc il va falloir construire entre 400 et 500 000 nouveaux logements chaque année pendant au moins 10 à 15 ans.
Donc des logements, c'est des bâtiments. Après, il faut économiser le foncier, les terres naturelles, les terres agricoles, et donc il faut essayer de refaire la ville sur la ville le maximum. Utiliser les friches industrielles, ça coûte plus cher. C'est pas toujours simple à faire accepter parce que ça veut dire plus de densité urbaine, mais c'est comme ça qu'on peut concilier la lutte contre le mal logement et la lutte contre l'artificialisation des terres. Mais je rappelle que si on fait un minimum de densité avec des logements collectifs, par exemple, les logements collectifs, en France, c'est 3% des terres artificialisées chaque année. Donc en gros, l'étalement urbain, la perte des terres agricoles, c'est pas à cause du logement collectif, c'est à, donc, des logements sociaux, etc. C'est à cause de la multiplication des pavillons qui sont à grande périphérie des villes, dans le périurbain, etc., etc., qui nécessitent de prendre la voiture. Etc. Donc on peut éviter d'opposer la lutte contre le mal logement et l'écologie. Et la lutte contre la précarité énergétique est le meilleur moyen de réussir à tenir les deux bouts de cette équation. Il y a Vincent Bolloré, c'est le vrai, qui vous demande « Peut-on faire ces travaux au niveau national avec les... » Je ne pensais pas qu'il s'intéressait à ce sujet, mais on y a plein de surprises. « Peut-on faire ces travaux au niveau national avec les petites entreprises ou va-t-il falloir faire appel aux grosses sociétés ?» Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'artisans, d'entrepreneurs qui soient bien formés sur la rénovation complète de performance globale. Et pas simplement des petits gestes, parce qu'effectivement, isoler les combles, ou changer les fenêtres, ou changer une chaudière, je crois que tout le monde sait à peu près le faire dans le paysage, à peu près, en tout cas les entrepreneurs honnêtes. Ce qui est plus compliqué, et là où on manque de savoir-faire, c'est de faire tout ça à la fois, la ventilation, l'isolation, le chauffage, etc., à partir d'un audit précis. Et donc là, on manque d'entrepreneurs pour le faire, alors que ça peut être des grosses boîtes et des gros réseaux également, mais c'est aussi des tissus d'artisans, hein, souvent des chauffagistes, etc., qui sont implantés sur les territoires et qu'il faut réussir à faire travailler ensemble. L'initiative Doremi, par exemple, fait de la rénovation complète au niveau BBC, basse consommation, y compris pour des ménages assez modestes. Ça coûte plus cher, ça coûte 30-40 000 euros, mais ils forment ensemble les artisans, parce que tout le monde n'est pas polyvalent sur tous les sujets, mais il faut être capable de travailler avec un chauffagiste, un plaquiste, etc. Et donc ça nécessite beaucoup plus de formation. Et c'est vraiment le point aveugle du plan de rénovation énergétique aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas dans la formation initiale ou continue d'augmentation du nombre de formations à la rénovation énergétique performante. Et donc même si on mettait des milliards d'euros en plus là maintenant, il est possible qu'assez vite, il y ait un frein, non pas par manque d'argent, mais par manque de compétences et aussi par manque de matières premières, parce qu'on est quand même dans une période où il y a une crise et une augmentation du prix des matières premières. Oui, aussi. Et ça se lie un petit peu avec le sujet qu'on abordait avant de la garantie à l'emploi vert, qui des associations qui veulent lancer la formation, de former plein de personnes pour ce genre d'emploi, donc ça rentrerait totalement dans le genre d'emploi, les emplois liés à l'isolation. Ce qu'on pense, en tout cas ce qu'on a pu tester aussi, c'est que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il y a un enjeu, il y a un potentiel à renforcer... En gros, l'approche territoriale, de se dire sur un territoire donné, et on l'a testé, on a commencé à travailler là-dessus, nous en Rhône-Alpes, sur des villes comme Villeurbanne ou autre, ce qu'on appelle des projets de territoire zéro logement passoire, où en fait, on va penser les différentes phases de la chaîne pour résoudre le problème. En gros, donc d'un côté, ce qui est moi, en gros, mon cœur, on va dire, de métier, qui est de générer la pression citoyenne générale, la mobilisation sur le territoire des acteurs suffisante pour amener, deuxième étape, la décision publique qui va accélérer les choses, donc les négociations entre les décideurs publics, pour dépasser ce troisième élément qui est la résistance, c'est-à-dire que ça soit sur la rénovation thermique, comme je pense que vous avez parlé avant sur l'alimentation et l'agriculture. En gros, au-delà de la solution de l'action publique, l'enjeu, c'est que la pression des bénéficiaires de la transition soit plus importante que la pression de ceux qui, finalement, n'ont pas à gagner à ça, pour pouvoir, dans un dernier temps, générer des solutions. Et l'approche territoriale, le fait d'arriver, de mobiliser des acteurs et d'avoir des synergies qui sont, depuis le départ, pression des locataires, mobilisation sur des situations complexes de copropriété dégradée, et donc mobilisation généralisée pour arriver à dépasser les blocages, et en même temps structurer l'offre et la filière. Et donc on est convaincus, nous, sur ce sujet et sur d'autres, que c'est avec des dynamiques de mobilisation territoriale de ce type-là, territoire zéro logement passoire ou d'autres, qu'on va arriver à construire des solutions qui soient aussi adaptées et efficaces par rapport au problème.
Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant comme tous les autres thèmes. On va devoir conclure malheureusement, mais peut-être un dernier mot sur les élections qui arrivent, si vous avez un message à faire passer pour aller voter pour le combat que vous portez, si vous vous reconnaissez dans certains programmes qui reprennent certaines de vos propositions, c'est le moment de nous l'avouer. Ben, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tous les candidats quasiment ont mis cette question-là en plus ou moins en haut de l'agenda. Alors, en tout cas, il y a un consensus qui s'est dessiné. Maintenant, on attend des citoyens, des électeurs, ceux qui peuvent voter, qui ont envie de voter, qui ont le droit de voter, de regarder précisément qu'est-ce qui est prévu et qui va payer cette rénovation énergétique. Ça va rapporter, on l'a dit, mais ça va aussi coûter maintenant. Donc, qui va payer ? Est-ce que c'est les bailleurs qui seront obligés de faire ces travaux-là ? Est-ce que l'État va aider davantage les ménages modestes et très modestes ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont 40% quand même du coût des travaux qui leur revient encore avec les primes actuelles. Donc, c'est beaucoup trop quand vous êtes au SMIC ou au RSA. Donc, regardez précisément ce qui est proposé par les candidats. Et puis après, votez en fonction de ce sujet parmi d'autres, évidemment. OK. Et pour toi ? Moi, nous, ce qu'on dit souvent, c'est de dire là, on est beaucoup focalisé par l'élection, mais le boulot commence après. Quelle que soit la personne qui va être là-haut, ça va dépendre de nous de construire la pression citoyenne suffisante pour arriver à mettre le paquet là-dessus comme sur le reste. En gros, le parallèle, je le fais tout à l'heure, on le fait souvent par rapport à l'agriculture, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transition agricole s'il n'y a pas un mouvement massif, et ça commence par l'organisation collective des riverains de l'agriculture industrielle qui va arriver à faire une pression suffisante pour que, le moment donné, la personne qui soit là-haut au palais de l'Élysée ou dans le ministère va pas pencher du côté du conservatisme et de la réaction, mais du côté de la transition. Et sur les logements, sur les rénovations de mix, c'est pareil. Il y a chaque jour des dizaines, des centaines de familles qui se mobilisent là-dessus, des pétitions qui tournent, des familles, comme je racontais, qui vont occuper des logements pour accélérer ça. Il y a besoin d'aide, il y a besoin de soutien, il y a besoin aussi de synergie et de lien entre les classes populaires qui sont au front là-dessus et des climats et des citoyens et citoyennes qui sont engagés là-dessus. Donc, j'ai envie de dire, votez en votre âme et confiance, je vous fais confiance, mais c'est plutôt après que je vous attends, parce que la pression, qui que ce soit, et même si c'est les copains qui sont là-haut, il faudra être capable de leur mettre la misère pour que ce qu'on veut obtenir le soit, parce qu'en face, les forces de résistance sont énormes. Aujourd'hui, des fédérations de propriétaires freinent contre les obligations que tu mentionnais, Manuel. Et du coup, ça va dépendre de notre pouvoir, quoi. C'est nous qui avons ça en main. Et donc, soucions-nous de l'après-élection, okay. C'est là qu'on va gagner la bataille. Adrien, il vous attend au tournant, on a compris. Bah, merci beaucoup, merci Manuel, merci Adrien d'être venu. C'est déjà le moment du débrief, de la conclusion de ce live. Vous pouvez y aller pour accueillir... Oula, j'ai mis la mauvaise caméra. Pour accueillir José qui va faire une conclusion avec Roman de Youth for Climate et Charlène que vous avez vu au début de cette émission. Merci à ceux qui sont encore sur le live, il est 22h20, ça fait plaisir que vous passiez la soirée avec nous, vous pouvez faire un tour comme ça, et je vais les laisser venir conclure, moi je m'en vais, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de People. N'hésitez pas quand même à aller suivre People sur les réseaux sociaux, on est un nouveau média, on se lance sur Twitch, tout est nouveau, on essaye de construire des émissions comme ça qui sont intéressantes, où on ramène des nouveaux sujets dans les médias, donc... Ça fait plaisir, tout votre soutien et le bienvenu. Et je laisse la place à José qui va venir me remplacer sur cette chaise. À bientôt tout le monde. Est-ce que je garde la perruque ou pas ? Bon, j'ai fait une petite pause parce que c'est un peu long et qu'on a des invités en or. Et voilà. Et bah bonjour. On m'a dit non, on a parlé de l'enlever. Bah voilà, ils aiment pas. Je suis mort. Ils aiment pas ton nouveau Attends, personnage. Attends, c'est un petit. Bon, ok, je l'enlève. Vous êtes vraiment méchant. Bon, bah c'est la conclusion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, pareil, poser des questions et à débriefer avec nous. Là, c'est le débrief. Et d'ailleurs, hop, bam! On accueille Youth for Climate. Salut. Hop, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Romane, je suis militante à Youth for Climate. J'ai 16 ans
Et je suis là pour parler de plein de sujets, la marche du 9, la grève du 25, bref. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu ce que c'est Youth for Climate ? Parce que je pense que les personnes qui sont sur Twitch ne sont pas forcément du coup des gens qui comprennent tout cet engagement. Alors, Youth for Climate, c'est un mouvement qui découle du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg. Et donc en fait, on a vu que bon, les marches du vendredi, c'était sympa, mais qu'au final, on n'avait pas beaucoup de réactions de la part des dirigeants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'appelle Youth for Climate. Et qu'on essaye de mettre en place des actions de désobéissance civile à côté, évidemment, des marches qu'on continue de faire à l'international. Ok, super. Et tu peux peut-être parler un peu de ton engagement, du coup, de pourquoi toi nous dire aussi peut-être ton âge. C'est un peu... Ouais, j'ai 16 ans. On dit pas l'âge. Normalement, on demande pas l'âge aux filles. Hein. Mon engagement en fait il vient d'abord des discours de Greta Thunberg, je pense que c'est un peu ce qui a déclenché, c'était un truc qui était en moi depuis petite et juste ça a déclenché un besoin hyper fort d'engagement sur ce sujet là et après je pense en vrai c'est surtout les discussions avec plein de militants autour de moi et tout qui ont construit mon engagement d'aujourd'hui et mes idées d'aujourd'hui. Évidemment il y a peut-être un déclencheur, mais en vrai je pense pas que ça soit que ça. Et c'est surtout les discussions avec plein de militants autour de moi qui ont créé mon engagement. Voilà. Trop cool. Juste après, quand tu parleras, essaie juste de t'approcher au micro au cas où. Ouais, pardon. Non, mais t'inquiète. Installe-toi. Voilà, pour la conclusion, on va parler donc de la marche du 9. Charlène. Yes, exactement. Le comeback de Charlène. Bien compris, la marche du 9. Donc oui, on a fait une marche le 12, mais c'était un échauffement. On va faire une marche le 9. Et cette marche, en fait, elle va regrouper encore plus de personnes parce que l'idée, c'est de regrouper à la fois le mouvement climat, mais aussi d'autres luttes qui ont été les grandes oubliées du dernier quinquennat, du quinquennat passé. Donc ce sont les luttes féministes, les luttes antiracistes, etc. Et l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble donc pour la marche du futur. Donc ce live s'appelait le live du futur, c'était pas un hasard. Et l'idée, c'est de se donner de la joie ensemble, de jouer collectif pour dire que ce qui se passe, en fait, l'invisibilisation de ces sujets et le fait de traîner en longueur et le fait de pas les traiter, ça a un impact direct sur nos vies et c'est inadmissible. Donc on va tous ensemble se donner du courage et contrer les gens qui prônent la division et le repli sur soi. Et il y aura aussi 2-3 surprises. Oui, il y aura des artistes, mais on n'a pas le droit de dire qui. En tout cas, sur les marches de Paris. Après, il y a aussi des marches partout en France. Hein. On va pas rester parisienne au centré. D'ailleurs, j'ai un suite alternatif à Paris, mais je viens de Lille. Mais faut pas le dire. D'ailleurs, si vous voulez des suites comme ça, upcyclées et tout, n'hésitez pas à suivre Sap de Lutte sur Insta ou passer à la base pour acheter ces fringues, puisque c'est des fringues qui sont récupérées et qui sont sérigraphiées pour être vendues à prix libre. Et ça soutient la lutte. Donc, passez à la base, prendre vos suites. Mais bref, Petite pub, hein. C'était pour le dire, mais il y a des marches partout en France. Et s'il n'y en a pas dans votre ville, n'hésitez pas à en créer une. Il y a en fait tout le mode d'emploi qui est disponible sur le site internet, donc marche9avril.com. Vous y allez, vous vous lancez avec 2-3 potes. Comme on l'a dit au début avec Camille et Étienne, il ne faut pas forcément grand-chose. Il faut se lancer, il faut créer des choses autour de soi. Et souvent, en fait, en se lançant, on rencontre d'autres militants qui font la même chose, qui ont les mêmes aspirations. Enfin, je pense que c'est pareil, ton expérience. Ouais. Donc allez-y, lâchez-vous. Le 9 avril, il faut tout changer parce qu'en fait, on parle de futur, là, mais c'est le futur très, très proche, en fait. C'est le futur de demain. Et demain, il va falloir voter. Et nous, donc, vous l'avez peut-être compris, à Alternativa, à NVCOP21 et les Amis de la Terre, on appelle à voter, à se saisir de ce moyen-là. Il y a d'autres moyens de lutte, évidemment, mais ça, c'est un moyen aussi de choisir ce qu'on veut dans les 5 ans à venir. Très bien. Roman, vous allez y être, vous, à la marche? Vous avez peut-être des choses à nous dire par rapport... Comme tu le disais, en fait, c'est super important aujourd'hui de réunir toutes les luttes parce que le climat, c'est dans 5 ans, 10 ans, c'est déjà tout de suite, en fait, mais il y a des luttes, des gens qui souffrent là, maintenant, à la fois des causes... climatique, mais des causes sociales qui sont, encore une fois, les oubliés de ce quinquennat. Et en fait, on est tous et toutes les oubliés de ce quinquennat, autant sur les sujets climatiques que sur des sujets sociaux qui sont super importants et qui sont super importants à mettre en avant dans les marches. Voilà. Puis en plus, les solutions existent, quoi. On l'a montré pendant ce live. Merci à tout le monde d'être,
d'être resté pour écouter ces trucs-là. On n'est pas voilà, des écolos qui disons non à tout. Au contraire, on a des propositions, on a des choses très concrètes pour améliorer nos vies dès maintenant et pour lutter contre un système mortifère. Et donc, il suffit maintenant de les porter suffisamment haut pour, que, pour vraiment inciter, non pas inciter, mais obliger nos dirigeants à les mettre en œuvre. En tout cas, pour nous, la team, on a vraiment, vraiment hâte d'être à la marche, ça va être trop bien. Grave. Et puis merci à vous, Emeco, c'était franchement un gros boulot d'organiser tout ce live. Ouais. Donc, puis surtout un sketch sans répéter, un truc de dingue, quoi. Merci à Raph aussi qui a fait un travail de dingue pour se renseigner sur les mesures. Ouais. Il rigole à côté. Il arrête pas. Je sais pas ce qu'on a dit. Mais ouais. D'ailleurs, on t'entendait beaucoup dans le studio quand tu rigolais. Et je te lâche en live comme ça. Pardon, bah oui, je rigole fort. Mais voilà. Mais et sinon, Roman, bah, peut-être bah, t'es quand même ici pour parler des Youth for Climate. Peut-être pour parler de vos accents. Ça, parce que moi, j'adore assister, venir filmer ce que vous faites, etc. Ouais. Donc peut-être une revendication ou quelque chose que vous avez sur le cœur. Bah déjà, sur le vote, juste, en fait, nous, déjà, on s'est mobilisés en étant jeunes, en n'ayant en fait pas l'âge de voter. Et ça nous a permis aussi de découvrir d'autres façons de lutter qui ne sont pas par le vote. Et parce que nos actions, elles ne passent pas que par le vote, même si évidemment, ça passe par le vote. Mais en fait, nous, on a besoin, en tant que jeunes, de se mobiliser tout autant que les majeurs. Et on le fait par d'autres actions. Et donc, évidemment... Donc là, on a organisé la grève du 25 mars. T'as kiffé ? C'est bien passé ? Ouais, c'était trop cool. et en fait, c'était important aussi de dire, bon bah voilà, en fait, ça fait 3 ans qu'on fait des actions, qu'on essaye d'établir un rapport de force entre nous et les dirigeants et dirigeantes. Et en fait, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire changer les choses par des marches, par des actions, par tout ce qu'on veut et tout ce qui est en notre pouvoir. Pour enfin faire changer les choses, parce que ça fait 3 ans qu'on est là. Pardon, je parle pas assez près du micro, c'est non, ça. C'est ça. Et ça fait 3 ans qu'on est là et que juste, il n'y a rien qui change. Et donc, voilà, tant sur le plan social que climatique. Et tu veux parler d'une de vos actions, par exemple, hein, quelque chose que vous avez fait ou... Bah, du coup, la marche du 25. Non, mais on dit des actions comme quoi vous pouvez faire parfois. De non-violence, de désobéissance. Ouais, bah oui, oui, on fait des actions de désobéissance civile aussi à côté de ça. Ça peut être aller. Je vais pas me mettre en avant en tant que participante de désobéissance civile. mais voilà, aller alerter en fait les citoyens et citoyennes sur ce qui est en train de se passer, notamment par exemple, bah, j'imagine que Camille Etienne en a déjà parlé, mais le projet ICOP, etc. C'est hyper important d'en parler et d'aller faire des actions devant les grandes entreprises pour à la fois alerter les citoyens et alerter, et plus qu'alerter les entreprises, les forcer à arrêter ce genre de projet. Ok, très bien. T'as un dernier mot à dire ? Eh bah, bien, merci à tous d'avoir assisté à ce live, c'était très cool. T'es resté pas très longtemps. Ouais, je suis pas resté longtemps, mais c'était très sympa en tout cas, cette fin de live. T'as mangé, t'as bu des verres. Pas bien, vous faites boire les mineurs. Oh. Charlène, tu as un dernier mot à dire ? Ben, rejoignez-nous ou rejoignez d'autres orgas, enfin comme Youth for Climate, comme Extinction Rebellion, comme tous les groupes locaux qui peuvent agir localement pour un certain nombre de projets ou contre d'autres projets. Il y a aussi énormément de luttes locales qui se battent partout en France pour essayer de freiner toujours plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc rejoignez-nous. Si vous savez pas par où commencer, il y a la marche du 9. Elle sera fun, elle sera vraiment sympa et elle portera une écologie en tant que projet de société, vraiment une écologie populaire qui s'attaque d'abord aux problèmes, mais tout en résolvant des soucis dans la vie des gens et tout en rendant les choses plus belles et plus dignes. Et voilà, et puis c'est chouette en fait, le combat est chouette. Nous, on est vraiment, je crois qu'on a plus de sens dans nos vies à être là qu'à être à d'autres endroits et donc ça fait plaisir. Si je peux rajouter juste un truc, comme tu le disais, c'est en fait c'est hyper important aussi de s'engager au niveau local. Il y a plein de projets qui sont en train d'être montés par les entreprises ou par les gouvernements dans des endroits. Enfin voilà, on a vu avec les jardins d'Aubervilliers ce qui s'est passé. Et en fait, c'est hyper important aussi d'aller se battre au niveau local tant qu'au niveau international. Voilà. Et aller voter le 10 avril. Pour ouais. ceux qui ne peuvent pas voter, justement, pour exprimer cette voix, parce que finalement, le problème, c'est que le camp progressiste compte beaucoup d'abstentionnistes, en fait, qui ne se sentent pas légitimes d'aller voter. La jeunesse vote peu, par exemple.
alors que les vieux de plus de 70 ans votent très très pour fortement. Et enfin, donc voilà, et ils ont des idées conservatrices par ailleurs. Donc en fait, donc voilà, il faut aller voter. C'est pas le seul moyen de se mobiliser, bien évidemment, mais c'est un des moyens d'action qu'on a à notre disposition et on peut pas se permettre de perdre 50 plus. Pour finaliser, la marche du 9, elle commence où, elle se termine où et à quelle heure, si on a déjà des horaires? Je sais pas parce que je suis d'Alternative à Lille et pas d'Alternative à Paris. Mais on vous dira, il y a un événement Facebook et franchement, ça va bien se passer. Mettez-vous sur l'événement Facebook. Ah, Gabriel veut nous dire. Ah, il y a Gab qui vient parce qu'on est un peu en dèche. Roman, tu savais, toi? Go. Non. On se retrouve à... Attention, c'est bon, la caméra. On se retrouve à Bastille à 14h le 9 avril pour aller à République. Il y aura un super concert avec des stars qu'on va annoncer bientôt. Donc voilà, soyez nombreux et nombreux. Et on se retrouve après le second tour, quoi qu'il en soit du résultat, parce qu'il faut instaurer le rapport de force, parce qu'il n'y a pas d'homme ou femme miracle au pouvoir qui peut nous sauver. Et donc, il faudrait être là pour... voilà, se faire entendre. Hein. Mais pour s'amuser aussi, c'est pas un truc... voilà, mais oui. On peut lutter en et rigoler aussi. Exactement. Voilà, c'est possible. Merci, voilà. Monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ok, je tiens en tout cas à remercier toutes les associations, tous les mouvements, toutes les personnes qui étaient là. C'était trop bien d'avoir travaillé, d'avoir fait ce projet avec vous. Et aussi, je tiens à m'excuser, en même temps saluer toutes les autres organisations qui n'étaient pas là. Parce que ça demande énormément de travail et que on a fait rentrer, je crois, 13 personnes en moins de 3 heures, enfin, ou 3-4 heures, je sais plus combien de live on est. Donc c'est un peu difficile, mais notamment. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, mais c'est vraiment pour m'excuser aussi auprès des autres et on les fera venir aussi sur le plateau et on fera d'autres projets avec, il n'y a pas de problème. Et voilà, on se voit très vite. Yes, merci beaucoup. Et merci à vous tous. Ciao, ciao.